Quatrième partie, chapitre 34. Un enfant demandera, pourquoi y a-t-il un monde? Un adulte se demandera Quelle direction prendra le monde Quelle sera sa fin et, pendant que nous y sommes, pourquoi y a-t-il un monde Il y a un conflit qui depuis toujours nous effraie et nous inspire. Un seul. Nous vivons un feuilleton où chaque numéro ressemble au précédent et où la réponse est toujours la suite au prochain numéro. Les humains sont pris dans leur vie, leurs pensées, leurs appétits et leurs ambitions, leur avarice et leur cruauté, mais aussi dans leur bonté et leur générosité, au filet du bien et du mal. C'est leur histoire, la nôtre, et elle se répète dans tous les domaines des sens ou de l'intelligence. La vertu et le vice ont été la trame et la chaîne de notre première conscience, et ils formeront le matériau de notre dernière conscience, et cela, Malgré les changements que nous pourrons faire subir à la terre, à ses rivières et à ses montagnes, à son économie et à ses mœurs. Après qu'il se sera débarrassé des poussières et des copeaux de sa vie, l'homme devra toujours affronter cette question, dure et sans ambiguïté Était-ce bien ou mal Ai-je bien agi ou mal Hérodote raconte comment Crésus, le roi le plus riche et le plus privilégié de son époque, posa à Solon l'Athénien une question majeure. Il ne l'aurait pas posé s'il n'avait pas eu de doute. Qui, demanda t-il, est l'homme le plus heureux de la terre? Il devait être affamé de certitude. Solon lui cita les noms des trois hommes qui avaient été heureux dans le passé, et sans doute Crésus ne l'écouta pas, car le seul nom qu'il brûlait d'entendre était le sien. Aussi, quand Solon ne le mentionna pas, Crésus fut contraint de demander. Ne me considères tu pas parmi les heureux? Solon répondit sans hésitation. Pour dire d'un homme qu'il fut heureux, attendez qu'il ait tourné sa dernière page. Et cette réponse hanta juste quand il perdit bonheur, richesse et royaume. Et lorsqu'il monta sur le bûcher, il évoqua le nom de Solon et souhaita ne pas lui avoir posé la question. À notre époque, lorsqu'un homme meurt, s'il a possédé la fortune, l'influence, le pouvoir et tous les attributs qui éveillent l'envie et que les vivants font l'inventaire de sa vie, la question est toujours là. A-t-il fait le bien ou le mal, ce qui consiste à poser d'une autre façon la question de Crésus. La jalousie n'est plus, et la commune mesure est la suivante. Fut il aimé ou haï? Sa mort est-elle une perte ou engendre-t-elle la joie? Je me rappelle clairement la mort de trois hommes. Le premier était l'homme le plus riche de son siècle. Il avait taillé son chemin jusqu'à la fortune en déchirant les âmes et les corps, mais il avait passé de nombreuses années à essayer de racheter l'amour qu'il avait trahi. Il avait ainsi rendu de grands services à l'humanité, et peut-être avait il largement fait pencher la balance du bon côté. J'étais en mer lorsqu'il mourut. La nouvelle fut affichée sur le tableau de service, et accueillie avec plaisir. Nombreux furent ceux qui dirent Dieu merci, ce salaud là est mort. Le second, malin comme le diable, ignorant la dignité humaine et connaissant trop bien les faiblesses et les laideurs de l'homme, utilisa toute sa science pour pervertir, acheter, corrompre, menacer et séduire jusqu'à ce qu'il eût atteint le pouvoir, dissimulant ses vrais mobiles sous les traits de la vertu. Je me suis demandé s'il si savait qu'aucun cadeau ne rachète jamais l'amour d'un homme dont on a blessé l'amour propre. Le corrompu ne peut que haïr son corrupteur. Lorsqu'il mourut, la nation tout entière fit son éloge, mais en même temps soupira d'aise. Le troisième commit peut-être de nombreuses erreurs, mais sa vie fut vouée à servir l'homme. À lui rendre courage, dignité et bonté, à une époque où l'homme avait peur et où des forces mauvaises se déchaînaient dans le monde pour utiliser les terreurs de l'homme. Cet homme était haï par une minorité. Lorsqu'il mourut, le peuple éclata en larmes dans les rues et il lança ce cri Qu'allons-nous faire maintenant Comment pouvons-nous vivre sans lui Sous sa carapace de lâcheté, l'homme aspire à la bonté et veut être aimé. S'il prend le chemin du vice, c'est qu'il a cru prendre un raccourci qui le mènerait à l'amour. Lorsqu'un homme arrive au moment suprême, peu importe son talent, son pouvoir ou son génie, s'il meurt haï, sa vie est une faillite, et sa mort une froide horreur. Il me semble que vous ou moi, au moment de choisir entre deux voies, devons toujours penser à notre fin, et vivre pour que notre mort ne fasse plaisir à personne. Nous n'avons qu'une histoire. Tous les romans, tous les poèmes sont bâtis sur la lutte incessante que se livrent en nous mêmes le bien et le mal. Le mal doit être constamment ressuscité, alors que le bien, alors que la vertu sont immortels. Le vice offre toujours un visage frais et jeune, alors que la vertu est plus vénérable que tout au monde. CHAPITRE XXV. LI aida Adam et les jumeaux à emménager à Salinas, ce qui revient à dire qu'il fit tout le travail. Il emballa toutes les affaires, les porta au train, Empila les valises sur le siège arrière de la Ford, déballa le tout en arrivant à Salinas et installa la famille dans la petite maison des Dessis. Lorsqu'il eut fait tout ce qui était de son devoir, plus un certain nombre de futilités pour reculer l'échéance, il demanda un soir une audience à Adam, après que les jumeaux furent allés se coucher. Peut-être Adam comprit-il tout de suite en voyant l'air compassé de lit. Je m'y attendais. Parlez, dit Adam. Cela rendait inutile le long discours que Lee avait appris par cœur et qui commençait ainsi. Pendant un grand nombre d'années, je vous ai servi du mieux que j'ai pu, et aujourd'hui J'ai repoussé ce jour aussi longtemps que j'ai pu, dit Lee. J'ai préparé un discours. Voulez vous l'entendre? Voulez vous le prononcer? Non, dit Lee, mais c'était un bien beau discours. Quand voulez vous partir? demanda Adam. Aussi vite que possible. J'ai peur que ma volonté ne fléchisse si je ne pars pas rapidement. Voulez-vous que j'attende que vous m'ayez trouvé un remplaçant Non, dit Adam. Vous savez combien je suis lent. Cela peut prendre quelque temps, et je puis aussi ne jamais m'y résoudre. Alors je partirai demain. Cela va faire beaucoup de peine aux enfants, dit Adam. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Peut-être vaudrait-il mieux que vous partiez sans rien dire et que je leur annonce plus tard. Les réactions des enfants sont toujours surprenantes, dit Lee. Elles le furent. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, Adam dit. Mes enfants, Lee s'en va. Ah oui, dit Cal. Il y a un match de basket-ball ce soir. Ça coûte dix cents. On peut y aller. Oui, mais avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Mais oui, répondit Aaron. Tu nous as dit que Lee partait. Il part pour toujours. Où va-t-il? demanda Cal. Vivre à San Francisco. Ah! Oh, il y a un marchand au coin de la rue, sur le trottoir, il y a un petit fourneau, et il fait cuire des saucisses qu'il glisse dans un petit pain. Ça coûte un cent, et on peut prendre toute la moutarde que l'on veut. Lee, dans la cuisine, sourit à Adam. Lorsque les jumeaux prirent leurs livres pour partir, Lee dit Au revoir, mes enfants. Ils crièrent Au revoir et se précipitèrent dehors. Adam plongea la tête vers sa tasse et dit en manière d'excuse quelle petite brute Voilà votre récompense pour dix ans de service. C'est mieux ainsi, dit Lee. S'ils avaient fait semblant d'avoir du chagrin, je ne les aurais pas crus. Je ne représente rien pour eux. Peut-être penseront-ils à moi quelquefois sans rien dire. Je ne veux pas qu'ils soient tristes. J'espère ne pas avoir l'âme assez mesquine pour souhaiter les serins vides. Il posa une pièce de cinquante cents sur la table devant Adam. Lorsqu'ils iront au basket-ball ce soir, donnez-leur ceci de ma part et dites-leur de, de s'acheter des saucisses. Peut-être mon cadeau d'adieu leur occasionnera t-il un embarras gastrique. Adam regarda le long panier que Lee avait apporté dans le salon. Est ce tout votre bagage, Lee? Tout, sauf mes livres. Ils sont dans des caisses dans la cave. Si cela ne vous dérange pas, je les enverrai chercher, ou je viendrai moi même lorsque je serai installé. Avec plaisir. Vous allez me manquer, Lee, que vous le vouliez ou non. Vous allez vraiment ouvrir votre librairie? C'est bien mon intention. Vous me donnerez de vos nouvelles? Je ne sais pas. Il faudra que je réfléchisse. On dit qu'une franche blessure se cicatrise mieux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'une amitié qui ne tient plus que par la colle des timbres postes. Quand on ne peut plus voir, entendre ou toucher un homme, il vaut mieux rompre les amarres. Adam se leva. Je vous accompagne à la gare. Non, dit Ly avec vigueur. Non, je ne veux pas. Au revoir, Mister Trask. Au revoir, Adam. Il sortit si vite de la maison que le Au revoir d'Adam l'atteignit au bas des marches du perron et que le Écrivez-nous fut couvert par le bruit de la porte qui se refermait. Après le match de basket-ball, Cal et Aaron mangèrent chacun cinq saucisses et ils eurent raison car Adam avait oublié de faire le dîner. En rentrant, les jumeaux parlèrent pour la première fois du départ de Lee. Je me demande pourquoi il est parti, dit Cal. Il en avait déjà parlé. « Qu'est-ce que tu crois qu'il va le devenir sans nous ?»« Je ne sais pas. »« Je te parie qu'il reviendra, » dit Aaron. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Papa a dit qu'il allait ouvrir une librairie. »« Ça doit être drôle, une librairie chinoise. »« Il reviendra, » dit Aaron. « Il s'ennuiera de nous, tu verras. »« Je te parie dix cents que non. »« Avant quand ?»« Avant toujours. »« Tenu, » dit Aaron. Aaron dut attendre exactement un mois et six jours pour gagner son pari. Lee arriva par le dix heures quarante et entra avec sa propre clef. Il y avait de la lumière dans la salle à manger, mais Lee trouva Adam dans la cuisine, grattant une croûte noirâtre dans le fond de la poêle avec un ouvre boîte. Lee posa son panier. Il faut la laisser tremper toute la nuit, dit il. Ah. Oui. J'ai brûlé tout ce que j'ai cuit. Il y a une casserole de betterave dans le jardin. Ça sentait si mauvais que la maison était empuantie. Il n'y a rien de pire. Cria-t-il, puis que se passe-t-il? Li prit la poêle à frire des mains d'Adam, la posa dans l'évier, la remplit d'eau. Si nous avions un de ces nouveaux fourneaux à gaz, nous pourrions faire du café en quelques minutes, dit-il. Je vais allumer le feu. Il ne marche plus, dit Adam. Li examina le poêle. Avez-vous vidé les cendres? Quelles cendres? Oh, fit Lee. Allez au salon, je vais faire du café. Adam attendit impatiemment, mais ne désobéit pas. Enfin Lee apporta deux tasses de café et les posa sur la table. Je l'ai fait à la turque, dit il. C'est plus rapide. Il se pencha sur son panier, dénoua la corde qui le fermait, et sortit sa gourde de pierre. Absinthe chinoise, dit il. L'unkapi me durera peut-être encore dix ans. J'ai oublié de vous demander si vous m'aviez remplacé. Vous tournez autour du pot, dit Adam. Oui, mais je sais que la meilleure des choses est d'en parler tout de suite et de s'en débarrasser. Vous avez perdu votre argent au Fantan Non, je voudrais qu'il en soit ainsi. J'ai toujours mon argent. Cette cochonnerie de bouchon est cassée. Il faut que je l'enfonce. Il versa le liquide noir dans son café. Je ne l'avais jamais bu comme ça, dit-il. C'est excellent. Cela a un goût de pomme pourrie, dit Adam. Oui, mais rappelez-vous, Sam Hamilton disait que c'était un goût de bonne pomme pourrie. « Quand comptez-vous me dire ce qu'il vous est arrivé ?»« Il ne m'est rien arrivé, dit Lee. Je me suis senti seul, c'est tout. N'est-ce pas suffisant ?»« Et votre librairie ?»« Je n'en veux pas. Je crois que je le savais avant de monter dans le train, mais je voulais en être sûr. »« C'est votre dernier rêve qui s'évanouit ?»« Bon débarras !» Lee semblait en proie à une hystérie grandissante. « Mr. Trask, Selvital chinois va se saouler !» Adam parut alarmé. « Êtes-vous malade, Lee ?» Le chinois porta la bouteille à ses lèvres, prit une longue gorgée et soupira, comme s'il allait cracher des flammes. Adam, dit-il, je suis incomparablement, incroyablement, terriblement heureux d'être de retour à la maison. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Chapitre XXXVI Saninas avait deux écoles primaires, deux grands bâtiments jaunes. Leurs fenêtres étaient maléfiques. Leurs portes Mossad. On les appelait respectivement East End et West End. Comme l'East End était très loin de l'autre côté de la ville, et que seuls les enfants qui habitaient à l'est de Main Street la fréquentaient, je n'en parlerai pas. Le West End, une longue bâtisse bordée par une rangée de peupliers noueux, se dressait entre la cour des filles et celle des garçons. Une palissade prolongeait l'école, toujours pour séparer les deux sexes. Au fond, la cour était délimitée par un bourbier d'eau stagnante où poussaient des roseaux et des massettes. L'école de West End comprenait les classes de la troisième à la huitième. Les enfants de première et de seconde allaient à l'école maternelle, à quelque distance de là. Il y avait une pièce pour chaque classe troisième, quatrième, cinquième, au rez-de-chaussée, sixième, septième, huitième, au premier étage. Chaque local était meublé de pupitres classiques d'une plateforme avec un grand bureau carré pour le professeur, d'une pendule et d'un tableau. Le sujet de cette reproduction identifiait la classe. L'influence préraphaélite était accablante. Galahad, debout dans son armure, désignait le chemin à ceux de la troisième. Atalante, en première course, entraînait ceux de la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à Catilina dénoncée qui envoyait ceux de la huitième vers l'université, avec un sens des hautes vertus civiques. Cal et Aaron entrèrent en septième à cause de leur âge et contemplèrent chaque détail du tableau qui la distinguait, Lao complètement enveloppé par les serpents. Les jumeaux furent stupéfaits par la taille de l'établissement, comparés à leur école campagnarde à classe unique, et profondément impressionnés d'avoir un professeur par classe. Cela leur semblait du gaspillage. Mais c'était bien normal. Ils furent ébahis le premier jour, admiratifs le second, et le troisième, ils se sentirent chez eux. Leur maîtresse d'école était une jolie brune. Les jumeaux étaient tranquilles, car Cal avait inventé un système judicieux pour définir quand il fallait lever la main ou non. Regarde la plupart des gosses, dit-il à Aaron. S'ils connaissent la réponse, ils lèvent la main. Sinon, ils se cachent derrière leur bureau. Tu sais ce que l'on va faire Non, quoi La maîtresse ne demande pas toujours à ceux qui lèvent la main. Elle en interroge un autre et en général, ils sèchent. Tu as raison, dit Aaron. Bon. La première semaine, on va en mettre un coup, mais on ne lèvera pas la main. Alors elle nous interrogera. Mais nous, on saura la réponse. Ça l'étonnera. La deuxième semaine, on n'apprendra rien et on lèvera la main. Et elle ne nous interrogera pas. La troisième semaine, on ne bougera pas. Et elle ne saura jamais si on a appris notre leçon ou non. Ensuite, elle nous fichera la paix. Elle ne va pas perdre son temps à interroger quelqu'un qui connaît la réponse. La méthode de Cal s'avéra excellente. Très rapidement, les jumeaux acquirent une réputation enviée. En réalité, le système était inutile. Les jumeaux n'avaient aucune difficulté pour apprendre. Cal devint le champion de billes de l'école et gagna toutes les petites boules de couleur, toutes les agates qui roulaient dans la cour de récréation. Lorsque la saison des billes tirait à sa fin, il échangeait ses gains contre des calots. Il y eut un moment où il possédait une écurie de quarante-cinq calots de couleur et de taille variées depuis le gros calot en argile jusqu'à l'élégant et dangereux tireur armé de pointes d'acier quiconque voyait les jumeaux remarquait combien ils étaient différents et c'était un sujet d'étonnement Cal devenait de plus en plus sombre de peau comme de cheveux il était vif sûr de soi et peu démonstratif mais s'il avait essayé il n'aurait pas pu cacher son intelligence les adultes étaient gênés et légèrement effrayés devant ce qu'ils appelaient une maturité précoce on n'aimait pas beaucoup Cal mais on le craignait et on le respectait. Bien qu'il n'eût pas d'amis, il était accueilli obséquieusement par ses camarades de classe et occupait tout naturellement une place de chef dans la cour de récréation. S'il cachait sa sensibilité, il cachait aussi ses blessures. Il était considéré comme un garçon insensible, dur et même cruel. Aaron appelait l'amour. Il semblait timide et délicat. Sa peau rose et blanche, ses cheveux dorés, ses grands yeux bleus attiraient l'attention. À cause même de sa beauté, il s'était fait des ennemis dans la cour, mais on apprit bientôt qu'Aaron était un combattant solide, habile, ignorant la peur, particulièrement lorsqu'il pleurait. On se le dit de bouche à oreille, et les rois de la cour de récréation apprirent à le respecter. Aaron n'essayait pas de cacher son caractère, son apparence physique suffisait à le dissimuler. Lorsqu'il avait pris une décision, il s'y tenait. Il était simple et peu versatile. Son corps était aussi insensible à la douleur que son esprit aux subtilités. Cal connaissait son frère, et pouvait le manœuvrer en le déséquilibrant, mais jusqu'à un certain point seulement. Cal savait quand il fallait s'esquiver et s'enfuir. Un changement de direction déroutait Aaron, mais c'était tout. Il traçait son chemin, le suivait, et ne voyait ni ne s'intéressait à ce qui le bordait. Il n'était que rarement ému, et pesamment. Son visage angélique le définissait et le dispensait de toute responsabilité. Le premier jour, Aaron attendit avec impatience la récréation. Il entra dans la cour des filles pour parler à Abra. Une bande hurlante de petites filles ne réussit pas à le chasser. Il fallut l'intervention d'une maîtresse pour le reconduire chez les garçons. À midi, il la manqua, car son père vint l'attendre avec son bogay à haut trou pour la conduire chez elle. Aaron l'attendit devant la porte après la classe. Elle sortit entourée de petites camarades. Elle s'était composée une attitude et fit semblant de ne pas voir Aaron. Elle était la plus jolie écolière, mais il est peu probable qu'Aaron l'ait remarquée. La petite troupe se mit en marche. Aaron suivait derrière, à trois pas, patient et nullement embarrassé quand les petites filles lui lançaient des colibets. Enfin, le groupe se désagrégea et Abra, lorsqu'elle arriva devant la porte blanche de son jardin, n'avait plus que trois compagnes. Elle considérèrent Aaron ricanèrent puis continuèrent leur route. Abra entra chez elle. Aaron s'assit sur le bord du trottoir. Après quelques minutes, le loquet se souleva. La porte blanche s'ouvrit et Abra parut. Elle traversa le trottoir et regarda Aaron du haut de sa taille. « Qu'est-ce que tu veux ?» Aaron leva ses grands yeux vers elle. « Tu n'es pas fiancée ?»« Idiot dit -elle. » dit-elle. Il fit un effort pour se mettre debout. « Il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir se marier, » dit-il. « Qui est ce qui parle de se marier ?» Aaron ne répondit pas. Peut-être n'avait-il pas entendu. Ils se mirent en marche côte à côte. Abra avançait d'un pas ferme et sûr, regardant droit devant elle. Aaron ne quittait pas des yeux le visage calme et doux à l'expression pensive. Ils passèrent silencieusement devant l'école maternelle. À partir de là, la rue n'était plus pavée. Abra tourna à droite et s'engagea à travers un champ de foin. Des mottes d'argile noire s'émiettaient sous leurs pieds. À l'autre extrémité du champ se dressait une petite fontaine. Un saule pleurait à côté, ses racines plongeant dans l'humidité souterraine, ses longs rameaux pendant jusqu'au sol. Abra les écarta comme un rideau de perles et entra dans la maison de feuilles. De l'intérieur, on pouvait voir à travers les branches. Il régnait là une pénombre accueillante et sûre. Le soleil d'après midi dardait ses rayons jaunes à travers les interstices mouvants. Abra s'assit sur le sol, ou plutôt elle sembla s'enfoncer dans le sol, sa jupe épanouie autour d'elle en corolle. Elle croisa les mains sur ses genoux comme pour une prière. Aaron s'assit à côté d'elle. Il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir se marier, répéta-t-il. Pas tellement, dit Abra. Je voudrais que ce fût tout de suite. Ce ne sera pas long, dit Abra. Aaron demanda Est-ce que ton père te le permettra Elle n'y avait jamais pensé. Elle se tourna et regarda Aaron Peut-être que je ne m'y demanderai pas. Et ta mère Laissons les parents tranquilles, dit-elle. Ils trouveraient que c'est drôle ou mal. Tu ne peux pas garder un secret Oh, si, mieux que n'importe qui. J'en ai déjà quelques-uns. Abra dit. Eh bien, mets celui-ci avec les autres. Aaron cassa une petite branche et dessina une ligne sur la terre noire. Abra, tu sais comment on a des bébés Oui, dit-elle. Qui te l'a expliqué Li. Il m'a tout dit. Je crois qu'il faudra attendre longtemps avant d'avoir des bébés. Abra eut un sourire condescendant. Pas si longtemps, dit-elle. Nous aurons une maison à nous un jour, dit Aaron. On entrera, on fermera la porte, et on sera chez nous. Mais ce sera dans longtemps. Abra allongea la main et lui toucha le bras. Ne t'inquiète pas pour le temps. Ici, c'est comme une maison. On peut faire comme si l'on vivait ici pendant que l'on attend. Tu seras mon mari, et tu peux m'appeler ma femme. Il remua d'abord les lèvres, puis dit tout haut. Ma femme comme ça on s'entraîne, dit Aaron. Le bras d'Aaron frémit sous sa main. Elle l'enleva et la posa paume retournée sur son genou. Pendant que l'on s'entraîne, on pourrait peut-être faire autre chose, dans sa tout à coup Aaron. Quoi Peut-être que tu n'aimerais pas ça. Qu'est-ce que c'est On pourrait faire semblant que tu es ma mère. C'est facile, dit-elle. Ça t'ennuierait Non, pas du tout. Tu veux que l'on commence tout de suite Oui, dit Aaron. Comment on s'y prend je vais te le dire. Elle prit une intonation caressante et roucoulante, et dit. Viens, mon bébé, mets ta tête sur les genoux de maman. Viens, mon fils, maman va te bercer. Elle lui attira la tête et soudain Aaron se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il pleura calmement, et Abra caressa la joue et essuya le flot de larmes avec le bord de sa jupe. Le soleil descendait là-bas, au delà de la salinas, et un oiseau se mit à chanter un chant merveilleux. C'était plus beau sous les branches du saule que n'importe où au monde. Lentement, les larmes d'Aaron tarirent et il se sentit heureux. Mon cher petit bébé, dit Abra, viens que maman te peigne les cheveux. Aaron se redressa et dit avec une pointe de colère Je ne pleure jamais, sauf quand je suis furieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Abra demanda Tu te rappelles ta mère Non, elle est morte quand je n'étais qu'un tout petit bébé. Tu ne sais pas comment elle était Non. « Tu n'as pas vu de portrait ?»« Non, je te dis, on n'a pas de portrait. »« J'ai demandé à Ali et il a répondu que l'on n'en avait pas. »« Attends, je crois plutôt que c'est Cal qui a demandé à Ali. Quand est-elle morte ?»« Juste après que Cal et moi sommes nés. »« Comment s'appelait-elle »« Lee dit qu'elle s'appelait Cathy. »« Pourquoi tu me demandes tout ça ?»« Comment elle avait la peau ?» continua calmement Abra. « Quoi ?»« Elle était brune ou blonde ?»« Je n'en sais rien. »« Ton père ne te l'a pas dit ?» « On ne lui a jamais demandé. » Abram resta silencieuse et Aaron s'inquiéta. « Qu'est-ce qu'il y a Tu as perdu ta langue ?» Abram regardait le soleil qui se couchait. Aaron demanda embarrassé. « Tu m'en veux ?» Et il ajouta à titre d'essai. « Ma femme ?»« Non, je ne t'en veux pas. Je me demande. »« Quoi ?»« Quelque chose. » Le visage d'Abram était tendu et reflétait un conflit intérieur. Elle demanda. « Quel effet ça fait de ne pas avoir de mère ?»« Je ne sais pas. » « On ne se rend pas compte. »« Tu ne fais pas de différence ?»« Où veux-tu en venir ?»« On dirait une devinette. » Abra continua imperturbable. « Est-ce que tu voudrais avoir une mère ?»« C'est idiot, D'Aaron. »« Évidemment, je voudrais. »« Tout le monde voudrait. »« Est-ce que tu essaies de me faire du mal ?» Kal essaie quelquefois, et après il rit. Abra quitta des yeux le soleil couchant. Des taches violettes dansaient devant elle. « Tu m'as dit que tu pouvais garder des secrets. »« Oui, je peux. » Est-ce que tu as un secret si je mens, je vais en enfer? Oui, j'en ai un. Dis-le-moi, Aaron. Elle mit une caresse sur son nom. Te dire quoi? Dis-moi ton secret le plus juré et le plus craché. Aaron se recula, inquiet. Je ne peux pas, dit-il. De quel droit me le demandes-tu? Je ne le dirai à personne. Allons, mon bébé, dis-le à maman, susura-t-elle. Les yeux d'Aaron s'embuèrent de larmes, des larmes de colère. Je ne sais plus si j'ai toujours envie de t'épouser, dit il. Je crois que je vais rentrer à la maison. Abra posa la main sur son poignet et l'y maintint. Elle reprit sa voix normale. Je voulais te mettre à l'épreuve. Je vois que tu sais garder un secret. Pourquoi tu as fait ça? Je suis furieux maintenant. J'ai mal au cœur. Je crois que je vais te confier un secret, dit elle. Tiens, se moqua t-il, qui est ce qui ne sait pas garder les secrets? J'essayais de me décider, dit elle, mais je crois que je vais te le dire. Parce qu'il te fera du bien, tu seras content. Et qui t'a dit de ne pas le dire Personne, je me le suis dit à moi. Alors c'est différent. Qu'est-ce que c'est Le soleil rouge lançait un dernier rayon derrière la maison des Tolotes sur la route de Blanco, et la cheminée se dressait comme un pouce noir sur le ciel. Abra dit doucement Tu te rappelles le jour où nous sommes allés chez toi Tu penses Eh bien, dans le bogay je me suis endormi et je me suis réveillé, mais mon père et ma mère ne l'ont pas remarqué. Ils étaient en train de dire que ta mère n'était pas morte, qu'elle était partie. Ils ont dit qu'il avait dû lui arriver quelque chose de mal et qu'elle était partie. Aaron dit d'une voix rauque Elle est morte. Ce serait bien si elle ne l'était pas. Mon père dit qu'elle est morte. Ce n'est pas un menteur. Peut-être qu'il croit qu'elle est morte. Il le saurait. Mais il y avait une sorte d'incertitude dans sa voix. Abra dit Ne serait-ce pas bien si l'on pouvait la retrouver Suppose qu'elle ait perdu la mémoire, ou je ne sais quoi. J'ai lu une histoire comme ça. On pourrait la retrouver, et ça lui redonnerait la mémoire. La splendeur du roman l'empoignait et la soulevait comme une vague. Aaron dit. Je demanderai à mon père. Aaron, dit elle sévèrement, ce que je t'ai dit est un secret. Qui est ce qui le dit? Moi. Tu vas répéter après moi. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Il hésita un instant, puis répéta. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Maintenant, crache-toi dans la main. Comme ça. Voilà. Maintenant, donne-moi ta main. Tu vois, maintenant on mélange nos crachats et on s'essuie la main sur les cheveux. Ils exécutèrent le rite, puis Aplat dit solennellement. J'ai connu une fille qui a dit un secret après ce serment, et elle a brûlé dans une grange. Le soleil avait disparu, emportant sa lumière dorée. L'étoile du berger scintillait au dessus du mont Taureau. Aplat dit. Ils vont m'écorcher vive. Viens, dépêche-toi. Mon père doit m'attendre avec la laisse du chien. Je vais être fouetté. Aaron la regarda incrédule. Fouetté On te fouette Qu'est-ce que tu crois Aaron lança passionnément. Que je les y prenne. S'ils veulent te fouetter, dis-leur que je les tuerai. Ses grands yeux bleus scintillaient. Personne n'a le droit de fouetter ma femme. Dans la demi-obscurité, sous le saule, Abra glissa ses bras autour du cou d'Aaron et embrassa sa bouche ouverte. Je t'aime, mon mari, dit elle. Puis elle se détourna, sauta, soulevant ses jupes au dessus de ses genoux, et son jupon bordé de dentelle voltigea lorsqu'elle partit en courant. Aaron retourna dans la maison de feuillage, s'assit sur le sol, et s'adossa au tronc du saule. Un brouillard l'entourait, et une sorte d'angoisse lui contractait l'estomac. Il essaya de définir son malaise, et de le diviser en pensées et en images. C'était difficile. Son esprit lent ne pouvait emmagasiner tant de pensées et d'émotions à la fois. La porte était fermée. Seule la douleur physique l'habitait. Au bout d'un moment, la porte s'entr'ouvrit et laissa pénétrer une chose à examiner, puis une autre et une autre jusqu'à ce que tout eût été absorbé. Mais derrière la porte, quelque chose d'énorme tempêtait pour entrer. Aaron lui barra le passage aussi longtemps qu'il put. D'abord, ce fut Abra qui entra et il examina son vêtement. Son visage, la douceur de sa main sur sa joue, l'odeur qui émanait d'elle, faite de lait et d'herbe coupée. Il la vit, la toucha, l'entendit, la renifla une nouvelle fois. Il vit qu'elle était propre, ses mains et ses ongles, et combien différente des autres glousseuses de la cour de récréation. Puis, dans l'ordre, il repensa à ses larmes d'enfant, ses larmes de désespoir. Il désirait quelque chose et l'avait obtenue, dans un sens. Peut-être était-ce qu'il l'avait fait pleurer. Puis il pensa à l'épreuve à laquelle elle l'avait soumis. Il se demanda ce qu'elle aurait fait s'il lui avait révélé un secret. Lequel aurait il pu lui confier? Il ne s'en rappelait aucun, à part celui qui tambourinait à la porte pour entrer. Puis ce fut la question précise. Quel effet ça fait de ne pas avoir de mère qui entra? Il chercha la réponse. Ça ne faisait aucun effet. Si, pourtant. En classe, à Noël en fin d'année, quand les mères des autres enfants étaient présentes, il pleurait silencieusement. Voilà quel effet cela faisait. Salinas était entouré de marais où poussaient des roseaux, et où se cachaient des milliers de grenouilles. Lorsque le soir tombait, l'air était si plein de leurs chants que l'on aurait dit un silence bourdonnant. C'était un voile, une atmosphère, et sa disparition soudaine, comme le silence après un coup de tonnerre, était surprenante. Si une nuit le chant des grenouilles s'était arrêté, chacun dans Salinas se serait réveillé, croyant entendre un grand bruit. Le cœur des milliers de grenouilles semblait respecter un rythme. Mais peut-être est-ce l'oreille qui leur donne la cadence, comme l'œil fait tintiller les étoiles. Il faisait sombre sous le sol. Aaron se demanda s'il était prêt à accueillir la chose énorme, et pendant qu'il se posait la question, elle entra. Sa mère était vivante. Il se l'était souvent représentée, couchée sous le sol, immobile, froide et préservée. Mais il n'en était pas ainsi. Elle était quelque part où elle bougeait parlait, ses mains faisaient des gestes, et ses yeux étaient ouverts. Dans ce flot de plaisir vint se jeter un affluent de tristesse, et il eut l'impression d'avoir perdu quelque chose. Aaron était désemparé. Il chercha pourquoi. Si sa mère était vivante, son père était un menteur. La résurrection entraînait une mort. Aaron dit tout haut sous son arbre. Ma mère est morte. Elle est enterrée quelque part dans l'est. Dans l'obscurité, il vit le visage de Lee et entendit son parler doux s'en était bien tiré. Respectant la vérité, il était tout naturel qu'il méprisât le mensonge. Il avait su se faire comprendre des jumeaux. Si quelque chose n'est pas vrai que l'on ignore, c'est une erreur. Mais lorsque l'on sait que quelque chose est vrai et que l'on le change en mensonge, on est méprisable. La voix de Lee dit. Je sais qu'on utilise parfois le mensonge pour ne pas blesser, mais je ne crois pas que son effet soit bienfaisant. La douleur fulgurante de la vérité se dissipe, alors que la douleur lancinante du mensonge demeure. C'est un mal rongeant. Lee avait travaillé patiemment, lentement, et il avait réussi à faire d'Adam le centre, la base, l'essence de la vérité. Aaron secoua la tête dans l'obscurité dans un signe de dénégation. Si mon père est un menteur, Lee est un menteur aussi. Il était perdu. Il n'avait personne à qui poser la question. Cal était un menteur, mais l'éducation de Lee en avait fait un habile menteur. Aaron comprit que quelque chose devait mourir, sa mère ou son monde. La solution se présenta soudain devant lui. Abra n'avait pas menti. Elle lui avait dit ce qu'elle avait entendu, et ses parents le tenaient de quelqu'un. Il se leva et repoussa sa mère dans la tombe. Il arriva en retard pour dîner. J'étais avec Abra, expliqua-t-il. Après le repas, Adam, assis dans son nouveau fauteuil et lisant le Salinas Index, sentit une légère caresse sur son épaule et leva les yeux. Qu'y a t-il, Aaron? demanda t-il. Bonsoir, papa, dit Aaron. CHAPITRE 37 Le mois de février à Salinas amène toujours un cortège d'humidité, de froid et de détresse. C'est l'époque où tombent les pluies les plus abondantes, et si la rivière déborde, c'est toujours à ce moment-là. En 1915, février fut très pluvieux. Les Trusk s'étaient confortablement installés à Salinas. Lorsqu'il eut renoncé à son rêve de librairie, Lee se créa un foyer dans la petite maison à côté de la boulangerie Reynaud. À la ferme, il n'avait jamais complètement déballé ses biens, car il pensait toujours aller autre part. Mais là, pour la première fois de sa vie, il s'installa en permanence, douillettement. La grande chambre près de la porte d'entrée lui fut attribuée. Il entama ses économies. Jusque là, il n'avait jamais dépensé un sou inutilement, car tout son argent était destiné à la librairie. Il s'acheta un petit lit dur et un bureau. Il installa des rayonnages, déballa ses livres, s'offrit un tapis et épingla des gravures sur les murs. À côté d'un confortable et profond fauteuil Maurice, il disposa la meilleure lampe de lecture qu'il put trouver. Enfin, il fit l'acquisition d'une machine à écrire et apprit à s'en servir. Ayant cassé sa coquille d'austérité, il équipa luxueusement la maison des Trask, sans que Adam formulât la moindre opposition. Un fourneau à gaz fut installé dans la cuisine, puis l'électricité et le téléphone suivirent. Lee dépensa l'argent d'Adam sans le moindre remords meubles, tapis, chauffe-eau à gaz et une grande glacière. Très rapidement, ce fut la maison la mieux aménagée de Salinas. Lee expliqua à Adam Vous avez beaucoup d'argent, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais je ne me plains pas, protesta Adam. Seulement, j'aimerais acheter quelque chose aussi. Lee lui proposa Allez donc chez Logan, le marchand de musique. Il vend de nouveaux phonographes. Bonne idée, dit Adam. Et il acheta un électrophone Victor, ressemblant à un grand bahut gothique. Par la suite, il alla régulièrement s'enquérir des nouveaux disques gravés. Le siècle adolescent revigora Adam. Il s'abonna à l'Atlantic Monthly et au National Geographic. Puis il entra dans la franc-maçonnerie. Fasciné par sa nouvelle glacière, il acheta un traité sur la réfrigération et l'étudia. Adam avait besoin de travailler. Sortant de son long sommeil, il voulait dépenser ses forces. Je vais me lancer dans les affaires, dit-il à Lee. C'est inutile, vous avez assez pour vivre. Mais j'aimerais faire quelque chose. Dans ce cas, c'est différent, dit Lee. Avez-vous une idée je ne crois pas que vous soyez très fort en affaires. Et pourquoi cela Une idée comme ça, dit Lee. Je voudrais vous donner un article à lire. On y explique comment on a déterré un mammouth en Sibérie. Il est resté dans la glace depuis des milliers d'années et la viande est encore bonne. Lee sourit. Vous avez une idée derrière la tête. Qu'y a-t-il dans toutes ces petites tasses que vous conservez dans la glacière Différentes choses. Avez-vous l'intention de les vendre « Certaines semblent très mauvais. »« C'est une idée qui me trotte dans la tête, » dit Adam. « Je ne peux pas m'en débarrasser. »« Je suis persuadé que l'on peut conserver n'importe quoi, à condition d'obtenir un froid suffisant. »« Évitons de garder du mammouth dans notre glacière, » délit. « Si Adam avait eu des milliers d'idées, comme Sam Hamilton, elles auraient pu s'évaporer. »« Mais il n'en avait qu'une. Il ne cessait de penser au mammouth gelé. » Il continua donc de garder des tasses de fruits, de gâteaux, de viandes cuites ou crues dans sa glacière. Il acheta tous les livres imaginables sur les théories bactériennes et il s'abonna à tous les magazines susceptibles de contenir des articles scientifiques. Et, comme il arrive en général aux hommes d'une idée, elle devint une obsession. Salinas avait une petite fabrique de glace sans importance, mais suffisante pour subvenir aux besoins des particuliers et des glaciers. La voiture à chevaux faisait sa tournée tous les jours. Adam alla visiter la fabrique, et bientôt enferma ses petites tasses dans des chambres de congélation. Il aurait voulu que Sam Hamilton fût encore de ce monde pour parler froid avec lui. Sam aurait rapidement examiné toute la question, pensait il. Adam rentrait chez lui par un après midi pluvieux, venant de la fabrique de glace et pensant à Sam Hamilton, lorsqu'il vit Will Hamilton rentrer chez Abbott. Il le suivit et s'accouda au bar. À côté de lui. Venez dîner avec nous ce soir, ça nous fera plaisir. Je regrette, répondit Will, mais je suis sur une affaire que je voudrais régler. Si je suis libre assez tôt, je viendrai. Est-ce très important? À vrai dire, je n'en sais rien. J'ai une idée et je voudrais votre avis. Tôt ou tard, s'il y avait une affaire à traiter dans la province, Will Hamilton était consulté. Il aurait pu invoquer une excuse, mais il se rappela qu'Adam était un homme riche. Une idée était une chose, mais soutenue par de l'argent, c'était autre chose. Cela ne vous intéresserait pas de vendre votre ferme Les jumeaux, en particulier Cal, aiment cette terre. Je pense que je vais la garder. Je peux vous trouver acquéreur Non, j'ai loué. Les frais sont payés, je préfère la garder. Si je ne peux pas venir pour dîner, je viendrai peut-être plus tard. La réputation de Will était solidement établie. Nul ne pouvait énumérer les champs d'expérience qu'il avait explorés mais on savait qu'il était très fort et relativement riche. Ce soir-là, il n'avait rien en vue, mais sa ligne de conduite lui interdisait de paraître oisif. Il dîna seul chez Abbott. Lorsqu'il jugea l'heure venue, il tourna le coin de Central Avenue et sonna à la porte d'Adam Trask. Les jumeaux étaient couchés. Lee, un panier à raccommodage sur les genoux, reprisait les longs bas noirs que les enfants portaient à l'école. Adam venait de lire le Scientific American il vit entrer Will et lui désigna un fauteuil. Lee apporta la cafetière et retourna à son raccommodage. Will s'installa dans le fauteuil, sortit un gros cigare noir et l'alluma. Puis il attendit qu'Adam ouvrit le feu. Beau temps, dit ce dernier. Comment va votre mère? Très bien. Elle rajeunit tous les jours. Vos garçons doivent être grands. Ah. Oui. Cal va jouer dans la pièce de son école. C'est un bon acteur. Aaron fait des progrès. Calve se lançait dans l'agriculture. C'est un métier intéressant. Le pays a besoin d'idées nouvelles. Will attendait, embarrassé. Il se demanda si par hasard la fortune d'Adam n'était pas surestimée. Adam allait-il lui emprunter de l'argent Will calcula rapidement ce qu'il pourrait prêter sur la ferme et combien il pourrait emprunter dessus. Les chiffres n'étaient pas les mêmes, ni le taux d'intérêt. Et Adam ne formulait toujours pas sa proposition. Will s'impatienta. Je ne peux pas rester longtemps, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Prenez une autre tasse de café, suggéra Adam. Non, merci. Ça m'empêche de dormir. Vouliez-vous me voir au sujet de quelque chose Adam répondit Je pensais à votre père et je me suis dit que j'aimerais causer avec un Hamilton. Will se détendit dans son fauteuil. C'était un grand vieux bavard. Son bavardage faisait beaucoup de bien, dit Adam. Lee leva les yeux de son panier. L'homme qui cultive vraiment l'art de la conversation est celui qui décide ses interlocuteurs à parler. Will dit. C'est drôle de vous entendre parler comme cela. J'aurais juré que vous employiez le pidgin. Je l'ai employé, répondit l'I, par vanité sans doute. Il sourit à Adam et dit à Will. Savez vous qu'en Sibérie on a déterré un mammouth enfoui sous la glace? Il était là depuis des milliers d'années, et sa viande est encore bonne. Un mammouth? Oui une sorte d'éléphant qui a disparu de la surface du globe depuis très longtemps et la viande était encore bonne comme une côtelette d'agneau répondit Lee il glissa son œuf de bois sous le genou déchiré d'un noir c'est très intéressant dit Will Adam rit Lee ne me mouche pas encore le nez mais cela ne tardera pas je sais que je ne suis pas très direct tout vient de ce que je suis fatigué de me reposer je veux faire quelque chose pour m'occuper pourquoi n'exploitez-vous pas votre ferme cela ne m'intéresse pas. Voyez vous, Will, je ne suis pas un homme qui cherche un emploi, je cherche une occupation. Will sortit de sa réserve prudente. En quoi puis je vous aider? Si je vous donne une idée que j'ai eue, vous pourrez peut-être me dire votre opinion. Vous êtes dans les affaires. Avec plaisir, dit Will. J'ai étudié la réfrigération, dit Adam. J'ai une idée, et je ne puis m'en débarrasser. Je m'endors et me réveille avec. Je ne connais rien qui soit aussi embarrassant. C'est une idée intéressante, mais elle doit présenter des aléas. Will décroisa ses genoux et tira sur les jambes de son pantalon, car il était à l'étroit. Allez-y, je vous écoute, dit-il. Vous voulez un cigare Adam n'entendit pas l'offre et ne comprit pas ce qu'elle impliquait. Le pays est en train de se transformer, dit Adam. Bientôt, nous ne vivrons plus comme avant. Savez-vous quel est, en hiver, le plus gros marché pour les oranges Non. Où est-ce New York. Je l'ai lu. Ne pensez-vous pas que ces habitants aient envie de manger des légumes frais en hiver Des petits pois, des laitues, des choux-fleurs Dans une grande partie du pays, les gens n'en voient pas la couleur pendant des mois et des mois. Or, dans la vallée de la Salinas, nous en faisons pousser toute l'année. Entre ici et là-bas, il y a une différence, dit Will. Quelle est votre idée Voici. Lee m'a fait acheter une glacière et je m'y suis intéressé. J'y ai enfermé différents légumes j'ai essayé différentes techniques. Eh bien, Will, si vous enfouissez un cœur de laitue dans de la glace pilée, et si vous enveloppez le tout dans du papier huilé, au bout de trois semaines les laitues sont aussi fraîches qu'au premier jour. Continuez, dit prudemment Will. Vous savez que les chemins de fer ont construit des wagons pour le transport des fruits. Je suis allé les examiner. Ils sont très bien conçus. Savez-vous que nous pourrions expédier des laitues sur la côte Est au beau milieu de l'hiver Quel rôle jouez-vous là-dedans demanda Will. Je pensais acheter la fabrique de glace de Salinas et tenter un premier envoi. Cela vous coûterait pas mal d'argent. J'ai pas mal d'argent, dit Adam. Will Hamilton pinça sa lèvre inférieure. Je ne sais pas ce que je viens faire dans cette histoire, dit il, ou plutôt si je le sais trop bien. Comment cela? Comprenez moi bien, dit Will. Lorsqu'un homme me demande mon avis, je sais ce qu'il en retourne. Il veut que je sois d'accord avec lui. Et si je tiens à garder son amitié, je lui dis que son idée est excellente et qu'il la mette à exécution. Mais j'éprouve de l'affection pour vous, et vous êtes un ami de ma famille. Aussi, je vais y aller carrément. Lee rangea son raccommodage, posa son panier sur le sol et changea de lunettes. Adam demanda Qu'est-ce qui vous contrarie Je suis d'une foutue famille d'inventeurs, dit Will. Chez moi, on inventait des bols irrenversables, mais il n'y avait rien dedans. Nous avions tant d'idées que nous oublions de gagner de l'argent pour acheter à manger. Lorsque nous avions quatre sous, mon père ou Tom brevetaient quelque chose. Je suis le seul de la famille, ma mère mise à part, qui n'avait pas d'idées et qui gagne un peu d'argent. Tom avait des idées qui frisaient le socialisme, et si vous me dites que cela ne vous intéresse pas de gagner de l'argent, je vous jette cette cafetière à la figure. En vérité, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Assez, Adam. Vous allez me rendre furieux. Si vous voulez perdre quarante ou cinquante mille dollars rapidement, mettez votre projet à exécution. Je vous aurais prévenu. Oubliez cette folie. Enterrez-la. Qu'a-t-elle de si irréalisable Tout. Les gens de l'Est n'ont pas l'habitude de manger des légumes en hiver. Ils ne les achèteront pas. Si vos wagons restent en panne sur un aiguillage, vous perdrez votre cargaison. Et le marché est contrôlé. Seigneur Jésus, ça me fait mal au ventre de voir les petits enfants se jeter dans le commerce parce qu'ils ont une idée. Adam soupira. À vous entendre, Sam Hamilton était un criminel. C'était mon père et je l'aimais, mais je l'aurais préféré sans idée. Will regarda Adam. Il semblait stupéfait. Soudain, Will eut honte. Il secoua lentement la tête. Je ne veux pas dire du mal des miens, dit-il. C'étaient des braves gens, mais cela ne change rien à ce que je vous ai dit. Ne vous occupez pas de réfrigération. Adam se tourna vers Lee. Reste-t-il un peu de la tarte au citron que vous avez faite pour le dessert? Je ne crois pas, répondit-il. J'ai entendre des souris dans la cuisine. Les oreillers des jumeaux sentiront le citron demain, mais nous avons une demi-bouteille de whisky. C'est vrai. Alors, buvons-le. Je me suis laissé aller, dit Will, et il essaya de se moquer de lui-même. Un petit verre ne me ferait pas de mal, dit-il. Son visage était rouge et sa voix légèrement étranglée. Je grossis. Après deux verres, il se détendit. Confortablement assis, il fit la leçon à Adam. Il y a des choses qui ne changent pas de valeur, dit il. Si vous voulez investir de l'argent, regardez autour de vous. Cette guerre d'Europe va durer longtemps. Une guerre, cela signifie des gens qui ont faim. Je ne voudrais pas m'avancer, mais cela ne me surprendrait pas si nous y entrions. Je n'ai pas confiance en Wilson. Il est tout théorie et grands mots. Si nous y entrons, des fortunes vont se bâtir sur les denrées sèches. Prenez du riz, de l'orge, du blé, des haricots voilà qui n'a pas besoin de glace. Ça se conserve et on peut en vivre. Si vous plantiez seulement toute votre terre en haricots, vos jumeaux n'auraient pas à s'inquiéter pour leur avenir. Les haricots valent actuellement trois cents. Si nous entrons dans la guerre, ça ne m'étonnerait pas qu'ils atteignent dix cents. Conservez des haricots secs et attendez qu'un marché se présente. Si vous voulez gagner de l'argent, plantez des haricots. Il partit, l'âme en paix. La honte qu'il avait ressentie s'était évanouie, car il avait donné un bon conseil. Après son départ, Lee apporta un gros morceau de tarte au citron et le coupa en deux. Il grossit, dit Lee. Je lui ai pourtant dit que je voulais simplement m'occuper, observa Adam. Et la fabrique de glace? Je crois que je vais l'acheter. Cela ne vous empêche pas de planter des haricots, dit Lee. Tard dans l'année, Adam fit son grand essai. Ce fut la sensation d'une année pourtant riche en sensations, tant locale qu'internationale. Pendant les préparatifs, les hommes d'affaires parlèrent de l'esprit ouvert et audacieux d'Adam Trask. Le départ de six wagons de laitue enfouis sous la glace se fit sous les auspices de la chambre de commerce. Les wagons étaient décorés de grands calicots ainsi libellés laitue de la vallée de la Salinas. Personne n'avait investi un sou dans l'aventure. Adam fit preuve d'une énergie dont il ne se savait pas capable. Ce fut un travail considérable de rassembler éplucher, empacter, glacer et charger la laitue. Il n'y avait pas de matériel pour faire ce travail. Il fallut tout improviser, engager beaucoup d'ouvriers et leur apprendre le métier. Chacun donna son avis, mais personne n'apporta son aide. On estima que Adam avait englouti une fortune, mais on en ignorait le montant. Adam lui-même l'ignorait. Seul Lee savait. L'idée semblait bonne. La laitue était vendue à condition avantageusement à des commissionnaires de New York. Le train partit, et chacun rentra chez soi. Si la tentative réussissait, bien des gens étaient prêts à investir de l'argent. Will Hamilton lui même se demanda s'il n'avait pas fait fausse route. Si la série d'incidents avait été préparée par un ennemi omnipotent et sans pitié, elle n'aurait pu être plus efficace. Lorsque le train arriva à Sacramento, une avalanche dans les Sierras arrêta le trafic pendant deux jours, et les six wagons restèrent sur une voie de garage, pendant que la glace fondait le troisième jour, le train traversa les montagnes, et il fit chaud comme il ne fait jamais chaud à cette époque de l'année. À Chicago, il y eut une confusion dans les ordres. Ce n'était la faute de personne, ce sont des choses qui arrivent. Et les six wagons de laitue d'Adam restèrent dans un gare de triage pendant cinq nouveaux jours. Cela suffit. Il est inutile d'entrer dans les détails. Ce furent six wagons de laitue pourris, tout juste bonnes à jeter. Ils arrivèrent à New York, et il fallut encore payer pour les décharger. Adam lut le télégramme des commissionnaires. Il se laissa aller dans son fauteuil. Un étrange sourire se dessina sur son visage et ne le quitta pas. Lee se tint éloigné, pensant qu'Adam se reprendrait. Dans Salinas, les jumeaux entendirent les commentaires qui allaient bon train. Adam était un imbécile. Ces rêveurs qui savent tout vont toujours au-devant des ennuis. Les hommes d'affaires se félicitèrent de n'avoir rien risqué. Il faut de l'expérience pour faire des affaires. D'ailleurs, les gens qui héritent leur fortune ont toujours des ennuis, et si vous voulez une preuve, vous n'avez qu'à regarder comment Adam exploite sa ferme. Un imbécile et son argent sont rapidement séparés. Cela lui servirait peut-être de leçon, et il avait doublé le rendement de la fabrique de glace. Will Hamilton rappela à tout le monde qu'il n'avait pas seulement été contre le projet, mais qu'il avait prévu en détail ce qui arriverait. Il n'en tirait pas gloire. Mais que faire quand quelqu'un refuse les avis d'un homme d'affaires sérieux? Et Dieu sait que Will ne manquait pas d'expérience. Une idée en amène une autre, et on se rappela que Sam Hamilton n'avait été qu'un vieux fou et Tom Hamilton un jeune fou. Lorsque Lee sentit qu'une période assez longue était passée, il n'y alla pas par quatre chemins. Il s'assit devant Adam pour capter et conserver son attention. Comment vous sentez-vous demanda-t-il. Bien. Vous n'allez pas à nouveau disparaître dans votre trou. Qu'est-ce qui vous fait croire cela demanda Adam. Vous avez le visage de cette époque, et votre regard de somnambule. Votre amour propre est il blessé? Non, dit Adam, je veux seulement savoir si je suis ruiné. Pas complètement, dit Lee. Il vous reste neuf mille dollars et la ferme. J'ai une dette de deux mille dollars, dit Adam. Je l'ai déjà compté, et je dois payer le nouvel appareil de réfrigération. Il est payé, et il me reste neuf mille dollars. Et la ferme, ajouta Lee, vous pouvez peut-être vendre la fabrique. Le visage d'Adam se durcit, et son sourire vague disparut. J'ai toujours confiance, dit il. C'est une série d'accidents. Je garde la fabrique. Le froid conserve. Et puis la fabrique rapporte quelque chose. J'aurais peut-être une nouvelle idée. Essayez de trouver quelque chose qui ne coûte pas trop cher, dit il. Je n'aimerais pas me séparer de mon fourneau à gaz. Les jumeaux souffrirent profondément de l'échec d'Adam. Ils avaient quinze ans, et ils savaient depuis si longtemps qu'ils étaient les fils d'un homme riche. La blessure fut longue à se cicatriser. Si seulement l'essai ne s'était pas présenté comme un vaste carnaval, l'échec n'aurait pas été aussi horrible. Il se rappelait avec terreur les calicots énormes à poser sur les wagons de marchandises. Et si les hommes d'affaires se moquaient d'Adam, leurs fils furent beaucoup plus cruels. En l'espace d'une journée, il devint à la mode d'appeler les jumeaux Aaron et Cal laitu, ou simplement tête de laitu. Aaron discuta de la question avec Abraham. C'est un obstacle de plus, lui dit-il. Abra était devenue une ravissante jeune fille. Ses seins gonflaient avec la levure des années et son visage reflétait le calme et la chaleur de la beauté. Elle avait dépassé la joliesse. Elle était solide, sûre et féminine. Elle regarda le visage inquiet d'Aaron et demanda Quel est cet obstacle Nous sommes pauvres. Tu aurais travaillé de toute façon. Tu sais que je veux continuer mes études. Tu continueras. Je t'aiderai. Ton père a-t-il perdu tout son argent Je ne sais pas, c'est ce que l'on dit. Qui est on demanda Abra. Tout le monde. Peut-être que ton père et ta mère refuseront que je t'épouse. Alors je ne leur dirai pas, dit Abra. Tu es bien sûr de toi Oui, répondit-elle, je suis sûr de moi. Embrasse-moi. Ici Dans la rue Pourquoi pas On va nous voir. Je veux que l'on nous voie, dit Abra. Aaron répliqua Non, il y a des choses que l'on ne fait pas en public. Elle se mit devant lui et lui barra le passage. Regarde moi. Tu vas m'embrasser tout de suite. Pourquoi? Elle répondit lentement. Pour que l'on sache que je suis madame tête de l'étue. Il lui donna un baiser rapide et embarrassé, et la força à revenir à son côté. Peut-être que je devrais renoncer moi même, dit il. Renoncer à quoi? Je ne suis plus assez bon pour toi. Je ne suis plus qu'un pauvre gosse parmi les autres. Crois tu que je n'ai pas compris l'attitude de ton père? Tu es un idiot. Abra. Mais elle fronça légèrement les sourcils car elle avait aussi vu l'attitude de son père. Ils entrèrent chez Bells et s'assirent à une table. La mode cette année-là était au jus de céleri. L'année précédente, ça avait été les ice cream soda au gingembre. Abra souffla délicatement dans sa paille, fit lever quelques bulles et pensa au changement d'attitude de son père depuis l'échec des laitues glacées. Il lui avait dit Pourquoi ne vois-tu pas quelqu'un d'autre Cela te changerait je suis fiancée à aaron fiancée avait-il ricané depuis quand les enfants se fiancent ils regarde donc autour de toi il y a d'autres poissons dans la mer puis elle se rappela que l'on avait laissé entendre que certaines familles ne pouvaient perpétuellement cacher un scandale et que certaines honorabilités étaient sujettes à caution ces remarques avaient coïncidé avec l'échec d'adam qui prétendait on avait perdu toute sa fortune elle se pencha au-dessus de la table ce que nous pourrions faire est si simple que tu riras de ne pas y avoir pensé plus tôt. Qu'est-ce que c'est Nous pourrions exploiter la ferme de ton père. Mon père dit que c'est une très belle terre. Non, dit rapidement Aaron. Pourquoi Je ne serai pas un fermier et tu ne seras pas la femme d'un fermier. Je serai la femme d'Aaron, quel qu'il soit. Je n'abandonnerai pas mes études. Je t'aiderai, répéta Abra. Où trouveras-tu l'argent Je le volerai, dit-elle. Je veux quitter cette ville. Tout le monde se moque de moi. Je ne peux pas le supporter. Ils oublieront bientôt. Cela m'étonnerait. Je ne peux pas passer encore deux ans dans cette école. Veux-tu partir loin de moi, Aaron? Non. Pourquoi est-il allé mettre son nez dans les affaires qu'il ne connaissait pas Ne blâme pas ton père. S'il avait réussi, tout le monde lui ferait des courbettes. Seulement, il a raté. Et c'est moi qui en souffre. Je ne peux plus lever la tête. Seigneur, je le hais. Abra dit sévèrement. Aaron te t'interdit de parler ainsi. Et qui me dit qu'il n'a pas menti au sujet de ma mère Le visage d'Abra s'empourpra. Tu mérites une fessée, dit-elle, et si nous étions seuls, je te fesserais moi-même. Elle examina le beau visage tordu par la colère, la fierté déçue, et soudain elle changea de tactique. Pourquoi ne poses-tu pas la question au sujet de ta mère Affronte-le et demande-lui. Je ne peux pas, je t'ai promis. Tu as seulement promis de ne pas répéter ce que je t'avais dit. Si je lui demande, il voudra savoir où je l'ai entendu dire. Très bien, dit elle, tu n'es qu'un enfant gâté. Je te délie de ton serment. Va lui demander. Je me demande si je dois. Il y a des jours où j'ai envie de te tuer, dit elle. Mais, Aaron, je t'aime tant, je t'aime tant. Quelques petits rires stupides s'élevèrent venant du bar. Aaron et Abra avaient haussé la voix et avaient été entendus par ceux qui les espionnaient. Aaron rougit. Des larmes de colère emplirent ses yeux. Il sortit en courant et disparut dans la rue. Abra prit calmement son sac, arrangea les plis de sa jupe et la défroissa du plat de la main. Elle alla vers Mr. Bell et régla ses consommations. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle fut arrêtée par quelques rires sournois. « Laissez-le tranquille » dit-elle froidement. Et elle sortit, et ses pas rythmaient une phrase toujours la même. « Aaron, je t'aime tant !» Elle se mit soudain à courir, pensant rattraper Aaron, mais elle ne le retrouva pas. Elle téléphona chez lui. Lee répondit qu'Aaron n'était pas rentré. Mais Aaron était dans sa chambre, en proie à son ressentiment. Lee l'avait vu se glisser à l'intérieur et refermer la porte. Ebra parcourut les rues de Salinas, espérant le retrouver. Elle était furieuse contre lui, mais en même temps se sentait étonnamment abandonnée. Aaron ne l'avait jamais quitté aussi violemment. Ebra avait désappris à être seul. Cal, lui, avait appris la solitude pendant une courte période il avait essayé de se joindre à abra et à aaron mais il n'avait pas voulu de lui jaloux il avait essayé d'attirer la jeune fille mais il avait échoué ses études lui paraissaient faciles et sans grand intérêt aaron devait travailler plus dur pour apprendre et par conséquent avait une idée plus haute de ses tâches le respect qu'il portait à ses études était hors de proportion avec la qualité de l'enseignement Cal ne s'intéressait pas aux activités sportives de son école. Son inquiétude grandissante le jetait hors de chez lui la nuit. Adolescent refermé sur lui-même, l'obscurité l'enveloppait. Chapitre 38. Cal avait besoin de tendresse et d'affection depuis son plus jeune âge, comme tous les enfants. S'il avait été fils unique, si Aaron avait été différent, Cal aurait pu entretenir avec le reste du monde des rapports normaux et faciles. Mais de prime abord, Aaron séduisait par sa beauté et sa simplicité. Cal, très naturellement, essayait de capter l'attention et l'affection de la seule manière qu'il connut, en s'efforçant d'imiter Aaron. Et ce qui était charmant sous le regard ingénu d'Aaron devenait désagréable chez Cal, avec son visage sombre et ses yeux à demi-clos. Simulateur, il n'était pas convaincant. Où Aaron était accepté, Cal était refusé, bien qu'il fît et dit exactement la même chose. Quelques tapes sur le nez intimident un jeune chien, quelques rebuffades intimident un jeune garçon. Mais alors que l'enfant chien se blottira, se roulera sur le dos, rampera, l'enfant d'homme essaiera de masquer sa timidité sous la nonchalance ou les bavardages. Lorsqu'un enfant a souffert d'être repoussé, il trouvera ce sentiment partout, même où il n'existe pas ou ce qui est pire, il l'attirera en se préparant à le rencontrer. Chez Cal, cela s'était développé si lentement qu'il ne trouvait rien d'étrange. Il avait bâti autour de lui un mur d'indépendance pour se défendre contre le monde. Et si son mur présentait des fissures, ce devait être là où il touchait Aaron et Lee, et plus particulièrement Adam. Dans l'indifférence de son père, Cal avait trouvé la sécurité. Il vaut mieux être ignoré que remarqué avec animosité. Tout petit, Cal avait découvert un secret. S'il s'approchait sans faire de bruit de l'endroit où son père était assis, et s'il se penchait très légèrement sur le genou paternel, la main d'Adam se levait automatiquement et venait caresser l'épaule de Cal. Il est probable qu'Adam agissait à son insu, mais la caresse engendrait un tel flot de bonheur que l'enfant ne l'utilisait qu'avec parcimonie, uniquement quand il en ressentait le besoin. C'était un charme dont il dépendait. C'était le gage d'une adoration extatique. Les choses ne changent pas avec le décor. Cal n'avait pas plus d'amis à Salinas qu'à King City. Il avait des associés, il jouissait d'une certaine autorité, on l'admirait, mais il n'avait pas d'amis. Il vivait seul et marchait seul. Lee savait que Cal quittait la maison la nuit et rentrait très tard, mais il ne disait rien car il n'y pouvait rien. Les agents de police, au cours de leur ronde, rencontraient parfois le jeune garçon. Le sergent Heiserman en parla au surveillant général qui lui assura que Cal ne manquait jamais une classe et avait d'excellentes notes. Le policier connaissait Adam Trask. Puisque son fils ne cassait pas de carreaux et ne causait aucun scandale, le sergent dit aux agents d'ouvrir l'œil et d'intervenir uniquement si l'enfant risquait quelque chose. Le vieux Tom Watson rencontra Cal une nuit et lui demanda Pourquoi est-ce que tu te promènes à cette heure-ci Je ne fais de mal à personne, répondit Cal sur la défensive. Je le sais. « Mais tu devrais être couché. »« Je n'ai pas sommeil, » répondit Cal. Et ceci parut stupide au vieux Tom qui avait eu sommeil toute sa vie. L'enfant regardait les jeux de fantan dans le quartier chinois, mais ne jouait pas. C'était un mystère, mais beaucoup de choses très simples étaient mystérieuses pour Tom Watson, et il préférait ne pas les approfondir. Au cours de ses promenades, Cal se rappelait souvent la conversation qu'il avait entendue entre Lee et Adam à la ferme. Il voulait savoir la vérité. Peu à peu, il accumula des renseignements, une phrase dans la rue, une allusion dans un magasin. Aaron ne les aurait pas remarqués. Cal leur donnait un sens. Il savait que sa mère n'était pas morte. Il savait aussi, d'après la première conversation et les bavardages, qu'Aaron souffrirait de l'apprendre. Une nuit, Cal rencontra Rabbit Holman, qui descendait de Sanardo pour sa cuite semestrielle. Rabbit accueillit Cal avec effusion. Comme un campagnard accueille un pays dans un endroit étranger. Rabbit, tout en buvant au goulot, raconta à Cal tout ce qui lui passait par la tête. Il avait vendu une partie de sa terre pour un bon prix, et il venait à Salinas pour célébrer l'événement par une bordée mémorable. Il allait montrer au putain ce que c'était qu'un homme. Cal, assis à côté de lui, écoutait calmement. Lorsque la bouteille de whisky de Rabbit fut presque vide, Cal s'éclipsa et demanda à Louis Schneider d'en acheter une à son compte. Rabbit posa sa bouteille, puis la reprit, et s'aperçut qu'elle était pleine. C'est drôle, dit-il, je la croyais vide. À partir de ce moment-là, Rabbit oublia non seulement qui était Cal, mais son âge. Il se rappelait toutefois qu'il était son plus cher ami. Je vais te dire, Georges, j'en bois encore une ou deux gorgées, et on va tous les deux chez les filles. Ne me dis pas que tu es fauché, c'est ma tournée. Est-ce que je t'ai dit que j'avais vendu quarante arpents D'ailleurs, il ne valait rien. Puis il ajouta. Harry, laisse-moi te dire, on ne va pas se payer de la putain à bon marché, on va aller chez Kate. C'est cher, dix dollars, mais on s'en fout. Il y a un cirque chez elle. Tu as déjà été au cirque, Harry Celui-là, c'est du billard. Kate connaît son affaire. Dis, George, tu te rappelles Qui est Kate C'est la femme d'Adam Trask, la mère de ses andouilles de jumeaux. Seigneur, je me rappellerai toujours le jour où elle lui a foutu une balle dans la peau et où elle est partie. Elle lui a cassé l'épaule et elle s'est tirée. Peut-être qu'elle ne valait rien comme femme, mais comme putain, c'est quelque chose. C'est marrant. Tu sais pourquoi on dit qu'une putain fait une bonne femme Parce qu'elle sait tout et qu'elle n'a plus envie de rien apprendre. Aide-moi à me lever, Harry, tu veux Qu'est-ce que je disais Le cirque, dit doucement Cal. Ah oui, quand tu verras le cirque de Kate, tu auras les yeux comme des soucoupes. Tu sais ce qu'elles font Cal fit en sorte de marcher derrière Rabbit pour qu'il ne pût pas voir son visage. Rabbit lui dit ce qu'elle faisait. Cal sentit son cœur se lever. Ce n'était pas le cirque qui l'écœurait, mais ses spectateurs. En voyant le visage de Rabbit, il imaginait l'expression de tous ces hommes réunis. Ils traversèrent le jardin herbeux et gravirent les marches du perron. Cal était grand pour son âge, mais il marcha sur la pointe des pieds. L'homme qui ouvrit la porte ne l'examina pas de très près. La pièce était sombre, mal éclairée par ses petites lampes, et Cal se faufila dans le groupe des hommes qui attendaient impatiemment. Cal voulait accumuler des preuves, des phrases, d'obscurs outils qui lui serviraient un jour. Après la visite chez Kate, il ressentit désespérément le besoin de s'en débarrasser. Une nuit, Lee, qui tapait à la machine, entendit frapper légèrement à la porte. Il fit entrer Cal. Le garçon s'assit sur le bord du lit et Lee enfonça son corps maigre dans le fauteuil Maurice. Cela l'amusait qu'un fauteuil pût lui procurer tant de plaisir. Il se croisa les mains sur l'estomac comme s'il portait des manches à la chinoise et attendit patiemment. Cal examinait quelque chose au-dessus de la tête de Lee. Il parla doucement et rapidement. « Je sais où est ma mère et ce qu'elle fait. Je l'ai vue. » Lee fit une prière désespérée, cherchant une aide. « Que veux-tu savoir » demanda-t-il. Je n'y ai pas encore pensé. J'essaie de savoir. Est-ce que tu me diras la vérité Évidemment. La question qui tourbillonnait dans l'esprit de Cal était si stupéfiante qu'il avait du mal à en choisir une. Mon père est-il au courant Oui. Pourquoi a-t-il dit qu'elle était morte Pour t'éviter d'avoir de la peine. Qu'a fait mon père pour qu'elle le quitte Il l'a aimée de tout son corps et de toute son âme. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait. « A-t-elle tiré un coup de revolver sur lui ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il ne voulait pas qu'elle le quittât. »« L'a-t-il jamais frappé ?»« Pas que je sache. Il n'était pas homme à la frapper. »« Pourquoi a-t-elle fait cela, Lee ?»« Je ne sais pas. »« Tu ne sais pas ou tu ne veux pas le dire ?»« Je ne sais pas. » Cal resta silencieux pendant si longtemps que Lee se mit à gratter les poignets du bout des doigts. Il fut soulagé lorsque Cal parla à nouveau. Le ton de sa voix était changé. Il était suppliant. Lee, tu l'as connue? Comment était-elle? Lee soupira et ses mains se détendirent. Je ne puis dire que ce que je pense et je peux me tromper. Que penses-tu? Cal, répondit Lee. J'ai réfléchi de nombreuses heures et je ne sais toujours pas. Elle est un mystère. J'ai l'impression qu'elle n'est pas comme les autres gens. Il lui manque quelque chose. La bonté peut-être ou la confiance. On ne peut comprendre les gens que si on les sent en soi-même. Elle, je ne la sens pas. Dès que je porte mon attention sur elle, tout s'assombrit. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, ni ce qu'était son but. Elle était pleine de haine. Mais envers quoi, envers qui, cela je l'ignore. C'est un mystère. Et sa haine était malsaine. Ce n'était pas de la colère, c'était une haine où le cœur n'entrait pour rien. Je commets peut-être une erreur en te parlant ainsi. J'ai besoin de savoir. Pourquoi Ne te sentais-tu pas mieux avant Si, mais maintenant je ne peux plus m'arrêter. Tu as raison, dit Lee. Lorsque la première innocence s'évanouit, autant continuer dans la même voie, à moins que l'on ne soit un hypocrite ou un imbécile. Je ne puis rien te dire de plus, car mes connaissances s'arrêtent là. Karl dit. Alors parle-moi de mon père. C'est facile, dit Lee, puis il s'arrêta. Je me demande si quelqu'un peut nous entendre. N'élevons pas la voix. Parle-moi de lui, dit Cal. Je crois que ton père porte en lui, en plus fort, ce qui manque à ta mère. Je crois que la bonté et la confiance sont si grandes chez lui qu'elles sont aussi gênantes que des vices. Elles lui font des crocs en jambes et lui barrent le chemin. Qu'a-t-il fait quand elle est partie Il a cessé de vivre, répondit Lee. Il a continué de marcher, mais il était mort. C'est seulement récemment qu'il est revenu à une demi-vie. Lee vit une expression étrange et nouvelle sur le visage de Cal. Les yeux étaient plus ouverts et la bouche, généralement fermée et dure, était détendue. Dans ce visage, pour la première fois, Lee voyait Aaron malgré la différence de teint. Les épaules de Cal tremblaient légèrement, comme font les muscles après un effort soutenu trop longtemps. Qu'y a-t-il, Cal? demanda Lee. J'aime mon père. Je l'aime aussi. Et c'est sans doute pour cela que je ne l'ai pas quitté. « Il n'est pas malin, au sens littéral du mot, mais c'est un brave homme. C'est peut-être l'homme le meilleur que j'ai jamais connu. » Cal se leva soudain. « Bonne nuit, Lee. »« Attends une minute. As-tu parlé à quelqu'un ?»« Non. »« Et Aaron ?»« Non, tu ne le ferais pas. »« Et s'il vient à l'apprendre ?»« Alors il faudra que tu restes à ses côtés pour le soutenir. »« Ne pars pas encore. Lorsque tu auras quitté cette chambre, nous n'aurons peut-être plus l'occasion de parler seul à seul à nouveau. » Et peut-être m'aimeras-tu moins parce que tu sauras que je sais la vérité. Dis-moi, est-ce que tu hais ta mère? Oui, dit Cal. Je me le demandais, dit Lily. Je ne crois pas que ton père l'ait jamais haï. Il a seulement éprouvé de la douleur. Cal recula vers la porte, lentement, doucement. Il enfonça ses poings jusqu'au plus profond de ses poches. Je la hais parce que je sais pourquoi elle est partie. Et je le sais parce qu'elle est en moi. Il avait baissé la tête et sa voix était brisée. Lee se leva d'un bond. Suffit, dit-il durement. Écoute-moi bien, que je ne te reprenne jamais à penser cela. Évidemment qu'elle est en toi et que le mal qu'elle porte est en toi. Tout le monde le porte. Mais tu as autre chose. Lève la tête. Regarde-moi. Cal leva la tête et dit avec lassitude Qu'est-ce que tu veux Tu as autre chose, tu m'entends Sans cela, tu ne te poserais pas la question et n'emprunte jamais le chemin le plus facile. Ce sont les esprits paresseux qui cherchent des raisons dans ceux qui les ont précédés, que je ne t'y reprenne jamais. Maintenant, regarde moi dans les yeux pour que tu n'oublies jamais. Quoi que tu fasses, ce sera toi qui agiras, et non ta mère. Tu le crois vraiment, Lee? Oui, je le crois, et tu ferais bien de le croire aussi, si tu ne veux pas que je te réduise en bouillie. Après le départ de Cal, Lee s'installa dans son fauteuil. Qu'ai je donc fait de mon calme oriental? se dit il. Cal, en découvrant sa mère, avait plus procédé à une vérification qu'il n'avait fait une découverte. Depuis longtemps, il savait que le nuage était au-dessus de sa tête, mais il n'en connaissait pas les formes exactes. Sa réaction fut trouble. Il se sentait plus fort maintenant qu'il savait. Il pouvait évaluer des gestes et des expressions, et interpréter de vagues allusions. Il pouvait même déterrer le passé et recomposer le puzzle. Mais cela était loin de compenser sa souffrance. Son corps se modelait pour devenir un corps d'homme, et les vents changeants de l'adolescence le secouaient. Un jour, il était dévot, pur et dévoué. Le lendemain, il se vautrait dans le mal, et le surlendemain, il rampait de honte et ressortait purifié. Sa découverte aiguisa ses sens. Avec un tel héritage, il était un être unique. Il n'arrivait pas à croire les phrases de Lee, ou à concevoir que d'autres enfants pussent traverser les mêmes affres. Le cirque de Kate n'avait pas quitté sa mémoire lorsqu'il y repensait le souvenir enflammait son corps d'un feu pubère et la minute après une nausée le secouait il observa son père de plus près et trouva chez lui plus de tristesse et de désappointement qu'adam n'en avait peut-être ressenti il se développa chez cal un amour passionné pour son père une volonté de le protéger et de combler les vides que les souffrances passées avaient creusés dans l'esprit de cal ces souffrances passées étaient intolérables il pénétra un jour dans la salle de bain alors qu'Adam se baignait, et il vit la cicatrice qu'avait laissée la balle. Il s'entendit demander contre sa volonté Qu'est-ce que c'est que cette cicatrice, papa La main d'Adam monta le long de sa poitrine comme pour masquer le trou. Une vieille blessure, Cal. Elle date d'une campagne contre les Indiens. Je te raconterai un jour. Cal, qui observait son père, l'avait vu fouiller dans le passé à la recherche d'un mensonge. Cal ne haïssait pas le mensonge mais la nécessité qu'il y avait à mentir. Il mentait volontairement pour des raisons bien définies, mais être poussé à mentir lui semblait honteux. Il voulut crier. Je sais qui t'a blessé, et il n'y a aucun mal à cela. Mais il se contenta de dire. Oui, j'aimerais que tu me racontes. Aaron connaissait les mêmes troubles, mais ses réactions étaient plus paresseuses que celles de Cal. Ses sens ne le tourmentaient pas d'une façon aussi aiguë. Ses passions prirent un tour religieux. Il décida qu'il serait pasteur. Il assistait à tous les services de l'église épiscopale, fleurissait l'autel et passait de nombreux moments avec le jeune pasteur aux cheveux bouclés, Mr. Rolfe. Aaron apprit les choses de ce monde de la bouche d'un jeune homme qui n'avait aucune expérience et qui ne s'exprimait que par des généralités, comme tous les gens sans expérience. Aaron fut confirmé à l'église épiscopale. Il chantait dans le chœur tous les dimanches. Abra le suivit. Elle savait que ces choses étaient nécessaires, mais dénuées d'importance. Il était naturel qu'Aaron converti, voulut convertir Cal. Il pria d'abord silencieusement pour Cal, mais finalement il s'adressa directement à lui. Il lui reprocha son manque de foi et lui demanda de se réformer. Cal aurait peut-être fait un effort si son frère avait été plus intelligent, mais Aaron avait atteint ce sommet de pureté passionnée d'où le reste de l'humanité apparaît souillé. Au bout de quelques sermons, Kal trouva son frère insupportablement ennuyeux et le lui dit, ils ne furent soulagés que lorsqu'Aaron abandonna son frère à la damnation éternelle. La religiosité d'Aaron prit, et c'était inévitable, un tour sexuel. Il parla à Abra de la nécessité de l'abstinence et il décida qu'il vivrait une vie de célibat. Abra, dans sa prudence, agréa, espérant que cette folie passerait. Le célibat était le seul état qu'elle eût connu. Elle voulait épouser Aaron et porter ses enfants, mais elle n'en dit rien. Elle n'avait jamais été jalouse, mais elle commença de porter une haine instinctive, et peut-être justifiée, au révérend Rolf. Cal regardait son frère triompher de péchés qu'il n'avait jamais commis. Il eut envie de lui dire qui était sa mère, pour voir sa réaction. Mais il repoussa bien vite cette pensée. Il savait qu'Aaron serait écrasé par la révélation. Chapitre 39 De temps à autre, Salinas reput. Rôtait. Du haut de la chaise ou du fauteuil présidentiel de la Ligue civique de la femme s'élevait une éructation sonore et fleurait bon le moralisme. L'estomac a ses soupapes, les communautés ont les leurs. Invariablement, c'était les maisons de jeu qui faisaient les frais, et pour cause, on pouvait en discuter ouvertement, ce qui était impossible pour la prostitution. C'était un péché flagrant, et la plupart des maisons de jeu étaient tenues par des Chinois on avait peu de chance d'écraser les doigts de pied d'un parent. Et à chaque fois, c'était le même processus. Après l'Église et la Ligue, les deux journaux de la ville s'embrasaient. Les éditoriaux exigeaient un nettoyage. La police répondait qu'elle ne demandait pas mieux, mais qu'elle manquait de crédit. Elle en profitait pour demander un budget plus élevé, ce qui réussissait parfois. Lorsqu'on en arrivait au stade de l'éditorial, tout le monde savait que les dés étaient jetés. Ce qui suivait était aussi soigneusement réglé qu'un ballet. La police se préparait, les maisons de jeu se préparaient, et les journaux se préparaient à imprimer des éditoriaux de victoire. Puis venait la rafle qui allait droit au but, sans coup férir. Une vingtaine de Chinois importés pour l'occasion de Pajaro, quelques imbéciles et cinq ou six innocents commis-voyageurs tombés dans les filets de la police étaient inscrits sur les registres, enfermés et au matin relâchés après paiement d'une amende. La ville, après ce bain, respirait, et les maisons perdaient une nuit d'affaires. Plus les amendes. Triomphe de l'être humain qui sait, mais refuse de croire. Un soir d'automne, en 1916, Cal regardait le Fantan chez Petit Lim, lorsqu'il fut pris dans une rafle. Dans l'obscurité, personne ne le remarqua, et le sergent fut très embarrassé lorsque le lendemain matin, il trouva le garçon dans une cellule. Il téléphona à Adam, qui prenait son petit déjeuner. Adam fit le trajet à pied. Libéra Cal, traversa la rue pour aller chercher son courrier à la poste et ramena son fils à la maison. Lee avait mis au chaud les œufs d'Adam et en avait préparé deux pour Cal. Aaron traversa la salle à manger, s'apprêtant à te sortir pour aller à l'école. Tu veux que je t'attende? demanda-t-il à Cal. Non, répondit Cal. Il baissa les yeux et mangea ses œufs. Adam n'avait pas encore parlé, sauf pour dire, suis-moi, après avoir remercié le sergent. Cal engloutit son petit déjeuner sans appétit, lançant derrière Cécile baissée des regards vers son père. Il ne comprenait pas ce que signifiait l'expression d'Adam. Il semblait à la fois embarrassé, furieux, pensif et triste. Adam gardait lui aussi la tête baissée sur sa tasse de café. Le silence grandit jusqu'à atteindre une taille encombrante. Lee passa la tête par la porte. Café demanda-t-il. Adam fit non de la tête. Lee disparut et referma la porte de la cuisine. Dans le silence, coupé par le seul tic-tac de la pendule, Cal sentit la peur le gagner. Une force qu'il n'avait jamais soupçonnée se dégageait de son père. Des fourmillements lui parcouraient les jambes et il avait peur de les bouger pour rétablir la circulation. Il laissa tomber sa fourchette dans son assiette pour faire du bruit et le tintement fut avalé par le silence. La pendule sonna neuf coups qui furent avalés à leur tour. Avec la peur naissait le ressentiment. Cal était comme le renard qui, pris au piège, éprouve de la colère pour la patte qui le retient. Soudain, Cal bondit. Il ne savait pourtant pas qu'il allait bouger. Il hurla et il n'avait pas su qu'il allait parler. Fais-moi ce que tu veux me faire, va, que l'on n'en parle plus Et son hurlement fut avalé lui aussi. Adam releva lentement la tête. Cal n'avait jamais regardé son père dans les yeux. Bien des gens n'ont jamais regardé leur père dans les yeux. Adam avait l'iris bleu clair avec des lignes radiales foncées qui convergeaient vers la pupille. Au fond des deux yeux, Cal vit sa propre image, déformée, comme si deux Cal l'avaient regardé. Adam dit lentement Je l'ai trahi, n'est-ce pas C'était pire qu'une attaque. Que veux-tu dire demanda Cal. Tu as été ramassé dans une maison de jeu. Je ne sais pas comment tu y allais, ni pourquoi, ni ce que tu y faisais. Cal se rassit maladroitement et fixa son assiette. Est-ce que tu joues au Fantan Non, papa, je regarde. Y étais-tu déjà allé Oui, souvent. Pourquoi y vas-tu Je ne sais pas, j'ai envie de bouger la nuit, comme les filles de joie. Il pensa à Kate et sa mauvaise plaisanterie lui parut horrible. Quand je ne peux pas dormir, je me promène, dit-il. J'essaie de me fatiguer. Avant de parler, Adam pesa chacun de ses mots. Est-ce que ton frère aussi se promène Oh non, ça ne lui viendrait pas à l'idée. Il n'est pas nerveux. Tu comprends, je ne sais rien de vous deux, dit Adam. Cal aurait voulu jeter les bras autour de son père, l'étreindre, être étreint par lui. Il aurait voulu une grande démonstration de sympathie et d'amour. Il prit son anneau de serviette en bois et y glissa son doigt. Tu le saurais si tu le demandais, dit il doucement. Mais je ne l'ai pas demandé. Je suis un aussi mauvais père que l'était le mien. Cal n'avait jamais entendu Adam parler avec cette voix. Elle était cassée. Brisé par l'émotion. Adam butait sur des mots qui semblaient se refuser à être prononcés. Mon père m'a construit un moule, et il m'y a fait entrer de force, dit Adam. J'ai été une mauvaise pièce, mais je ne pouvais pas être refondu. Personne ne peut être refondu, et je suis demeuré une mauvaise pièce. Cal dit N'est pas de peine, tu as assez souffert. Vraiment Peut-être, mais de la mauvaise manière, sans doute. Je ne connais pas mes fils, et je me demande si je pourrais les connaître. Je te dirai tout ce que tu voudras. Tu n'as qu'à demander. Où dois-je commencer Au début. Est-ce que tu m'en veux Es-tu triste parce que je suis allé en prison À la surprise de Cal, Adam rit. Tu te trouvais là, n'est-ce pas Tu ne faisais rien de mal. Peut-être que de se retrouver là était mal. Cal cherchait le châtiment. Moi aussi, une fois, il m'est arrivé de me trouver là, dit Adam. Et je suis resté en prison pendant près d'un an pour m'être trouvé là. Cal essaya de digérer cette hérésie. Je ne le crois pas, dit-il. Moi non plus, quelquefois. Mais je sais que lorsque je me suis évadé, j'ai cambriolé un magasin et volé des vêtements. Je ne le crois pas, dit faiblement Cal. Mais la chaleur, l'intimité du moment était si délicieuse qu'il s'y accrocha. Il respira doucement pour ne pas diminuer la chaleur. Adam dit. Te rappelles-tu Samuel Hamilton? Oui, évidemment. Alors que tu n'étais qu'un bébé, il m'a dit que c'était un mauvais père. Il m'a frappé. Il m'a assommé pour que je ne l'oublie jamais. Ce vieil homme? Il était solide. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Je suis ce que mon père a été. Il m'a défendu d'être une personne et je n'ai pas su voir que mes enfants étaient des êtres humains. Voilà ce que Samuel voulait dire. Il regarda Cal droit dans les yeux et sourit. Cal ressentit tant d'affection pour lui que c'en était douloureux. Cal dit. Nous ne pensons pas que tu sois un mauvais père. Pauvre gosse, dit Adam. Comment le sauriez-vous? Vous, Vous n'en avez jamais eu d'autre. Je suis content d'être allé en prison, dit Cal. Moi aussi, moi aussi. Adam rit. Nous sommes tous les deux allés en prison. Nous pouvons en parler. Une gaieté grandissante l'envahissait. Est-ce que tu peux me dire quel garçon tu es? Oui, papa. Vraiment? Oui. Alors dis-le-moi. Tu vois, il faut prendre certaines responsabilités lorsque l'on est une personne. Cela ne consiste pas uniquement à prendre la place de l'air dans l'espace. Qui es-tu? Sans rire? demanda timidement Cal. Sans rire? Oh, je te le garantis, sans rire. Parle-moi de toi. Enfin, si tu veux. Cal commença. Eh bien, je... il s'arrêta. C'est difficile dès que l'on essaie. Je suppose que ce doit être impossible. Parle-moi de ton frère. Que veux-tu savoir de lui? Ce que tu en penses, c'est tout ce que tu peux me dire. Cal dit, il est bon, il ne fait rien de mal, il n'a pas de mauvaises pensées. Maintenant, tu me parles de toi. Comment? Tu admets que tu fais et que tu penses des choses mauvaises. Les joues de Cal s'empourprèrent. C'est vrai. Très mauvaise Oui, papa. Veux-tu que je te les dise Non, Cal, j'ai compris. Ta voix et tes yeux disent que tu luttes contre toi-même, mais n'aie pas honte. C'est affreux d'avoir honte. Aaron a-t-il jamais honte Il ne fait rien pour cela. Adam se pencha en avant. En es-tu sûr Tout à fait. Dis-moi, Cal, est-ce que tu le protèges Comment cela Supposons que tu entends dire quelque chose de mal, de cruel ou de laid. Est-ce que tu le lui cacherais? Je crois. Il est trop faible pour supporter ce que tu peux supporter. Ce n'est pas cela, papa. Il est bon, vraiment. Il ne fait jamais de mal à personne. Il ne dit jamais de mal de qui que ce soit. Il n'est pas méchant. Il ne se plaint jamais et il est brave. Il n'aime pas se battre, mais il le fait quand c'est nécessaire. Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Oui. Et quelquefois je lui fais mal. Je le trompe. Je l'induis en erreur. Quelquefois même je le blesse sans raison. Et après, tu es malheureux Oui. Aaron est-il parfois malheureux Je ne sais pas. Lorsque j'ai refusé d'aller à l'église, il a eu l'air désespéré. Et une fois, quand Abra s'est mise en colère et lui a dit qu'elle le haïssait, il a eu l'air malheureux. Il est tombé malade. Il a eu la fièvre. Tu ne te rappelles pas Lee a appelé le médecin. Adam dit avec étonnement. Comment ai-je pu vivre avec vous et ignorer tout cela Pourquoi Abra était-elle en colère Je ne sais pas si je dois le dire. Ne le dis pas alors. Cela n'a rien de terrible. Tu comprends papa Aaron veut être pasteur. Mr. Rolf a parlé à Aaron et Aaron a dit qu'il ne se marierait jamais et que peut-être il se retirerait du monde. Comme un moine Oui papa. Et cela n'a pas plu à Abra. Pas plu elle est devenue folle furieuse. Ça lui arrive quelquefois. Elle a pris le stylo d'Aaron, elle l'a jeté sur le trottoir et elle l'a écrasé à coups de pied. Et puis elle a dit qu'elle avait perdu la moitié de sa vie par la faute d'Aaron. Adam rit. Quel âge a-t-elle? Bientôt quinze ans. Mais pour certaines choses, elle est plus vieille que ça. Je m'en rends compte. Et qu'a fait Aaron? Il n'a rien dit, mais il a eu l'air blessé. Adam dit. Tu aurais pu profiter de l'occasion pour la lui prendre. Abra appartient à Aaron. Adam regarda intensément Cal dans les yeux, puis il appela. Lee, n'obtenant pas de réponse, il appela à nouveau. Lee, puis il dit Je ne l'ai pas entendu sortir. Je voudrais encore du café. Cal bondit. Je vais en faire. Mais tu devrais être à l'école, dit Adam. Je ne veux pas y aller. Tu devrais. Aaron y est. Je suis heureux, dit Cal. Je veux rester avec toi. Adam baissa la tête et regarda ses mains. Fais le café, dit-il doucement d'une voix timide. Pendant que Cal était dans la cuisine, Adam s'examina avec étonnement. Une sorte d'appétit tendait ses nerfs et ses muscles. Ses doigts avaient envie d'agripper, ses jambes de courir. Il jeta un regard avide sur la pièce. Il vit les chaises, les tableaux, les roses rouges du tapis et bien des choses nouvelles qui semblaient animées d'une vie propre, mais amicale. Il avait envie de vivre les minutes suivantes. Plaisante et chaleureuse, comme si elle devait apporter le ravissement. Une aube agréable se levait en lui, préparant un jour doré et calme. Il joignit les mains derrière la tête et étira ses jambes. Dans la cuisine, Cal observait avec impatience l'eau qui passait lentement sur le café. Et pourtant, il était heureux d'attendre. Un miracle, lorsqu'il devient familier, n'est plus un miracle. La nouveauté des rapports avec son père ne l'étonnait plus, mais le plaisir restait. Le poison de la solitude et l'envie rongeante du mal-aimé l'avaient quitté, et il se savait lavé et pacifique. Il essaya de réveiller une vieille haine pour se mettre à l'épreuve, et il s'aperçut qu'il ne savait plus haïr. Il eut envie de servir son père, de lui offrir un énorme cadeau, d'accomplir une tâche gigantesque en son honneur. La cafetière déborda, et Cal passa quelques minutes à nettoyer le fourneau. Et il se dit qu'il n'aurait pas fait cela la veille. Adam lui sourit lorsqu'il apporta le café fumant. Il renifla et dit Voilà une odeur qui me ferait lever de la tombe. La cafetière a débordé, dit Cal. Le café n'en sera que meilleur, dit Adam. Je me demande où est lit. Dans sa chambre, peut-être. Veux-tu que j'aille voir Non, il aurait répondu. Quand je sortirai de l'école, est-ce que je pourrai aller à la ferme Tu fais déjà des projets Et Aaron Il veut continuer ses études. Ne lui dis pas que je t'ai prévenu. Attends qu'il te le dise, et elle l'air surpris. D'accord, dit Adam, mais ne veux-tu pas aussi continuer tes études? Je sais que je pourrais gagner de l'argent à la ferme. Assez pour payer le collège d'Aaron. »« C'est une pensée généreuse, dit-il. Je ne sais pas si je dois te le dire, mais lorsque je t'ai demandé tout à l'heure quelle sorte de garçon était Aaron, tu l'as si mal défendu que j'ai cru un instant que tu le haïssais. Je l'ai haï, dit Cal véhémentement, et je lui ai fait mal aussi. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose Maintenant. Je ne le hais plus, je ne haïrai plus jamais, je crois que je ne haïrai plus personne, même ma mère. Il s'arrêta, étonné d'avoir fait ce faux pas, et son esprit se figea dans une immobilité défensive. Adam ne scia pas, il continua de regarder droit devant lui, puis il se passa la main sur le front et finit par dire calmement. Tu sais tout sur ta mère, ceci n'était pas une question. Oui, oui, papa. Absolument tout Oui. Adam se raidit sur sa chaise. Aaron est-il au courant Non. Oh non, il ne sait rien. Pourquoi dis-tu cela ainsi Je n'oserais pas le lui apprendre. Pourquoi Désemparé, Cal dit. Je ne crois pas qu'il pourrait le supporter. Il n'a pas assez de mal en lui. Il voulut continuer, ni toi non plus. Mais il se tut. Adam sembla là. Il hocha la tête. Écoute-moi, Cal. Crois-tu qu'Aaron puisse continuer à l'ignorer Pense bien à ce que je te demande. Cal répondit Il ne va jamais dans les endroits où il pourrait l'apprendre. Il n'est pas comme moi. Et si quelqu'un le lui disait Il ne le croirait pas. Il assommerait quiconque le lui dirait. Il penserait que c'est un menteur. Es-tu allé là-bas Oui, papa. Il fallait que je sache. Puis il continua très ému. Si Aaron quittait cette ville pour aller dans un collège, s'il n'y revenait plus jamais. Oui, c'est possible, mais il a encore deux ans à passer ici, répondit Adam en hochant la tête. Peut-être que je pourrais lui dire de se dépêcher et de terminer en une année. Il est intelligent. Mais tu l'es plus que lui. Pas de la même manière, dit Cal. Adam sembla grandir au point d'emplir toute la pièce. Son visage était sévère, et son regard bleu était aigu et pénétrant. Cal, dit-il brusquement, Papa, j'ai confiance en toi. Le changement de rapport avec son père amena un ferment de bonheur chez Cal. Sa démarche se fit plus légère. Un sourire éclaira son visage. Il s'extériorisa. Lee, ayant remarqué le changement, lui demanda Aurais-tu une petite amie, par hasard Non. Qu'est-ce qui a besoin d'une petite amie tout le monde, répondit Lee. Puis Lee demanda à Adam: Que se passe-t-il chez Cal? Il sait tout sur elle, répondit Adam. Vraiment? Lee fut soulagé. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait leur dire la vérité. Je ne lui ai rien dit, il savait déjà. Tiens, 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 dit Lee. Mais c'est même pas pour cela qu'il s'y flotte en faisant ses devoirs et qu'il jette sa casquette en l'air en marchant. Et Aaron, c'est pour lui que je m'inquiète. Je ne voudrais pas qu'il l'apprenne. Il sera peut-être trop tard. Je pourrais peut-être avoir une conversation avec Aaron, dit Adam. Lee examina Adam. Vous aussi, vous avez quelque chose de changé. C'est vrai Peut-être. Cal ne se contentait pas de siffloter, d'envoyer sa casquette en l'air et de faire rapidement ses devoirs. Au cœur de sa nouvelle joie, il se nomma défenseur du bonheur de son père. Lorsqu'il avait dit qu'il ne haïssait pas sa mère, il ne mentait pas. Mais elle avait blessé Adam. Ce qu'elle avait fait une fois, elle pouvait le refaire. Il se promit d'en apprendre le plus possible sur elle. Un ennemi que l'on connaît est moins dangereux et ne risque pas de vous surprendre. La nuit, il se sentait attiré vers la maison de l'autre côté de la voie du chemin de fer. Parfois, l'après-midi, il se cachait dans l'herbe haute sur le trottoir d'en face. Il voyait les femmes sortir, sévèrement habillées et sombres. Elles quittaient toujours la maison par deux et Cal les suivait des yeux jusqu'au coin de Castroville Street, où elle tournait à gauche vers Main Street. Il s'aperçut que si l'on ignorait d'où elles venaient, on ne pouvait pas dire qui elles étaient. Mais ce n'étaient pas ces femmes qui l'attendaient. Il voulait voir sa mère à la lumière du jour. Il finit par apprendre que Kate sortait tous les lundis à 1h30. Cal obtint ses permissions du lundi après-midi en fournissant un travail excellent à l'école. Il répondit aux questions d'Aaron en disant qu'il préparait une surprise qui devait rester secrète. Il faut dire que Aaron n'était pas très intéressé. Immergé en lui-même, il oublia bientôt. Cal, après qu'il eut suivi Kate de nombreuses fois, connut son itinéraire par cœur. Elle allait toujours aux mêmes endroits. D'abord à la banque de Monterrey, où elle passait un quart d'heure derrière les barreaux brillants qui défendaient la section des coffres-forts, puis elle longeait Main Street en regardant les étalages. Elle entrait chez Porter et Irvine regardant les robes et faisant parfois un achat. Des épingles de sûreté, un voile, une paire de gants. Vers deux heures et quart, elle entrait à l'Institut de beauté de Mini Franken. Elle y restait une heure, et elle ressortait avec les cheveux bouclés et un foulard de soie noué autour de la tête. À trois heures et demie, elle gravissait les marches qui menaient chez le docteur Rosen. Ensuite, elle s'arrêtait chez Bell, le confiseur, et achetait deux livres de chocolat assortis. C'était immuable. En sortant de chez Belle, elle se dirigeait directement vers Castreville Street et sa maison. Elle s'habillait comme tout le monde, comme n'importe quelle bourgeoise de Salinas faisant ses courses un lundi après-midi, mais elle portait toujours des gants, ce qui était rare à Salinas. Sous les gants, ses mains semblaient boudiner. Elle se déplaçait comme sous une cloche de verre. Elle n'adressait la parole à personne, ne semblait voir personne. Parfois un homme tournait la tête sur son passage, puis continuait son chemin, troublé, mais pour la plupart des passants, elle glissait comme un être invisible. Cal suivit Kate pendant plusieurs semaines. Il essaya de ne pas se faire remarquer. Et comme Kate marchait toujours en regardant droit devant elle, il était convaincu qu'elle ne soupçonnait rien. Lorsque Kate entrait dans son jardin, Cal continuait sa route d'un air dégagé. Il n'aurait pas pu dire au juste pourquoi il la suivait, sinon qu'il voulait tout savoir à son sujet. La huitième semaine, il la suivit comme d'habitude mais ne continua pas son chemin lorsqu'elle fut entrée dans son jardin il attendit un moment puis poussa à son tour la porte disjointe kate était cachée derrière un troène elle se démasqua et dit froidement que voulez-vous cal se figea sur place le temps semblait arrêté cal n'osait plus respirer très jeune il avait appris à se discipliner pour reconquérir son calme il observa des détails qui n'avaient rien à voir avec l'objet principal il remarqua comme le vent couchait les petites feuilles du Troène, regarda le sentier tracé par de nombreux pas et les pieds de Kate qui se tenaient loin de la boue. Il écouta une locomotive du Pacifique Sud qui s'époumonait en sifflement aigu. Il goûta l'air frais sur les poils naissants qui lui couvraient les joues, sans toutefois cesser de garder Kate dans son angle visuel. Il vit dans la forme et la couleur des yeux, dans les cheveux et même dans la façon dont elle tenait ses épaules une sorte de haussement. Karen lui ressemblait beaucoup. Il ne connaissait pas assez bien son propre visage pour reconnaître ses traits dans cette bouche, ses petites dents et ses pommettes largement écartées. Ils restèrent ainsi une éternité, séparés par des bouffées de vent du sud. Kate dit ⁇ Ce n'est pas la première fois que vous me suivez. Que voulez-vous ⁇ Il baissa la tête. Rien. Qui vous a demandé de me suivre ?⁇ Personne, madame. Vous ne voulez pas le dire, n'est-ce pas Cal entendit sa propre phrase avec stupéfaction. Il la prononça avant d'avoir songé à la retenir. Vous êtes ma mère et je voulais savoir comment vous étiez. C'était l'exacte vérité, et elle avait bondi comme un serpent qui darde sa tête. Comment Qu'est-ce que c'est Qui êtes-vous Je m'appelle Karl Trask, dit-il. Il vit un imperceptible changement s'opérer en elle. Leurs positions s'inversèrent. Elle avait toujours la même expression. Mais Cal comprit qu'elle était sur la défensive. Elle le regarda attentivement, observant chaque trait. Une image brouillée et obscure de Charles surgit du passé. Elle dit soudain Viens avec moi. Elle fit demi-tour et s'engagea le long du sentier, tout en évitant de mettre les pieds dans la boue. Cal n'hésita qu'un instant avant de la suivre. Il se rappela la grande pièce sombre, mais le reste lui était étranger. Kate le précéda jusqu'au bout du couloir et dans sa chambre. En passant devant la cuisine, elle lança ⁇ Du thé, deux tasses !⁇ Dans sa chambre, elle sembla avoir oublié le visiteur. Elle enleva son manteau, tirant sur les manches avec ses doigts gantés et maladroits. Puis elle se dirigea vers une porte nouvellement ouverte dans le mur, dans le coin de la pièce où était son lit. Elle ouvrit la porte et entra ⁇ Viens ici, dit-elle, apporte ta chaise. Il pénétra à son tour dans la pièce nue, qui ressemblait à une boîte. Il n'y avait pas de fenêtre. Les murs étaient gris sombre, un tapis gris couvrait le sol. Les seuls meubles de la pièce étaient un large fauteuil au coussin de soie grise, une table de lecture inclinée et un luminaire couvert d'un abat-jour épais. De sa main gantée, Kate tira la chaîne du commutateur, faisant un large cercle avec son pouce et son index, comme si la main eût été artificielle. Ferme la porte, dit-elle. La lampe projetait un cercle sur la table de lecture et ne diffusait qu'une clarté maigre dans la pièce. On aurait dit que le gris absorbait la lumière et la détruisait. Kate s'installa dans les épais coussins et enleva lentement ses gants. Les doigts des deux mains étaient bandés. Elle dit violemment Ne regarde pas comme ça, c'est de l'arthrite. Bon, tu veux voir Elle défit le bandage de toile huilée qui entourait son index droit et tendit le doigt déformé sous la lumière. Tiens, regarde, dit-elle, voilà ce que c'est l'arthrite. Elle grimaça de douleur en enveloppant à nouveau le doigt. Ces gants me font un mal, dit-elle. Assieds-toi. Cal s'installa sur le bord de sa chaise. Tu en auras un jour, dit Kate. Ma grand-tante en avait et ma mère commençait à en avoir. Elle s'arrêta. La pièce était insonore. On frappa discrètement à la porte. C'est toi, Joe? cria Kate. Pose le plateau dans ma chambre. Joe, tu es là? Un murmure parvint à travers la porte. Kate débita d'une voix monotone. Il y a des saletés dans le salon. Nettoyez. Anne n'a pas fait sa chambre. Donne-lui un nouvel avertissement. Dis-lui que c'est le dernier. Eva a fait sa forte tête hier soir. Je me charge d'elle. Tu diras au cuisinier que s'il nous sert encore une seule fois des carottes cette semaine, il peut demander son compte. Tu m'entends Un nouveau murmure traversa la porte. C'est tout, dit Kate. T'as de cochon, murmura-t-elle. Ils pourriraient dans leur crasse si on ne les surveillait pas. Sors et rapporte du thé. La chambre était vide lorsque Cal ouvrit la porte. Il revint dans la petite pièce attenante et posa en équilibre sur la table de lecture un grand plateau d'argent sur lequel étaient disposées une théière, deux tasses fines comme du papier, un sucrier, un pot de crème et une boîte de chocolat. Verse le thé, dit Kate. Mes mains me font mal. Elle mit un chocolat dans sa bouche. J'ai vu que tu regardais cette pièce, continua-t-elle lorsqu'elle lui avalait sa friandise. La lumière me fait mal aux yeux. Je viens ici pour me reposer. Elle vit le coup d'œil rapide que Cal lançait à ses yeux, et elle dit d'un ton sans réplique La lumière me fait mal aux yeux. Puis brusquement Qu'est-ce qu'il y a Tu ne veux pas de thé Non, madame, répondit Cal. Je n'aime pas le thé. Elle prit la fine tasse avec ses doigts bandés. Bon, qu'est-ce que tu veux Rien, madame. Tu voulais me regarder oui, madame. Tu es content Oui, madame. Et de quoi ai-je l'air Elle lui fit un sourire ignoble et découvrit ses petites dents pointues. Pas mal, répondit Cal. J'aurais dû me douter que tu ne dirais rien. Où est ton frère À l'école, je pense, ou à la maison. Comment est-il Il vous ressemble. Vraiment Il veut être pasteur, dit Cal. C'est parfait, dit Kate. Il me ressemble et il veut entrer dans les ordres. Un homme peut y faire beaucoup de dégâts. Lorsque l'on vient ici, on est sur ses gardes, tandis qu'à l'église, on se découvre. Il veut vraiment être pasteur, dit Cal. Elle se pencha vers lui. Son regard était vif. Remplis ma tasse. Est-ce que ton frère est bête Il est gentil, dit Cal. Je t'ai demandé s'il était bête. Non, madame, dit Cal. Elle se replongea dans ses coussins et leva sa tasse. Et ton père Je ne veux pas parler de lui, dit Cal. Ah non, c'est que tu l'aimes alors. Oui, je l'aime. Kate scruta le jeune visage et un spasme étrange la secoua, une sorte de douleur au creux de la poitrine. Elle reprit aussitôt possession d'elle-même. Tu veux un chocolat? demanda-t-elle. Oui, madame. Pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez tiré un coup de revolver sur papa et vous nous avez abandonnés. Est-ce lui qui vous a dit cela? Non, il ne nous a rien dit. Elle mit une de ses mains sur l'autre et la retira aussitôt, comme si le contact avait éveillé une brûlure. Elle demanda Est-ce que ton père reçoit des jeunes femmes chez lui Non, décale, « Pourquoi lui avez-vous tiré dessus et êtes-vous parti Tous les muscles de son visage se durcirent, comme si un filet les eût emprisonnés. Elle leva la tête, ses yeux étaient implacables. Tu m'as l'air bien avancé pour ton âge, mais pas suffisamment. Tu ferais mieux de t'en aller, d'aller jouer aux billes et de moucher ton nez. Quelquefois, je fais marcher mon frère, dit-il. Je le fais trébucher et même pleurer. Il ne sait pas comment je m'y prends. Je suis plus malin que lui, mais je ne veux pas en profiter. Ça me rend malade. Kate parla comme si elle répondait à une question. Il se croyait intelligent, il me regardait et il pensait me connaître. C'est moi qui les connaissais. Je me suis joué de chacun d'eux. Comme ils croyaient pouvoir me donner des conseils, c'est là que je les jouais le mieux. Charles, je les ai vraiment trompés. Mon nom est Caleb, dit Cal. Caleb a atteint la terre promise. C'est ce que m'a dit Lee, et c'est dans la Bible. Le chinois, dit Kate, et elle continua avec violence. Adam a cru m'avoir. Quand j'étais blessée, toute cassée, il m'a fait entrer. Il m'a servi, il m'a nourri. Il a essayé de m'attacher à lui. La plupart des gens se laissent attacher comme cela. Ils sont reconnaissants, ils ont une dette. Quelle paire de monotes Personne ne peut m'attacher. J'ai attendu. Attendu jusqu'à ce que je fusse forte, et puis je me suis libérée. »« On ne me prend pas au piège, dit-elle. Je le regardais et j'attendais. Dans la pièce grise, le silence fut meublé par la respiration haletante de Kate. Pourquoi lui avez-vous tiré dessus demanda Cal. Parce qu'il était sur mon chemin. J'aurais pu le tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais seulement qu'il me laissât passer. Vous n'avez jamais regretté d'être parti Seigneur, non Même quand j'étais toute petite, je pouvais faire tout ce que je voulais. Ils ne savaient jamais comment je m'y prenais. Jamais. Ils étaient toujours si sûrs d'avoir raison. Ils n'ont jamais su. Personne n'a jamais su. Elle semblait dessiner son portrait devant ses propres yeux. Tu es de ma race. Peut-être me ressembles-tu. Pourquoi pas, après tout. Karl se leva et joignit les mains derrière le dos. Il demanda. Quand vous étiez petite. Puis il s'arrêta pour mettre ses pensées en ordre. Vous n'avez jamais eu l'impression qu'il vous manquait quelque chose comme si les autres connaissaient quelque chose et vous pas comme un secret qu'ils auraient refusé de vous dire avez-vous jamais senti ça pendant qu'il parlait le visage de Kate se figea et lorsque Cal s'arrêta elle en profita pour couper le fil qui les unissait elle dit voilà que je me mets à discuter avec des gosses Cal dégagea ses mains et les enfouit dans ses poches je parle des morveux dit-elle je dois être folle le visage de Cal était tendu ses yeux grands ouverts Kate dit Qu'est-ce qui te prend? Il resta immobile, le front inondé de sueur, les poings fermés. Kate, par habitude, essaya d'enfoncer une lame brillante mais rigide. Elle rit doucement. J'aurais pu te donner des choses intéressantes comme ceci. Elle montra ses mains difformes. Mais si tu es épileptique, tu ne le tiens pas de moi. Elle fixa son regard sur lui, attendant le choc et cherchant à deviner l'inquiétude qui allait le gagner. Cal parla joyeusement. Je pars, dit-il. Je m'en vais. Je suis très content. Lee avait raison. Qu'est-ce qu'il a dit J'avais peur de vous avoir en moi. J'y suis, dit Kate. Non, je suis moi. Je n'ai pas besoin d'être vous. Comment le sais-tu demanda-t-elle Je le sais, c'est tout. Je viens de le comprendre. Si je suis méchant, c'est ma méchanceté à moi. Ton chinois t'a bien bourré le crâne. Pourquoi me regardes-tu comme ça Cal répondit ce n'est pas vrai que la lumière vous fait mal aux yeux. Dans le fond, vous avez peur. Sors d'ici hurla-t-elle. Veux-tu sortir d'ici Je pars. Il posa sa main sur la poignée de la porte. Je ne vous hais pas, dit-il, mais je suis content que vous ayez peur. Elle essaya de crier Joe, mais sa voix s'étrangla. Cal ouvrit la porte et la claqua derrière lui. Joe était en conversation avec une des femmes, dans le salon. Ils entendirent des pas rapides et légers. Lorsqu'ils levèrent la tête, une silhouette imprécise avait déjà gagné la porte, l'avait ouverte et s'était glissée dehors. Le lourd battant frémit. Ils n'entendirent qu'un pas sur le perron, puis le bruit sourd de deux pieds touchant le sol après un saut. Qu'est-ce que c'est que ça demanda la fille. Dieu seul le sait, répondit Joe. Il y a des jours où j'ai des hallucinations. Moi aussi, répondit la fille. Est-ce que je t'ai dit que Clara a les cuisses toutes piquées faut pas abuser de la seringue, dit Joe. Crois-moi, moi on en fait mieux, on se porte. C'est bien vrai, acquiesça la fille. Chapitre 40 Kate s'enfonça dans les coussins de son fauteuil. De petites vagues parcouraient son corps, hérissant les poils sur leur passage et laissant derrière elle un froid brûlant. Elle parla. S'adressant à elle-même doucement, « Calme-toi, ce n'est rien. Défends-toi, sale morveux !» Elle pensa soudain à la seule personne qu'elle eût jamais crainte et haïe à la fois. C'était Samuel Hamilton, avec sa barbe blanche, ses joues roses et ses yeux rieurs qui semblaient soulever la peau pour examiner ce qu'elle recouvrait. De son index difforme, Kate tira la mince chaîne qui entourait son cou. Deux fines clés de coffre-fort, une montre en or et un petit tube d'acier y étaient fixés. Avec mille précautions, elle dévissa le sommet du tube et, après avoir écarté les genoux, fit tomber sur le tissu tendu de sa jupe une petite capsule de gélatine. Elle la présenta à la lumière. Elle contenait six cristaux de morphine, la bonne dose. Elle remit la capsule à l'intérieur du tube, revissa le couvercle, fit glisser la chaîne entre sa peau et sa robe. Les derniers mots de Cal se répétaient sans fin. Vous avez peur! Elle dit la phrase tout haut pour en détruire le sens. Une image fortement contrastée se forma devant elle et elle la laissa se développer pour pouvoir l'examiner à nouveau. C'était avant la construction de la petite pièce. Kate était entrée en possession de l'héritage de Charles. Elle avait converti le chèque en gros billets qu'elle avait enfermés dans son coffre à la banque de Monterrey. C'est à peu près à cette époque-là que les premières douleurs envahirent ses mains. Elle avait assez d'argent pour partir, mais elle ne voulait pas se presser de vendre sa maison. Et puis, elle aimait mieux attendre d'être guérie. New York était loin et froid. Elle ne guérit jamais. Elle reçut une lettre signée Ethel. Qui était Ethel En tout cas, elle était folle de demander de l'argent. Il y a des centaines d'Ethel. Il y en a une à chaque coin de rue. Celle-là écrivait mal sur du papier quadrillé. Peu de temps après, Ethel vint voir Kate qui la reconnut à peine. Elle était assise derrière son bureau, prudente, méfiante et sûre d'elle. Il y a longtemps qu'on s'était vus, dit-elle. Et elle répondit comme un soldat qui, cinquante ans après, vient rendre visite au sergent qui lui a commandé l'exercice. Ça ne va pas fort, dit-elle. Elle avait épaissi et des bourrelets de graisse l'entouraient comme des cerceaux. Ses vêtements étaient propres, élimés, pauvres. Où habitez-vous en ce moment demanda Kate tout en se demandant combien de temps la vieille peau mettrait à arriver au but. À l'hôtel du Pacifique, j'ai une chambre. Vous n'êtes plus en maison alors. Je n'ai jamais pu recommencer à travailler. Vous n'auriez pas dû me vider. Elle essuya de grosses larmes du revers d'un gant de coton. Ça va mal, dit-elle. Mes ennuis ont commencé quand le nouveau juge est arrivé. J'ai pris trois mois, moi qui n'avais pas de casier. En tout cas pas ici. En sortant de là, je chope la vérole. Je ne savais pas que je l'avais. Je la refile à un habitué, un chic type qui travaillait dans la police. Il se met en colère et il me tombe dessus. Il m'écrase le nez, il me casse quatre dents et ce nouveau juge m'en colle pour six mois. « Kate, vous vous rendez compte En six mois, on perd toutes ces relations. Les amis vous oublient. Je n'ai jamais pu me remettre au travail. » Kate fit un mouvement de tête faussement sympathique. Et elle allait lui faire le coup de la charité. Kate ouvrit le tiroir de son bureau, y prit quelques billets et les tendit à Ethel. « Je n'abandonne jamais une amie, dit-elle. Allez donc dans une autre ville et recommencez à zéro. » Ça coupe la poisse quelquefois. Et elle se retint d'empocher les billets. Elle les écarta comme une donne de poker. Quatre-dix. Elle articula avec une certaine émotion. Je pensais que vous aviez compris et que vous m'offririez autre chose que quarante dollars. Et pourquoi Vous n'avez pas reçu ma lettre Quelle lettre Ah dit-elle, la poste a dû la perdre. Ils sont négligents. Enfin, j'espérais que vous vous occuperiez de moi. Je me sens vraiment bien bas. J'ai comme un poids qui m'écrase les tripes. Elle soupira, puis parla si rapidement que Kate comprit qu'elle avait appris son petit discours par cœur. Vous vous rappelez peut-être que j'ai une sorte de seconde vue. Je prédis toujours des choses qui se réalisent. Quand je rêve de quelque chose, c'est vrai. Je connais un type qui m'a dit que je devais me mettre dans les affaires. Il dit que je suis un vrai médium. Vous vous rappelez Non, dit Kate. Non, c'est que vous n'aviez pas remarqué. Toutes les autres le savaient. Je leur ai dit des tas de choses qui se sont réalisées. Où voulez-vous en venir J'ai fait un rêve. Je me le rappelle parce que je l'ai fait la nuit même où faille morte. Elle leva les yeux sur le visage impassible de Kate. Elle continua. Il pleuvait cette nuit-là, et il pleuvait dans mon rêve. C'était mouillé. Dans mon rêve, je vous ai vu sortir par la porte de la cuisine. Il y avait des nuages, mais la lune se montrait de temps en temps. C'était bien vous. Vous êtes allé jusqu'au fond du jardin, et vous avez fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Puis vous êtes revenu sans faire de bruit. Et puis et puis Fay est morte. Elle s'arrêta, espérant quelque chose, mais le visage de Kate était inexpressif. Et elle attendit. Kate resta silencieuse. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu confiance dans mes rêves. C'est drôle. Il n'y avait rien au fond du jardin, à part des petits flacons écrasés et le caoutchouc d'un con de goutte. Kate dit paresseusement. Alors, vous les avez portés à un médecin. Et qu'a-t-il trouvé dans les bouteilles Je n'ai pas fait une chose pareille. Vous auriez dû. Je ne veux voir personne dans les ennuis. J'en ai eu assez moi-même. J'ai mis les petits morceaux de verre dans une enveloppe et je les ai rangés. Kate demanda doucement. Et vous venez me demander conseil Oui, madame. Je vais te dire ce que je pense, dit Kate. Tu n'es plus qu'une vieille putain usée et tu as pris trop de coups sur la tête. Vous n'allez pas dire que je suis folle Tu ne l'es peut-être pas. Mais tu es malade et fatiguée. Je t'ai dit que je n'abandonnerai jamais une amie. Tu peux revenir ici. Évidemment pas pour travailler, mais tu pourras donner un coup de main, faire le ménage et aider le cuisinier. Tu seras couché et nourri. Tu auras un peu d'argent de poche. Est-ce que ça te dirait Et elle se dandina d'un pied sur l'autre. Non, madame, dit-elle, je n'ai pas envie de, te, de dormir ici. Je ne transporte pas mon enveloppe avec moi. Je l'ai confiée à un ami. Qu'est-ce que tu espérais je pensais que vous auriez compris votre intérêt et que vous me donneriez 100 dollars par mois pour m'en sortir et me soigner. Tu habites l'hôtel du Pacifique Oui, madame. Ma chambre est dans le couloir à côté du bureau. Le gardien de nuit est un de mes amis et il ne dort jamais pendant le boulot. Un chic type. Kate dit Inutile de trembler dans ta culotte. Pose-toi une seule question combien ça coûterait pour endormir ton chic type Attends une minute. Elle compta six nouveaux billets de 10 dollars et les tendit à Ethel. Puis demanda Vous me les enverrez le premier de chaque mois, ou est-ce que je dois venir les chercher Je te les enverrai, dit Kate. Tu devrais faire analyser ces flacons, ajouta-t-elle. Je ne ferai pas une chose pareille, à moins que j'y sois obligée. Et elle referma les doigts sur les billets. Elle éclatait de joie. Elle triomphait. C'était la première fois que la vie lui souriait. Après son départ, Kate alla jusqu'au fond du jardin. Après toutes ces années, il restait encore un petit monticule à l'endroit où la terre avait été retournée. Le lendemain matin, le juge écouta d'une oreille distraite le résumé des activités nocturnes, et il demanda au quatrième plaignant Combien vous a-t-on volé L'homme aux cheveux bruns répondit Près de cent dollars Le juge se tourna vers l'agent qui avait opéré l'arrestation. Combien avait-elle sur elle Quatre-vingt-seize dollars. Elle a acheté du whisky, des cigarettes et des journaux aux gardiens de nuit vers six heures du matin. Et elle cria Je n'ai jamais vu ce gars-là de ma vie le juge leva la tête. Condamné deux fois pour prostitution et aujourd'hui pour vol, vous nous coûtez trop cher. Quittez cette ville avant midi. Il se tourna vers le policier. Que le shérif la conduise de l'autre côté de ma frontière. Puis il dit à ethel Si je vous revois ici, je vous colle le maximum, et cela signifie cinquante. Compris Ethel dit Monsieur le juge, je voudrais vous voir tout seul. Pourquoi Il faut que je vous voie. C'est un coup monté. C'est toujours un coup monté, dit le juge. Au suivant Pendant qu'un shérif adjoint conduisait Ethel de l'autre côté du pont qui traverse la rivière Pararo, le plaignant descendait en flânant Castroville Street, et au moment d'entrer chez Kate, se ravisait et retournait sur ses pas pour entrer chez Kenno et le coiffeur. Sur le moment, la visite d'Ethel ne troubla pas beaucoup Kate. Elle savait quelle foi on accorderait aux accusations d'une prostituée, et l'analyse des fragments de verre ne décèlerait aucune trace de poison. Elle avait presque oublié Faye. Ce rappel à l'ordre était simplement désagréable. Toutefois, graduellement, le souvenir se revivifia. Un soir, alors qu'elle vérifiait la facture de l'épicier, une pensée fulgura, aveuglante comme un météore. Ce fut si rapide qu'elle leva les yeux de son addition. Pourquoi cette angoisse avait-elle le visage sombre de Charles, et le regard étonné et joyeux de Samuel Hamilton Pourquoi avait-elle eu un frisson Elle se replongea dans ses contes. Mais le visage de Charles était derrière elle, qui se penchait au-dessus de son épaule. Ses doigts la faisaient souffrir. Elle rangea sa facture et déambula dans la maison. C'était une nuit silencieuse, une nuit de mardi. Il n'y avait pas assez de spectateurs pour le cirque. Kate savait ce que ses pensionnaires éprouvaient pour elle, de la terreur. Kate l'avait voulu ainsi. On la haïssait, mais cela n'avait pas d'importance. Les femmes avaient confiance en Kate. Si elle respectait les règles. Kate prendrait soin d'elle et les protégerait. Il n'était question ni d'amour ni de respect dans ce contrat. Kate ne les récompensait jamais et ne donnait que deux avertissements à une contrevenante avant de la jeter dehors. Les femmes étaient sûres de ne pas être punies sans raison. Quand elles voyaient arriver Kate, les filles prenaient un air faussement naturel. Kate savait pourquoi et n'était pas surprise. Mais cette nuit-là, elle avait l'impression de ne pas être seule. Charles l'accompagnait, présent à ses côtés, derrière elle. Elle traversa la salle à manger, entra dans la cuisine et ouvrit la glacière. Puis elle souleva le couvercle de la boîte à ordures pour voir s'il n'y avait pas de gaspillage. Elle faisait cela tous les soirs. Lorsqu'elle eut quitté le salon, les femmes s'interrogèrent du regard et haussèrent les épaules. Héloïse, qui parlait à Joe, l'homme aux cheveux bruns, dit Qu'est-ce qui se passe Rien Pourquoi Je ne sais pas, elle a l'air nerveuse. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce que c'est Hé là, dit Joe, je n'en sais rien, et tu n'en sais rien. Compris, je me mêle de ce qui me regarde. Tu es une petite futée, dit Joe. Tâche de le rester. Je ne veux rien savoir. Bien dit. Kate retraversa le salon après sa tournée. Je vais me coucher, dit-elle à Joe. Ne me dérange pas sans raison. Désirez-vous quelque chose Oui, fais-moi du thé. Tu as repassé ta robe, Héloïse Oui, madame. On ne dirait pas. Oui, madame. Kate n'avait pas sommeil. Elle mit tous ses papiers en ordre. Lorsque Joe apporta le thé, elle fit poser le plateau à côté de son lit. Enfouie dans ses oreillers, sirotant son thé, elle réfléchit. Charles, voilà. Charles était intelligent, et Sam Hamilton l'était aussi à sa manière. Voilà pourquoi l'angoisse l'avait saisie. Ils étaient intelligents. Sam et Charles étaient morts, mais il y en avait d'autres. Elle fit soigneusement le point. Si j'avais déterré les flacons, qu'aurais-je pensé et qu'aurais-je fait Immédiatement, elle eut peur. Pourquoi les flacons étaient-ils cassés et enterrés Ce n'était pas du poison. Pourquoi les enterrer alors Imbécile, elle aurait dû les jeter dans le ruisseau ou dans la boîte à ordures. Le docteur Wilde était mort, mais peut-être tenait-il un fichier Elle n'en savait rien. Si elle avait trouvé les flacons et appris ce qu'ils contenaient, n'aurait-elle pas demandé à quelqu'un Quel est l'effet de l'huile de croton sur l'organisme Que se passe-t-il si l'on en donne de petites doses fréquemment La personne questionnée le saurait. D'autres pourraient le savoir. Et si vous entendiez parler d'une riche propriétaire mourant après avoir tout légué à une nouvelle pensionnaire Kate savait parfaitement quelle serait la première réaction. Quelle bêtise de faire chasser Ethel. Maintenant, elle serait introuvable. Elle aurait dû payer Ethel et lui faire rendre les débris de verre. Où était-il Dans une enveloppe Mais où Comment retrouver Ethel Ethel ne tarderait pas à savoir pourquoi et comment elle avait été interdite. Elle était bête, mais elle pouvait parler à quelqu'un qu'il ne fût pas. Et si elle racontait l'histoire La maladie de Faye, les symptômes, le testament. Kate haletait. Elle avait la chair de poule. Autant partir pour New York ou ailleurs. Inutile de vendre la maison. Pas besoin d'argent. Elle en avait énormément. Personne ne pourrait la trouver. Oui, mais si elle s'enfuyait et si le quelqu'un de pas bête entendait l'histoire d'Ethel Est-ce qu'il ne ferait pas le rapprochement Kate se leva et prit une forte dose de somnifère. C'est à partir de cette époque-là que la peur était apparue et devenue sa compagne. Elle fut presque contente d'apprendre que ses douleurs étaient provoquées par l'arthrite. Une voix mauvaise lui avait murmuré que c'était peut-être le châtiment. À partir de ce jour-là, elle éprouva de la répulsion à sortir. Elle savait que les hommes la regardaient et la connaissaient, et si l'un d'eux avait eu le visage de Charles, ou les yeux de Samuel. Elle dut faire un effort pour sortir une fois par semaine. Elle fit construire la petite pièce grise et elle dit que la lumière lui faisait mal aux yeux. Et petit à petit, elle finit par le croire. Les yeux lui faisaient mal après une promenade en ville. Elle passa de plus en plus de temps dans sa petite pièce. Certaines personnes, Kate par exemple, peuvent soutenir deux thèses contraires simultanément. Elle croyait que la lumière lui faisait mal aux yeux. Mais en même temps, elle savait que la petite pièce grise était une cave cachette, une caverne souterraine, un endroit où nul regard ne pouvait se poser sur elle. Un jour, alors qu'elle était assise dans son fauteuil, elle pensa faire ouvrir une issue secrète, mais elle y renonça d'instinct. Elle ne serait plus protégée. Si elle pouvait sortir, quelque chose pouvait entrer, ce quelque chose qui se coulait dans le jardin, rampait le long des murs, jetait un regard par les fenêtres. Kate dut faire des efforts de plus en plus grands pour sortir tous les lundis après-midi. Lorsque Cal commença de la suivre, elle eut terriblement peur. Et lorsqu'elle se cacha derrière le trône pour le surprendre, elle était au bord de la panique. Mais sa tête reposait sur des oreillers moelleux, et ses paupières étaient agréablement lourdes de somnifères ce soir-là. Chapitre 41 Effrayée et séduite tout à la fois, L'Amérique glissait imperceptiblement vers la guerre. Cela faisait près de 60 ans que les gens n'avaient pas été secoués. L'affaire espagnole avait été plus une expédition qu'une guerre. Mr. Wilson avait été réélu président en novembre, et de la plateforme de son train présidentiel, il avait promis de rester en dehors des affaires d'Europe. Mais on lui conseillait la fermeté, ce qui signifiait la guerre. Inévitablement, le commerce marchait et les prix montaient. Des envoyés de l'intendance britannique parcouraient le pays, achetant nourriture, tissus, métaux et produits chimiques. Le pouls du pays battait à un rythme accéléré. Alors que l'on préparait la guerre, on refusait d'y croire. La vallée de la Salinas vivait comme avant. Cal alla en classe avec Aaron. Tu as l'air fatigué, dit Aaron. C'est vrai? Je t'ai entendu rentrer hier soir. Il était quatre heures. Qu'est-ce que tu faisais si tard? Je me promène. Je pense. Est-ce que ça te dirait de quitter l'école et de retourner à la ferme Pourquoi faire Pour gagner de l'argent pour papa. Je veux aller au collège et partir tout de suite. Je voudrais quitter cette ville. Tout le monde se moque de nous. Tu te fais des idées. Non, ce n'est pas moi qui ai perdu l'argent. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée idiote des laitues. Et pourtant, c'est de moi que les gens se moquent. Je ne sais même pas s'il reste assez d'argent pour m'envoyer au collège. Il ne l'a pas fait exprès. Il l'a perdu quand même. Cal dit. Après celle-ci, tu n'as plus qu'une année à faire, et tu iras au collège. Tu crois que je ne sais pas Si tu travailles dur, peut-être tu pourras passer tes examens cet été et entrer au collège à l'automne. Aaron pivota sur lui-même. Je n'y arriverai pas. Je crois que si. Parle-en au principal. Je suis sûr que le révérend Rolf t'aiderait. Aaron dit Je veux quitter cette ville, ne jamais y revenir. On continue de nous appeler tête de laitue. On se moque de nous. Et Abra, on verra. Que dira-t-elle si tu t'en vas Elle fera ce que je voudrais. Cal réfléchit un moment. Écoute, je vais essayer de gagner un peu d'argent. Si tu en mets un coup et si tu passes tes examens avec un an d'avance, je t'aiderai à poursuivre tes études. Tu ferais ça Oui. Je vais voir le principal tout de suite. Il hâta le pas. Cal le rappela. Aaron, attends. Écoute, s'il dit que tu peux y arriver, n'en parle pas à papa. Pourquoi Ça lui ferait une surprise agréable. Je ne vois pas l'intérêt. Non Non, ça m'a l'air idiot. Cal eut une envie folle de crier. Je sais qui est notre mère, je peux te la montrer. Voilà qu'il l'aurait dressée. Cal rencontra Abra dans l'entrée, avant la cloche. Aaron est bizarre, dit-il. Peut-être. Tu sais pourquoi Il est dans les nuages, c'est la faute du révérend. Est-ce qu'il te raccompagne chez toi Oui, mais il est comme transparent, il ne touche plus terre, il a des ailes. C'est l'histoire des laitues qui le tracassent. Je sais, dit Abra. J'essaie de le calmer, mais il doit se trouver intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire Rien, dit Abra. Après le dîner, ce soir-là, Cal demanda à son père s'il pouvait aller à la ferme, le vendredi suivant. Adam tourna la tête. Pour quoi faire Pour jeter un coup d'œil, comme ça. Aaron ira-t-il avec toi Non, j'irai seul. Je ne vois pas d'objection. Lee, envoyez-vous non, répondit Lee. Puis il observa Cal. Tu penses sérieusement à te lancer dans la culture Peut-être. Si tu me confiais la ferme, je l'exploiterais, papa. Elle est louée pour plus d'un an encore. Et après, est-ce que je pourrais m'y installer Et tes études J'aurais fini. Nous verrons, dit Adam. Tu auras peut-être envie d'aller au collège. Lorsque Cal sortit, Lee le suivit. Pourquoi veux-tu aller là-bas demanda-t-il. Pour me promener. Je vois. Je ne suis pas dans le secret. Lee s'apprêta à rentrer dans la maison, puis il se ravisa et appela Cal. Le garçon s'arrêta. As-tu des ennuis, Cal? Non. Je possède cinq mille dollars. Ils sont à ta disposition. Pourquoi en aurais-je besoin? Je ne sais pas, dit Lee. Will Hamilton aimait beaucoup son bureau vitré. Le champ de ses activités s'étendait bien au delà du commerce des automobiles, mais il préférait rester dans son garage. Il se carrait dans son grand fauteuil de cuir rouge et jouissait de la vie. Lorsqu'on lui parlait de son frère Joe qui gagnait tant d'argent dans la publicité, Will répondait qu'en comparaison, il n'était qu'une grosse grenouille dans un petit aquarium. Une grande ville me ferait peur, disait-il. Je ne suis qu'un campagnard. Et il aimait entendre le rire que cette phrase provoquait. Cela lui prouvait que ses amis savaient qu'il était à l'aise. Cal alla le voir un samedi matin. Devant le regard étonné de Will, il dit. Je m'appelle Cal Trask. Oh, mais oui, vous avez grandi. Votre père va-t-il venir Non, je suis seul. Alors asseyez-vous. Je suppose que vous ne fumez pas. Quelquefois des cigarettes. Will fit glisser un paquet de Morat sur le bureau. Cal ouvrit la boîte puis la referma. Pas tout de suite, merci. Will regarda le jeune visage sombre. Ce garçon lui plaisait. Il est intelligent, pensa-t-il. Il ne doit pas s'en laisser compter. Vous allez bientôt vous lancer dans les affaires, dit-il tout haut. Oui, monsieur. Je pense exploiter notre ferme quand je sortirai de l'école. Il n'y a pas d'argent à gagner, dit Will. Les fermiers ne gagnent rien. Ce sont ceux qui leur rachètent qui font des bénéfices. La culture ne rapporte rien. Will sentait que Cal l'observait, le soupesait, l'essayait, et il l'approuvait. Cal, bien que décidé, n'alla pas droit au but. Vous n'avez pas d'enfant, Mr. Hamilton. Non, et je le regrette. C'est même mon plus grand regret. Pourquoi me le demandez-vous Cal ignora la question. Pourriez-vous me donner un conseil Une bouffée de plaisir envahit Will. Si je le peux, ce sera avec joie. Que voulez-vous savoir Alors Cal fit quelque chose que Will Hamilton approuva, en connaisseur. Il employa sa candeur comme une arme. Je voudrais gagner beaucoup d'argent. Dites-moi comment. Will réfréna son envie de rire. La phrase était peut-être naïve, mais Cal ne l'était pas. C'est le désir de beaucoup de monde. Qu'entendez-vous par beaucoup d'argent Vingt ou trente mille dollars. Seigneur Jésus, dit Will. Et il se pencha en avant. Il se permit alors de rire, mais ce n'était pas pour se moquer. Cal sourit à son tour. Pouvez-vous me dire pourquoi vous voulez gagner tant d'argent demanda Will. Oui, monsieur, dit Cal. Je vais vous le dire. Et il ouvrit la boîte de Murad. Prit une des cigarettes plates à bout de liège et l'alluma. Will se carra dans son fauteuil. Il était ravi. Mon père a perdu beaucoup d'argent. Je sais, dit Will. Je l'avais pourtant prévenu qu'il était dangereux de lancer des wagons de laitue dans cette aventure. Vraiment Et pourquoi Il n'y a pas de garantie, dit Will. Un homme d'affaires doit protéger ses arrières. En cas d'accident, il n'avait aucun recours. Et c'est ce qui est arrivé. Continuez. Je veux gagner assez d'argent pour lui rendre ce qu'il a perdu. Will fit des yeux ronds. Pourquoi Parce que je le veux. Vous l'aimez Oui. Le visage épais de Will se durcit et un souvenir l'enveloppa comme une bourrasque. Ce ne fut pas une lente remontée dans le passé, mais une image éclair. Toutes les années, un paysage, un désespoir, tout se figea comme dans un instantané. Il y avait là Samuel étincelant, beau comme le jour, élégant comme un vol d'hirondelle. Tom, chez qui couvait un feu sombre, Una, qui chevauchait les orages, la délicieuse Molly, Dessy et son rire, George et son élégance et son parfum qui emplissait une pièce. Et puis Joe, le plus jeune, l'adoré. Chacun, sans effort, avait rapporté un don à la famille. Chacun possède un coffre où il renferme ses douleurs secrètes et dont il ne donne la clé à personne. Will avait dissimulé le sien sous des éclats de rire, et il n'avait jamais laissé la jalousie prendre son essor. Il pensait de lui-même qu'il avait l'esprit lent, conservateur, sans génie, terre-à-terre. Terre. Nul rêve d'envergure ne l'élevait, nul désespoir ne l'écrasait. Il était l'homme du juste milieu, se maintenant dans le cercle familial par un apport qu'il jugeait mince, prudence, lucidité et volonté. C'était lui qui faisait les comptes, engageait les hommes de loi, appelaient les pompes funèbres et éventuellement payaient les notes. Les autres ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de lui. Ils connaissaient l'art de gagner de l'argent et de le garder. Ils croyaient que les Hamilton le méprisaient, à cause justement de ce don. Ils les avaient aimés, ils avaient toujours été prêts à payer leurs erreurs. Ils pensaient qu'ils avaient honte de lui, et ils luttaient sauvagement pour rester un des leurs. C'était tout cela qui avait arrêté la marche du temps. Ses yeux, légèrement proéminents, étaient humides et fixaient un point au-delà de Cal. Le garçon demanda Qu'y a-t-il, Mr. Hamilton Vous ne vous sentez pas bien Will n'avait pas compris sa famille. Elle l'avait accepté sans savoir qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et voilà que ce garçon se présentait devant lui ouvert, transparent, proche. C'était là le fils qu'il aurait dû avoir, ou le frère, ou le père. Les personnages de l'instantané se remirent en marche. Will se sentit attiré par Cal qui n'avait pas bougé, attendant toujours. Will força son regard à changer de direction. Il ne savait pas combien de temps son silence avait duré. Je pensais, dit-il maladroitement, puis il prit sa voix sévère. Vous m'avez demandé quelque chose. Je suis un homme d'affaires. Je ne donne pas. Je vends. Oui, monsieur. Cal était sur ses gardes, mais il comprenait que Will Hamilton l'aimait. Will dit Je vais vous poser une question, et vous allez me répondre. Êtes-vous prêt à dire la vérité Ça dépend, dit Cal. J'aime mieux cela. Vous ne voulez pas vous avancer avant de connaître la question. C'est intelligent et honnête. Bon, vous avez un frère. Votre père l'aime-t-il mieux que vous Comme tout le monde, dit calmement Cal. Tout le monde préfère Aaron. Et vous Oui, monsieur. Enfin Oui. Que veut dire ce enfin Quelquefois je le trouve stupide, mais je l'aime bien. Bon, et votre père Je l'aime, dit Cal. Mais il préfère votre frère. Je ne sais pas. Vous voulez rendre à votre père l'argent qu'il a perdu. Pourquoi Le regard de Cal, généralement méfiant, prit une acuité insoutenable. Cal était près de son âme autant qu'il est possible de l'être. Mon père est bon, dit-il, et je veux lui donner ce que je peux, puisque je ne suis pas bon. Cela vous rendra-t-il meilleur Non, dit Cal, mes pensées sont mauvaises. Will n'avait jamais rencontré quelqu'un dont le langage fût aussi dépouillé. Il ressentait de l'embarras devant cette nudité, mais il savait combien Cal était en sécurité, débarrassé de son armure. Encore une question, dit-il, mais celle-là, vous pouvez ne pas y répondre. Personnellement, je crois que je n'y répondrai pas. La voici. Supposons que vous puissiez vous procurer cet argent et le donner à votre père. N'auriez-vous pas l'impression que vous essayez d'acheter son amour Oui, monsieur, c'est vrai. C'est tout ce que je voulais savoir. Will laissa tomber son front moite entre ses mains. Il ne se rappelait pas avoir jamais été aussi secoué. Cal sentait le triomphe à portée de sa main. Il savait qu'il avait gagné, mais il n'en montrait rien. Will releva la tête, enleva ses lunettes et les essuya. Sortons, dit-il, allons faire un tour en voiture. À l'époque, Will possédait une grosse Winton, avec un capot long comme un cercueil sous lequel grondait un puissant moteur. Il quitta King City par le sud et s'engagea sur la route communale. Le printemps éclatait de partout. Les fleurs des prés resplendissaient et des chants d'oiseaux s'envolaient de toutes les clôtures. Le pic blanc s'élevait à l'ouest, la tête couronnée de neige, et dans la vallée, les rangées d'eucalyptus semblaient ruisseler d'argent. Lorsqu'il atteignit le chemin qui menait à la ferme des Trask, Will s'arrêta sur le bord de la route. Il n'avait pas ouvert la bouche depuis le départ de King City. Le puissant moteur ronronna au ralenti. Will, les yeux fixés devant lui, demanda. Cal, voulez-vous être mon associé Oui, monsieur. Je ne m'associe pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Évidemment, je pourrais vous en prêter, mais ce serait une source d'ennui. Je peux trouver de l'argent, dit Cal. Combien Cinq mille dollars. Vous Je ne le crois pas. Cal ne répondit pas. Je le crois, dit Will. À emprunter? Oui, monsieur. À quel taux? Zéro. Bonne idée. Et où? Je ne vous le dirai pas. Will secoua la tête et rit. Il était aux anges. Je suis peut-être un idiot, mais je vous crois. Je ne suis pas un idiot. Il appuya sur l'accélérateur, le moteur gronda, puis reprit son régime ralenti. Écoutez-moi. Lisez-vous les journaux? Oui, monsieur. Nous allons bientôt entrer dans la guerre. Ça m'en a tout l'air. Beaucoup de gens le pensent. Connaissez-vous le prix actuel des haricots? Combien paie t on 100 sacs de haricots à Salinas? Je n'en suis pas sûr, mais je pense dans les trois cents à trois cents et demi à la livre. Et vous dites que vous n'en êtes pas sûr? Comment le savez-vous? J'ai l'intention d'exploiter notre ferme. Je vois. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Vous y perdriez votre temps. Le locataire de votre père se nomme Rantani. « C'est un Suisse italien, un excellent fermier. Il a mis près de cinq cents arpents en culture. Si nous pouvons lui garantir cinq cents de la livre et lui faire une avance pour la semence, il plantera des haricots. Il en va de même pour tous les autres fermiers de la région. Nous pouvons avoir par contrat cinq mille arpents de haricots. » Cal demanda. « Qu'allons-nous faire avec des haricots à cinq cents alors que le tarif est de trois cents et demi ?»« Oh Je vois. Mais en êtes-vous sûr Will demanda Sommes-nous associés Oui, monsieur. Appelez-moi Will. Oui, Will. Quand pensez-vous avoir les cinq mille dollars Mercredi prochain. Top là. Et solennellement, le gros homme et le petit garçon maigre échangèrent une poignée de mains. Will, sans lâcher la main de Cal, lui dit Et maintenant nous sommes associés. Je suis en rapport avec le bureau d'achat britannique, et j'ai un ami à l'intendance nous pourrions vendre les haricots secs que nous trouverons à dix cents la livre, ou plus. Quand pourrez-vous vendre Avant même que les haricots soient semés. Voulez-vous que nous allions à la ferme voir Rantani Oui, monsieur, dit Cal. Will embraya et engagea la Winton dans le chemin chaotique. Chapitre 42 Ce sont toujours les autres qui souffrent de la guerre. Nous, Habitants de Salinas, ne doutions pas de la puissance des États-Unis, la plus grande nation du monde. Chaque Américain était un tireur d'élite, et un Américain valait dix ou vingt ennemis. Après l'expédition de Pershing au Mexique, nous en fûmes moins convaincus. Nous avions cru sincèrement que les Mexicains tiraient de travers et dormaient toute la journée. Lorsque nos troupes d'élite revinrent en traînant la patte, nous apprîmes que tout cela était faux. Les Mexicains savaient tirer. Ah, bon Dieu, oui. Et les cavaliers de Villa avaient jeté nos champions à bas de leur selle. Les deux soirées par mois d'exercice ne les avaient pas assez endurcis. De plus, les Mexicains avaient roulé et joué notre perching. Lorsque la dysenterie s'allia aux Mexicains, ce fut le bouquet. Nos soldats mirent plusieurs années à s'en remettre. Toutefois, nous n'établissions pas de rapport entre les Allemands et les Mexicains. Le mythe fut redoré. Un Américain valait vingt Allemands. Ceci posé, nous n'avions qu'à lever le petit doigt. Et le Kaiser demanderait grâce. Il n'oserait pas attaquer notre commerce. Il l'attaqua. Il n'oserait pas couler nos bateaux. Il osa. C'était ridicule de sa part, mais il le fit. Et nous n'avions plus qu'à entrer dans la lutte. La guerre, au début en tout cas, toucha les autres. Nous, moi, ma famille, mes amis, nous occupions d'excellentes places. Et le combat était très passionnant. La guerre touche toujours les autres. Et ce sont les autres qui se font tuer. Eh bien, Vierge Marie, ce n'était pas vrai non plus. Les horribles télégrammes commencèrent à glisser sous les portes, apportant la douleur et les morts étaient des nôtres. Nous avions beau être à six mille miles de la fureur et du bruit, nous n'étions pas épargnés. Une sale époque Des danseuses habillées de blanc avaient beau faire de leurs cuisses un rempart pour la liberté notre oncle avait beau resservir son discours du 4 juillet pour vendre des bons de la défense nous avions beau, à l'école, brandir des fusils de bois et apprendre le manuel du fantassin de la bouche de notre professeur d'éducation physique. Eh bien Seigneur Jésus Christ, cela n'empêchait pas Martin Hobbs d'être tué et le fils Bergès qui habitait de l'autre côté de la rue d'être réduit en miettes par un obus. Vous savez, ce joli garçon dont notre petite sœur était amoureuse depuis l'âge de trois ans. Les jeunes gens, la valise à la main, défilaient dans Main Street, d'un pas traînant, en direction de la gare du Pacifique Sud. Ils allaient comme des moutons, précédés par la fanfare de Salinas qui jouait la bannière étoilée, et les familles pleuraient, et la musique avait des airs de requiem. Les recrues ne regardaient pas leur mère, elles n'osaient pas. Nous n'aurions jamais cru que la guerre viendrait jusqu'à nous. Dans Salinas, on commença de chuchoter. Des jeunes gens avaient reçu des renseignements d'un soldat. On ne nous disait pas la vérité. On envoyait nos hommes au front, sans armes. Les transports de troupes étaient coulés, et le gouvernement nous le cachait. L'armée allemande était tellement plus forte que la nôtre que nous n'avions aucune chance. Le Kaiser était un gars qui connaissait son affaire. Il s'apprêtait à débarquer en Amérique. Est-ce que Wilson nous tiendrait le même langage Certainement pas. En général, ces gens bien informés étaient ceux qui avaient dit qu'un Américain valait vingt Allemands. Exactement les mêmes. De petits groupes de soldats anglais en uniforme de combat, élégants toutefois, parcouraient le pays et achetaient tout ce qui n'était pas cloué au sol. Et ils payaient cher. La plupart s'étaient mutilés, mais portaient quand même l'uniforme. Entre autres choses, ils achetaient des haricots, car les haricots sont faciles à transporter. Se conservent bien et nourrissent le soldat. Les haricots, très rares, valaient douze cents et demi la livre, et les fermiers regrettaient de les avoir vendus sur pied pour deux cents, six mois avant la montée des prix. La nation entière et la vallée de la Salinas changèrent d'hymne. Au début, nous avions gueulé que nous allions raser Heligoland, prendre le Kaiser et nettoyer le gâchis que ces foutus étrangers avaient fait chez eux. Et puis soudain, nous nous mîmes à chevroter, dans la damnation rouge de la guerre se dresse l'infirmière de la Croix-Rouge. Elle est la rose du Nomensland. Et puis, allô, allô, passez-moi le paradis. Mon papa est là-haut. Et puis, c'est la prière d'un enfant qui s'élève vers les étoiles quand tombe la nuit. Ô oh Dieu, dites à mon papa de prendre soin de lui. Nous étions à peu près comme un petit garçon costaud qui reçoit un coup de poing sur le nez, alors que la bagarre est à peine commencée. Il a mal et il voudrait que ce soit bientôt fini. Chapitre 43 Un jour, à la fin de l'été, Lee entra, son grand panier à provisions sous le bras. Depuis qu'il habitait Salinas, il s'habillait comme un conservateur. Chaque fois qu'il sortait, il revêtait un costume de drap noir. Ses chemises étaient blanches, ses cols hauts et durs, et il nouait autour de son cou de minces rubans noirs, comme les sénateurs sudistes. Il portait un chapeau noir à calotte ronde et s'emplit au milieu comme s'il avait gardé une place pour une natte rabattue sur le sommet de la tête. Il était splendide. Une fois, Adam avait manifesté son admiration. Elie lui avait répondu en souriant. « C'est nécessaire. Il faut être très riche pour s'habiller aussi mal que vous. Les pauvres doivent s'habiller bien. »« Pauvres ?» avait explosé Adam. « Un de ces jours, c'est vous qui nous prêterez de l'argent. »« Cela se pourrait, » avait répondu Elie. « Cet après-midi-là, » En arrivant, il posa son lourd panier sur le sol. Je vais essayer de faire un potage au melon d'hiver, dit-il. C'est de la cuisine chinoise. J'ai un cousin dans le quartier chinois qui m'a donné la recette. Il travaille dans une maison de jeu. Je croyais que vous n'aviez pas de parents, dit Adam. Tous les Chinois sont parents. Et le nom de Li est un lien de plus. Mon cousin est un Soi-dong. Il y a fort peu de temps, il a dû faire une cure de repos. Il en a profité pour apprendre la cuisine. Vous mettez le melon dans une marmite. Vous en coupez délicatement le sommet, vous y introduisez un poulet, des champignons, des noisettes et une pincée de gingembre, puis vous remettez la calotte sur le melon et vous le faites cuire aussi lentement que possible pendant deux jours. Ça doit être bon. Adam était allongé dans son fauteuil, les mains nouées derrière la nuque, et il souriait au plafond. Bien, Ly, bien, dit-il. Adam se redressa et s'assit. On croit connaître ses enfants et on s'aperçoit que c'est faux. Ly sourit. Est-ce qu'un détail de leur vie vous aurait échappé? demanda-t-il. Adam émit un petit rire. Je ne l'ai découvert que par accident, dit-il. J'avais bien remarqué qu'Aaron n'était pas souvent ici, mais je croyais qu'il s'amusait dehors. S'amuser dit Lee. Voilà des années qu'il ne s'amuse plus. Toujours est-il, continua Adam, qu'aujourd'hui j'ai rencontré Mr. Kilkenny. Vous savez, le principal du lycée. Il croyait que j'étais au courant. Savez-vous ce que mon fils prépare Non. Dit Lee. Il a fait tout son programme de l'année prochaine. Il va passer ses examens pour entrer au collège et gagner une année. Kilkenny est persuadé qu'il passera. Qu'en pensez-vous Remarquable, dit Lee. Pourquoi fait-il cela Mais pour gagner une année. Et que va-t-il en faire Mais bon Dieu, Lee, il est ambitieux. Ne comprenez-vous pas cela Non, dit Lee. Je ne l'ai jamais compris. Adam dit Il n'a pas soufflé mot. Je me demande si son frère même le sait. Je crois qu'Aaron veut que ce soit une surprise. N'en parlons pas avant qu'il le mentionne. Vous devez avoir raison, Lee. Je suis fier de lui, terriblement fier. Je suis heureux. Je voudrais que Cal fût aussi ambitieux. Peut-être l'est-il, dit Lee. Peut-être a-t-il un secret. Peut-être. Dieu sait que nous ne l'avons pas vu beaucoup ces derniers temps. Croyez-vous que ce soit bon pour lui de ne jamais être à la maison Cal essaie de se découvrir, dit Lee. Je pense que ce jeu de cache-cache avec soi-même n'a rien d'extraordinaire. Certaines personnes restent soi toute leur vie, désespérément soi. Rendez-vous compte, dit Adam, accomplir le travail de deux ans en une année. Lorsqu'il nous le dira, il faudra que nous lui fassions un cadeau. Une montre en or. Vous avez raison, dit Adam. Je vais en acheter une et la faire graver. Que dois-je faire écrire dedans Le bijoutier vous le dira, dit Lily. Alors vous sortez le poulet au bout de deux jours, vous le désossez et vous le remettez dans le melon. Quel poulet Le potage au melon d'hiver, dit Lee. Avons-nous assez d'argent pour l'envoyer au collège, Lee Si nous faisons attention et s'il ne lui vient pas des goûts de luxe Cela m'étonnerait, dit Adam. Je croyais ne pas les avoir, et pourtant je les ai. Lee examina le tissu de sa veste avec admiration. Le presbytère de l'église épiscopale Saint-Paul était une large bâtisse pleine de couloirs de pièces et de recoins. Elle avait été construite par des ministres du culte pourvus de grandes familles. Mr. Rolfe, célibataire de goût simple, avait condamné la plupart des portes. Mais lorsqu'Aaron voulait étudier, le révérend lui ouvrait une grande pièce et l'aidait dans son travail. Mr. Rolfe aimait beaucoup Aaron. Il aimait la beauté angélique de son visage, ses joues rondes et douces, ses hanches étroites et ses jambes fines. Il aimait s'asseoir dans la pièce où Aaron étudiait et observait sur le visage du jeune homme la tension de l'effort. Il comprenait qu'Aaron ne put pas travailler chez lui dans une atmosphère impropre à la concentration de la pensée. Mr. Rolfe avait l'impression qu'Aaron était sa création, son fils spirituel, son apport à l'Église. En le guidant vers le célibat, il croyait le mener vers un havre de paix. Leurs discussions étaient longues et intimes. Je sais que je suis critiqué, dit un jour Mr. Rolfe. On me taxe de catholique parce que je ne veux pas admettre que la confession soit un sacrement moins important que la communion. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais l'introduire à nouveau, mais avec prudence et par étapes. Je ferai de même lorsque j'aurai une église. Il faut beaucoup de tact. Aaron dit. J'aimerais qu'il y ait dans notre église qu'il y ait Autant le dire, je voudrais qu'il y ait des endroits comme les couvents des Augustins ou des Franciscains, des endroits où se retirer. Parfois, je me sens souillé. Je voudrais quitter le monde et me purifier. « Je sais ce que vous ressentez, dit Mr. Rolfe avec ferveur, mais je ne peux vous suivre. Il est impossible que notre Seigneur accepte que son clergé se retranche du monde. Rappelez-vous combien il a insisté pour que nous prêchions l'Évangile, pour que nous aidions le malade et le déshérité, pour que nous n'hésitions pas à nous souiller si le salut d'une âme est en jeu. Nous devons respecter l'intégrité de son exemple. Une lueur passa dans son regard et sa voix se fit rauque, comme pour le sermon. Peut-être ne devrais-je pas vous le dire, et j'espère que vous ne me taxerez pas d'orgueil, mais je me sens grandi. Depuis cinq semaines, une femme vient assister à tous les services du soir. Je ne crois pas que vous puissiez la voir du cœur. Elle s'assoit toujours à la dernière rangée, du côté gauche. Si vous pouvez la voir. Elle porte un voile, et elle quitte toujours l'église avant que j'aie eu le temps de revenir après la fin du service. Qui est-elle? demanda Aaron. Un jour vous apprendrez ces choses. J'ai fait une enquête très discrète. Vous ne devineriez jamais. C'est. Enfin, elle possède une maison de mauvaise vie. Ici, à Salinas Ici, à Salinas. Mr. Rolfe se pencha vers Aaron. Je vois la répulsion sur votre visage. Il faut passer outre. N'oubliez pas notre Seigneur et Marie-Madeleine. Sans commettre un péché d'orgueil, je puis dire que je serais fier de l'aider à se relever. Que cherche-t-elle ici demanda Aaron. Ce que nous pouvons lui offrir peut-être, le salut. Il faut beaucoup de tact. Je vois déjà la scène. Rappelez-vous ce que je vous dis. Ces gens-là sont timides. Un jour, elle frappera à ma porte et elle me suppliera de la laisser entrer. Alors, Aaron « Je souhaite avoir la patience et la sagesse nécessaires. »« Croyez-moi, lorsque cela se produit, lorsqu'une âme perdue cherche la lumière, c'est la plus haute et la plus merveilleuse expérience que puisse vivre un pasteur. »« Nous sommes sur terre pour cela, Aaron. Nous sommes sur terre pour cela. » Il avait du mal à retrouver sa respiration. « Je prie Dieu de ne pas échouer. » Adam Trask imaginait la guerre à travers les vagues souvenirs de ses campagnes indiennes. Personne ne savait ce qu'était une curie généralisée. Lee se mit à lire l'histoire d'Europe, essayant de discerner dans le passé ce qu'apporterait le futur. Lisa Hamilton mourut avec un petit sourire pincé, et lorsque le sang quitta son visage, ses pommettes parurent terriblement pointues. Adam attendait avec impatience. Karen vint lui annoncer le résultat de ses examens. La montre en or massif reposait sous une pile de mouchoirs. Adam la remontait et en vérifiait l'exactitude en la comparant avec la sienne. Lee avait reçu ses instructions. Le soir du grand jour, il cuirait une dinde et ferait un gâteau. Il faut que ce soit une fête, avait dit Adam. Si nous achetions du champagne. Bonne idée, avait répondu lui. Avez-vous jamais lu Von Clausewitz Qui est-ce Il écrit des choses fort peu rassurantes. Une seule bouteille de champagne Cela suffira. C'est pour porter un toast à Aaron. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'Aaron pût échouer. Un après-midi, Aaron rentra et demanda à Lee. « Où est mon père ?»« En train de se raser. »« Je ne dînerai pas là ce soir, » dit Aaron. Dans la salle de bain, il se planta derrière son père et parla au visage savonné qui se reflétait dans la glace. « Mr. Rolfe m'a invité à dîner au presbytère. » Adam essuya son rasoir sur une feuille de papier hygiénique. « Très bien, » dit-il. « Est-ce que je peux prendre un bain ?»« Je n'en ai plus que pour une minute, » répondit Adam. Lorsqu'Aaron traversa le salon, dit bonsoir à tout le monde et sortit. Cal et Adam le suivirent des yeux. Il s'est encore servi de mon autre colonne, dit Cal. Je la sens d'ici. »« Il s'est mis sur son trente et un, dit Adam. Il a raison de vouloir fêter cela. Il a réussi un tour de force. Quel tour de force Son examen. Il ne te l'a pas dit Il a été reçu. Ah oh, oui, son examen, dit Adam. Si il me l'a dit, il a bien travaillé. Je suis fier de lui. Je crois que je vais lui acheter une montre en or. Cal lança violemment. Il ne te l'a pas dit! Mais si! Mais si, il me l'a dit ce matin! Il ne le savait pas ce matin, dit Cal, et il sortit. Il marcha rapidement dans l'obscurité tombante, traversa Sancho Avenue, dépassa le parc et la boutique de Stonewall Jackson, puis il alla jusqu'au bout de la rue, là où les réverbères s'arrêtaient, et où commençait la route communale qui tournait pour éviter la maison des Tolotes. Vers dix heures, Lee, qui sortait pour mettre une lettre à la poste, trouva Cal assis sur la plus basse marche du perron. Où étais-tu? demanda-t-il. Je suis allé me promener. Que se passe-t-il avec Aaron Je ne sais pas. Il a l'air de nourrir une rancune contre quelque chose. Viens-tu à la poste avec moi Non. Qu'est-ce que tu attends ici Je vais lui casser la gueule. Ne fais pas cela, Dilly. Pourquoi Tu ne pourras pas. Il te tuerait. Tu as peut-être raison, dit Cal. Cet enfant de pute. Surveille ton langage. Cal rit. Je crois que je vais aller avec toi. « As-tu jamais lu Von Clausewitz ?»« Jamais entendu parler. » Lorsqu'Aaron rentra, c'était Lee qui l'attendait sur la première marche du perron. « Je t'ai évité une correction, dit Lee. Assieds-toi. »« Je vais me coucher. Assieds-toi, j'ai à te parler. »« Pourquoi n'as-tu pas dit à ton père que tu avais réussi ton examen ?»« Il n'aurait pas compris. »« Tu t'es conduit comme un petit salaud. »« Je n'aime pas les grossièretés. »« Et pourquoi crois-tu que je les emploie ?»« Je ne suis pas de ces gens qui sont grossiers par accident. » Aaron, ton père ne vivait que dans la tente de ce moment. Comment était-il au courant Tu aurais dû le lui dire toi-même. Cela ne te regarde pas. Tu vas monter et le réveiller s'il est endormi. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tu vas lui annoncer ton succès. Je n'irai pas. Lee demanda doucement. Aaron, t'est-il déjà arrivé d'avoir à combattre quelqu'un deux fois plus petit que toi Où veux-tu en venir C'est une des choses les plus embarrassantes que je connaisse. Ton petit adversaire se lance sur toi et il arrive un moment où tu dois le frapper. C'est le pire, c'est là que commencent vraiment les ennuis. Qu'est-ce que tu racontes Si tu ne fais pas ce que je te demande, Aaron, je vais me battre avec toi. N'est-ce pas ridicule Aaron essaya de passer. Lee se posta devant lui, ses petits poings fermés, mais sa pose était si maladroite qu'il se mit à rire. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je vais essayer. Aaron, mal à l'aise, recula. Lorsqu'enfin il accepta de s'asseoir sur la marche, « L'issoukira. »« Ouf » dit-il. « C'est fait. »« Nous nous sommes épargnés une chose horrible. »« Qu'as-tu, Aaron Dans le temps, tu te confiais toujours à moi. »« Soudain, Aaron s'effondra. »« Je veux partir. C'est une ville ignoble. »« Mais non, elle est comme toutes les autres villes. »« Je ne suis pas d'ici. J'aurais voulu ne jamais y venir. »« Je ne sais pas ce que j'ai, mais je veux partir. » Sa voix chevrotait. Lee posa son bras autour des robustes épaules. Tu grandis, dit-il. C'est peut-être la raison. Sans doute le monde nous soumet-il à une épreuve plus dure à cette époque de la vie. Nous nous refermons sur nous-mêmes et nous nous observons avec horreur. Nous croyons que les étrangers voient l'intérieur de nous-mêmes. La souillure est ineffaçable et la pureté nous paraît hors d'atteinte. Cela passera, Aaron. Attends un peu et cela passera. Je suis sûr que ce n'est pas d'un grand réconfort pour toi, car tu ne le crois pas. Mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. Essaie de comprendre que les choses ne sont pas aussi bonnes ou aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. Si, pourtant je puis t'aider. Va te coucher et demain matin lève-toi tôt et va annoncer ton succès à ton père. Elle est heureux. Ton père est beaucoup plus seul que toi, car il n'a plus d'avenir devant lui. Fais les gestes. C'est un conseil de Sam Hamilton. Fais les gestes, oui. Maintenant, va te coucher. Je vais cuire un gâteau pour le petit déjeuner. Aaron, ton père a déposé un cadeau sous ton oreiller. Chapitre 44 Abra n'apprit à connaître la famille d'Aaron qu'après le départ de celui-ci pour le collège. Ils avaient dressé une clôture pour se protéger. Aaron partit, la séparation tomba et Abra s'attacha aux autres Tresk. Elle s'aperçut qu'elle avait plus confiance en Adam et aimait plus Lee que son propre père. À l'égard de Cal, elle était indécise. Il éveillait chez elle la colère et une certaine curiosité. Il semblait toujours prêt à lutter contre elle. Ignorant si Cal l'aimait ou non, elle ne l'aimait pas. Elle était soulagée lorsque, en arrivant à la maison des Trask, Cal n'était pas là pour la regarder du coin de l'œil, la juger, la considérer et détourner le regard lorsqu'elle le surprenait. Abra était une femme solide directe, développée, prête pour la cérémonie du mariage. Mais elle attendait. Elle prit l'habitude d'aller chez les Trask en sortant de l'école, de s'asseoir dans la cuisine et de lire à Ali des paragraphes de la lettre quotidienne d'Aaron. Aaron, Aaron s'ennuyait à Stanford. Ses lettres étaient imprégnées du besoin de revoir son ami. Il avait perdu le petit ton détaché qu'il employait à Salinas. Livré à lui-même, à 90 miles d'Abra, il se prenait à l'aimer passionnément. Il étudiait. Mangeait, dormait, écrivait à Ebra et se fermait à tout ce qui n'était pas son amour. Lorsque Ebra arrivait chez les Trask, en fin d'après-midi, elle aidait Lee à éplucher les haricots ou à écosser les petits pois. Parfois, elle faisait des fondants et très souvent, elle préférait rester dîner que rentrer chez elle. Il n'y avait pas de sujet qu'elle ne pût aborder avec Lee. Les rares choses dont elle pouvait parler avec son père ou sa mère lui paraissaient insipides, sans intérêt et sans consistance. Avec Lee, c'était différent. Ebra ne voulait lui dire que des choses vraies, même quand elle n'était pas tout à fait sûre qu'elles le fussent. Lee, assis, souriait, et ses petites mains agiles semblaient voltiger, accomplissant leur travail comme si elles avaient été animées d'une vie personnelle. Ebra ne se rendait pas compte qu'elle parlait exclusivement d'elle-même. Alors parfois, pendant qu'elle parlait, l'esprit de Lee vagabondait, quittait la pièce, revenait comme un chien errant. Et Li hochait la tête et acquiesçait d'un murmure. Il aimait Ebra, car il sentait en elle la force, la droiture et la chaleur. Les muscles de son visage, audacieusement marqués, promettaient une grande beauté ou, qui sait, peut-être une grande laideur. Li, tout en l'écoutant parler, pensait au visage rond et doux des Cantonais. Li aurait dû préférer cette sorte de beauté, puisque l'on préfère en général ce qui vous ressemble. Mais il n'en était rien. Lorsqu'il pensait aux Chinois, Seules les faces des rapaces manchoux se présentaient à son esprit. Face arrogante et sans pitié d'un peuple à l'autorité héritée. Peut-être a-t-il toujours été ainsi, dit un jour Abra. Je ne sais pas. Il n'a jamais beaucoup parlé de son père. C'est seulement après que Mr. Trask a eu des ennuis avec les les laitues qu'Aaron s'est mis en colère. Pourquoi demanda Lee. Les gens se moquaient de lui. Lee reprit le fil de la conversation. Il se moquait d'Aaron Et pourquoi de lui Il n'y était pour rien. C'est ce qu'il croyait. Voulez-vous savoir ce que je pense Évidemment, dit Lee. J'ai trouvé une solution, mais elle n'est pas encore très claire. Je crois qu'il s'est toujours senti, mettons, infirme, seulement ébauché, car il n'avait pas de mère. Lee ouvrit les yeux tout grands, puis les referma. Je vois, dit-il. Pensez-vous qu'il en soit ainsi pour Cal Non. Pourquoi, Alan, alors Je ne l'ai pas encore trouvé. Peut-être que certains êtres ont des besoins plus grands. Peut-être haïssent-ils plus fort. Mon père a horreur des navets depuis toujours. On ne sait pas pourquoi. Les navets le rendent furieux, vraiment furieux. Un jour, ma mère, poussée par je ne sais quelle idée, fit une purée de navets qu'elle gratina au four. Mon père en mangea toute une assiette avant de demander ce que c'était. Ma mère lui répondit que c'était des navets. Alors il jeta son assiette par terre. Il se leva et sortit. Je crois qu'il ne lui a jamais pardonné. Li Gloussa. Il peut lui pardonner, puisqu'elle a répondu que c'était des navets. Mais supposez, moi, qu'à la question de votre père, votre mère ait répondu autre chose, qu'il ait trouvé cela excellent et qu'il en ait mangé une seconde assiette. Supposez qu'ensuite il ait découvert la vérité. Peut-être l'aurait-il tué. On ne sait jamais. En tout cas, je pense qu'Ayron avait plus besoin d'une mère que Cal. Il a toujours blâmé son père. Pourquoi Je ne sais pas. C'est tout ce que je suis arrivé à comprendre. Vous comprenez beaucoup de choses. Est-ce mal Mais pas du tout. Voulez-vous que je fasse des fondants Pas aujourd'hui, nous en avons encore. Que puis-je faire Vous pouvez préparer les croquettes. Dînerez-vous avec nous Je vais à un anniversaire. Merci. Croyez-vous qu'il deviendra pasteur Comment le saurais-je dit Lee. C'est peut-être une idée qui lui passera. J'espère qu'il ne sera pas pasteur, dit Abra. Et elle referma la bouche très rapidement, tout étonnée d'avoir parlé. Lee se leva. Prit sa planche à pâtisserie et un tamis. Servez-vous de l'envers du couteau, dit-il en posant la viande lâchée sur la planche. Je sais. Elle espérait qu'il ne l'avait pas entendue. Mais Lee demanda Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il devienne pasteur Je ne devrais pas le dire. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, sans avoir à fournir d'explications. Lee retourna s'asseoir. Ebra tamisa de la farine au-dessus de la viande, puis mélangea le tout avec un grand couteau. Tac-tac-tac-tac. Je ne devrais pas parler comme cela. Tac, 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 tac. Li tourna la tête pour mettre la jeune fille à l'aise. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure, dit-elle tout en continuant. S'il entre en religion, il choisira l'ordre le plus ascétique. Il m'a dit une fois que les pasteurs ne devraient pas se marier. Il n'avait pas l'air de dire cela dans sa dernière lettre, fit observer Lee. Je sais, mais c'était avant. Le couteau s'immobilisa. Sur le jeune visage, un étonnement douloureux se faisait jour. Li, je ne suis pas assez bonne pour lui. Allons donc. Qu'est-ce que c'est que cette idée Je ne plaisante pas. Lorsqu'il pense à moi, ce n'est pas Ebra qu'il se représente. C'est quelqu'un d'autre qui l'a créé et à qui je sers d'enveloppe. Je ne ressemble pas à celle qu'il a fabriquée. Comment est-elle Pure, répondit Ebra. Toute pureté. Il n'y a rien de mal en elle. Je ne suis pas comme cela. Personne n'est ainsi, dit Il ne me connaît pas. Il ne veut pas me connaître. Ce qu'il aime, c'est ce fantôme blanc. Lee sortit du four une plaque de gâteau sec. Ne l'aimez-vous pas Je sais que vous êtes jeune, mais l'âge n'y fait rien. Évidemment, puisque je vais être sa femme. Mais je voudrais bien qu'il m'aime. Et comment le pourrait-il s'il ne me connaît pas J'ai cru qu'il savait qui j'étais, mais maintenant je sais que je me suis trompé. Peut-être traverse-t-il une période difficile. Vous êtes intelligente. Ne pouvez-vous essayer de ressembler au fantôme blanc J'ai toujours peur de me trahir. Il peut m'arriver de me mettre en colère ou de sentir mauvais, ou je ne sais quoi d'autre. Il s'en rendra compte. Ce n'est pas certain, dit Lee. Ce doit être difficile d'être à la fois un fantôme éthéré et un humain de chair et d'os. On ne peut pas empêcher les humains de sentir mauvais. Elle fit un mouvement vers la table. Lee, je voudrais... Ne faites pas tomber de farine sur mon carrelage, dit il. Que voudriez-vous C'est une autre idée qui m'est venue. Je crois qu'Aaron, ne connaissant pas sa mère, s'est imaginé qu'elle possédait toutes les qualités qu'il souhaitait trouver chez une femme. Cela se peut. Et vous croyez qu'il vous a affublé de ce vêtement trop beau pour vous Elle fixa les yeux sur lui et ses doigts glissèrent délicatement sur la lame du couteau. Vous voudriez vous débarrasser de ce vêtement encombrant, dit Lee. Oui. Et s'il ne vous aime plus Je préfère courir le risque, dit elle, et rester moi-même. Lee dit. Je ne connais personne qui soit mêlé autant que moi aux affaires des autres. Or, je ne suis pas un homme à donner des conseils définitifs. Préparez-vous les croquettes, oui ou non Elle se remit au travail. Croyez-vous que ce soit drôle d'aborder des questions de ce genre alors que je suis encore à l'école Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, dit Lee. Le rire viendra plus tard, comme les dents de sagesse. Et lorsque vous aurez appris à rire de vous-même, trop tard peut-être, vous serez lancé dans une course effrénée contre la mort. Les coups qu'Abra asséné sur la planche devinrent de plus en plus violents et désordonnés. Lee posa sur la table cinq haricots blancs et les aligna du bout du doigt. Puis il dessina un angle et enfin un rond. Les coups s'arrêtèrent. « Mrs. Trask, est-elle vivante ?» L'index de Lee resta un instant suspendu, qui poussa un haricot et le haut dessiné devint un cul. Il savait qu'Abra le regardait. Il pouvait même deviner qu'elle était affolée par la question qu'elle venait de poser. Il chercha la réponse comme un rat qui cherche l'issue d'une nasse. Il soupira et renonça. Il se tourna lentement vers elle, la regarda et vit qu'il avait deviné. Il dit d'une voix sans timbre :« Nous avons beaucoup parlé, mais je ne me rappelle pas que nous ayons jamais discuté de moi. » Il eut un sourire timide. « Eh ben, laissez-moi vous parler de moi. Je suis un domestique. Je suis vieux. Je suis chinois. Cela vous le savez. Mais je suis fatigué et lâche. » Vous n'êtes pas, commença t-elle. Silence, dit-il. Je suis très, très lâche, au point de ne pas vouloir influer sur un destin. Comment cela? moi, votre père déteste t-il autre chose que les navets? Elle resta sur ses positions. Je vous ai posé une question. Je n'ai pas entendu de question, dit-il doucement, et sa voix prit un ton de confidence. Vous ne m'avez pas posé de question, Ebra. Vous devez croire que je suis trop jeune, commença Hébra. « Mais l'île la coupa. J'ai travaillé chez une femme de 35 ans, qui était laide et stupide. Si elle avait eu 6 ans, elle aurait fait le désespoir de ses parents. Mais à 35 ans, elle avait le droit de disposer d'une fortune et des vies humaines qui l'entouraient. Non, Ebra, l'âge n'a rien à voir. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est à vous que je le dirais. La jeune fille lui sourit. Je vais être maligne, dit-elle. Voulez-vous que j'essaie de l'être? Pour l'amour du ciel, non. Alors vous ne voulez pas que j'essaie de comprendre? Faites ce que vous voudrez, mais je ne veux pas y être mêlé. L'homme, aussi bon soit-il, faible et négatif malgré tout, supporte le poids de toutes ses fautes. Mon petit enfer personnel est assez peuplé. Ce ne sont peut-être pas des péchés de grande valeur, comparés à certains, mais ils me suffisent largement. Excusez-moi. Ebra tendit la main et toucha celle de Lee. La peau jaune était tendue et lisse. Lee pencha la tête sur la marque blanche que la farine avait laissée. Ebra dit Mon père aurait voulu un garçon. Je crois qu'il a horreur des navets et des filles. Il raconte à tout le monde qu'il m'a donné un nom ridicule. Lee lui sourit. Vous êtes charmante. Si vous venez dîner demain, je vous achèterai des navets. Abra demanda doucement Est-elle vivante Oui, répondit Lee. La porte d'entrée claqua et Cal entra dans la cuisine. Bonjour, Abra. Mon père est-il là Pas encore, répondit Lee. Pourquoi as-tu l'air si joyeux Cal lui tendit un chèque. Tiens, c'est pour toi regarda le chiffre. — Je ne t'ai pas demandé d'intérêt, dit-il. — Cela vaut mieux. Il se veut que j'en ai besoin une autre fois. Tu ne veux pas me dire comment tu te l'es procuré ?— Non, pas encore. J'ai une bonne idée. Ses yeux se tournèrent vers Ebra. Il faut que je rentre, dit-elle. Cal dit. — Autant la prévenir. J'ai décidé de faire ça pour le Thanksgiving, et Ebra sera probablement là ainsi qu'Aaron. — Faire quoi demanda-t-elle. — Demanda Un cadeau à mon père. Qu -ce que — Qu'est-ce que c'est demanda Abra. Je ne peux pas le dire. Tu le verras ce jour-là. Lee est-il au courant Oui, mais il ne te le dira pas. Je ne crois pas t'avoir jamais vu aussi gay, dit Abra. Je crois même ne t'avoir jamais vu gay du tout. Cal l'attirait. Un élan la poussait vers lui. Après le départ d'Aybra, Cal s'assit. Je ne sais pas si je dois lui donner avant le dîner ou après. Après, dit Lee. Tu as vraiment l'argent Quinze mille dollars. Honnêtement Tu veux savoir si je les ai volés oui. Alors, c'est honnêtement, dit Cal. Tu te rappelles comment nous avons pris le champagne avec Aaron Eh bien, nous, nous le boirons. Et peut-être même nous pourrons décorer le salon. Abra nous aidera. Crois-tu vraiment que ton père veuille de l'argent Et pourquoi non J'espère que tu ne te trompes pas, Dilly. Comment as-tu travaillé en classe Pas très fort. Je me rattraperai après, dit Cal. Le lendemain, à la sortie de la classe, Abra courut derrière Cal et le rattrapa. Bonjour, Ebra, dit-il. Tes fondants étaient très bons. Les derniers étaient secs, ils auraient dû être crémeux. Lee ne jure que par toi. Que lui as-tu fait J'aime bien Lee, dit-elle. Puis, j'ai quelque chose à te demander, Cal. Oui Tu connais bien Aaron, toi Pourquoi On dirait qu'il ne pense qu'à lui-même. Ce n'est pas nouveau. T'es-tu disputé avec lui Non. Quand il m'a parlé d'église et de célibat, j'ai essayé de lutter contre lui. Mais il n'a pas accepté le combat. Il ne voulait plus se marier avec toi C'est inimaginable. Maintenant, il m'écrit des lettres d'amour, mais ce n'est pas à moi qu'elles sont adressées. À qui alors On dirait. à lui-même. Cal dit J'ai découvert la cachette sous le saule. Elle ne sembla pas surprise. C'est vrai Est-ce que tu en veux, Aaron Non, je ne peux pas l'atteindre. Je ne le connais pas. Prends patience, dit Cal il se cherche. Je me demande s'il se trouvera. Crois-tu que je me sois trompé depuis le début Comment veux-tu que je le sache "Cal", demanda-t-elle. "Est-ce vrai que tu te promènes la nuit et que tu vas dans des mauvais endroits "Oui", répondit-il. "C'est vrai." "Est-ce Aaron qui te l'a dit "Non, ce n'est pas Aaron. Pourquoi y vas-tu Il continua de marcher à côté d'elle et ne répondit pas. "Dis-le-moi. Qu'est-ce que cela peut te faire Est-ce parce que tu es mauvais Tu crois ça moi non plus, je ne suis pas bonne, dit-elle. Tu es folle, dit Cal. Aaron t'enlèvera cette idée de la tête. Crois-tu qu'il y arrivera Évidemment, dit Cal. Il faudra bien. Chapitre 45 Joe Valéry ouvrait l'œil et l'oreille, et comme il le disait lui-même, ne se mêlait que de ceux qui le regardaient. Il avait conçu ses haines petit à petit, d'abord pour une mère négligente, puis pour un père pleurnichard qui le fouettait. Ces embryons de haine s'étaient développés grâce au professeur qui avait puni Joe, aux policiers qui avaient pourchassé Joe, aux prêtres qui avaient sermonné Joe. Bien avant qu'un premier magistrat se fût penché sur lui, Joe possédait déjà un assortiment complet de haine envers son monde. Mais la haine ne peut vivre seule. Elle doit marcher de pair avec l'amour, comme ressort, aiguillon ou stimulant. Joe aima bien vite Joe. Il réconforta, flatta et chérit Joe. Il bâtit des murs pour protéger Joe du monde hostile. Et graduellement, Joe devint tabou. Si Joe avait des ennuis, c'est parce que le monde en voulait à Joe. Mais si Joe attaquait le monde, c'était une revanche. Et le monde le méritait bien. Ramassis de salauds. Joe caressait Joe. Il établit le code suivant 1. Ne crois personne. On t'en veut. 2. Boucle-la. Mêle-toi de ce qui te regarde. 3. Ouvre les oreilles, si tu entends quelque chose, mets-le de côté, ça pourra resservir. 4. Tous les gens sont des vaches, et quoi que tu leur fasses, c'est bien fait. 5. Attaque tous les problèmes par la bande. 6. Ne confie jamais rien à une femme. 7. Ne crois qu'en une chose, l'argent. Tout le monde en veut, tout le monde se vend. Il y avait d'autres règles, mais ce n'était que des raffinements. Son système était bon. Et comme s'il n'en connaissait pas d'autres, Joe ne pouvait pas le comparer. Il savait qu'il faut être à la coule et il se considérait comme un gars à la coule. S'il réussissait un coup, il était un petit malin. S'il ratait son coup, il était une victime. Joe se défendait tant bien que mal et vivait avec un minimum d'efforts. Kate le gardait à son service car elle le savait capable de n'importe quoi, par cupidité ou par peur. Elle ne se faisait pas d'illusions sur lui. Les Joe sont nécessaires dans le travail. Lorsqu'il entra chez Kate, Joe y chercha les faiblesses dont il vivait. Vanité, concupiscence, angoisse, remords, hystérie. Il les découvrirait puisque Kate était une femme. Il fut ébranlé lorsqu'il comprit que si Kate avait des points faibles, ils étaient indécelables. Cette femme pensait et agissait comme un homme, plus dur, plus rapide et plus intelligente. Joe commit quelques erreurs et Kate lui frotta le nez dedans. Il l'admira. Et la craignit. Puisque certaines choses n'échappaient pas à Kate, rien ne lui échapperait. Elle fit de Joe un esclave, Joe le dompteur de femmes. Kate le nourrit, l'habilla, lui donna des ordres et le châtia. Lorsque Joe reconnut qu'elle était plus forte que lui, il ne lui restait plus qu'un pas à franchir pour penser qu'elle était plus forte que n'importe qui. Elle avait deux dons qu'il jugeait nécessaires. Elle était à la coule et elle avait de la chance. Que demander de plus Il était heureux de faire pour elle tous les sales boulots car il avait peur. Kate ne se trompe jamais, disait Joe, et ce n'est pas la peine de jouer au plus fin avec elle. C'était devenu chez lui une seconde nature. Lorsqu'il monta l'histoire des tels, il ne se posa pas la question. Kate avait demandé, Joe avait obéi. Lorsqu'elle avait une crise d'arthrite, Kate ne pouvait pas dormir. Elle sentait ses articulations se gonfler et se nouer, et elle se forçait à penser à autre chose, même désagréable, pour oublier le mal qui recroquevillait ses doigts. Elle essayait de se rappeler tous les détails d'une pièce où elle n'était pas allée depuis longtemps, ou encore, elle fixait le plafond et y inscrivait des colonnes de chiffres qu'elle additionnait. Parfois, elle évoquait des souvenirs. Le visage de Mr. Edwards, ses vêtements, le mot gravé sur la barrette de ses bretelles. Elle ne l'avait jamais remarqué, mais pourtant, elle savait que la marque était Excelsior. Très souvent, la nuit, elle pensait à Fay et se rappelait ses yeux, ses cheveux, le timbre de sa voix le voletement de ses mains et un petit bourrelet de chair au pouce gauche, cicatrice d'une blessure ancienne. Kate se demandait ce qu'elle avait éprouvé pour Fay. Mépris, affection, pitié, éprouvait-elle des remords de l'avoir tué Kate mesurait chacune de ses pensées comme un ver arpenteur. Elle s'apercevait qu'elle n'avait rien ressenti à l'égard de Fay. Dans son souvenir, elle ne l'avait jamais aimé ou haï. Il y avait eu une époque, pendant l'agonie, où le bruit et l'odeur qui émanaient de la vieille femme éveillaient chez Kate une fureur meurtrière. La tuer tout de suite pour en être débarrassée. Kate se rappelait la dernière fois où elle avait vu Faye, allongée dans son cercueil capitonné de velours violet, habillée de blanc, la bouche souriant d'un sourire façon croque-mort, et le visage maquillé pour masquer sa pâleur. Une voix derrière Kate avait dit Voilà des années qu'elle n'avait pas paru aussi belle. Et une autre voix avait répondu Peut-être que c'est ce qu'il me faudrait. Et il y avait eu un double reniflement. La première voix devait appartenir à Ethel et la seconde à Triade. Kate se rappelait sa réaction. Quoi avait-elle pensé. Une putain morte n'est plus qu'une femme morte. Oui, la première voix devait être celle d'Ethel. Ethel jouait un grand rôle dans les divagations nocturnes de Kate. Elle apportait toujours avec elle un vent de peur. Cette vieille pute maladroite, idiote, cette vieille peau. Très souvent, une voix s'élevait qui disait à Kate ⁇ Pas si vite Pourquoi la traites-tu de vieille pute Est-ce parce que tu as commis une erreur Pourquoi l'as-tu fait chasser Si tu avais réfléchi et si tu l'avais gardée ici ?⁇ Kate se demandait où était Ethel Pourquoi ne pas louer les services d'une agence pour la retrouver Ou, tout au moins, pour savoir quelle direction elle avait prise Oui, mais alors, Ethel sortirait son histoire et montrerait les flacons, et il y aurait alors deux maîtres chanteurs au lieu d'un. « Quelle importance, puisque chaque fois qu'Ethel buvait un verre de bière, elle racontait sa vie à n'importe qui. »« Évidemment. »« Mais on croirait que ce n'était qu'une vieille tapineuse. Est-ce qu'un détective privé ?»« Non, pas de détective. » Kate passait de nombreuses heures en compagnie d'Ethel. Le juge s'était-il rendu compte que c'était un coup monté, cousu de fil blanc ?« Cent dollars formait un compte trop rond. »« Et le shérif ?»« D'après Joe, on avait conduit Ethel dans la province de Santa Cruz. » avait-elle dit quelque chose à l'adjoint qui l'avait accompagnée? Et telle n'était qu'une vieille bourrique paresseuse. Peut-être était-elle restée à Watsonville. Beaucoup d'ouvriers entraient et sortaient de la ville, des Mexicains, des Hindous. Cet imbécile d'ételle avait peut-être cru qu'elle pourrait faire assez de passe avec les ouvriers du chemin de fer. Ne serait-ce pas drôle qu'elle n'ait jamais quitté Watsonville, à trente miles de là? Elle pouvait traverser la frontière et aller voir ses amis. Et si elle en avait envie, peut-être venait-elle à Salinas quelquefois. Peut-être était-elle à Salinas en ce moment Les flics avaient autre chose à faire que de s'occuper d'Ethel. Ce serait peut-être une bonne idée d'envoyer Joe à Watsonville. Ethel était peut-être allée jusqu'à Santa Cruz. Joe pourrait aller y jeter un coup d'œil. Cela ne prendrait pas longtemps. En quelques heures, Joe découvrirait la putain la mieux cachée, dans n'importe quelle ville. S'il la trouvait, il pourrait la faire revenir. Ethel était une imbécile. Mais peut-être que lorsqu'il l'aurait retrouvée, vaudrait-il mieux que Kate allât la voir. Fermer la maison, mettre une pancarte, fermer. Elle pourrait aller à Watsonville, régler l'affaire et revenir. Pas de taxi, un autocar. On ne remarque personne dans les autocars de nuit. Les voyageurs dorment après avoir enlevé leurs chaussures et roulé leurs manteaux en oreiller derrière leur tête. Soudain, elle se rendit compte qu'elle aurait peur d'aller à Watsonville. Il faudrait pourtant qu'elle s'y décidât pour mettre fin à toutes ces questions. Il était étrange qu'elle n'eût pas pensé à Joe plus tôt. C'était parfait! Joe était habile pour certains travaux, et cet imbécile se croyait intelligent. Il était donc facile à manier, et elle était bête, c'est ce qui rendait les choses plus difficiles. Les mains et le cerveau de Kate se déformaient. Elle se reposa de plus en plus sur Joe Valéry, bras droit, intermédiaire, bourreau. Elle se méfiait de ses pensionnaires, non qu'elles fussent plus retorses que Joe, mais leur hystérie à fleur de peau pouvait en un instant lézarder leur prudence, saper leur instinct de conservation, et jeter à bas l'édifice commun. Kate avait toujours su minimiser ce danger permanent, mais la lente pétrification de ses articulations et sa peur grandissante l'obligeaient à se reposer sur quelqu'un. Joe, en l'occurrence. Elle savait que les hommes ont des nerfs plus solides que ceux des femmes qu'elle employait. Elle pouvait faire confiance à Joe, car elle avait dans ses dossiers un rapport sur un certain Joseph Venuta qui s'était évadé de Saint-Quentin au bout de la quatrième année d'une condamnation de cinq ans pour attaque à main armée. Kate n'en avait jamais parlé à Joe Valéry mais elle pensait que cela pourrait le calmer s'il lui prenait envie de ruer dans les brancards. Tous les matins, Joe apportait le petit déjeuner, thé de chine vert, crème et toast. Après avoir posé le plateau sur la table de chevet, il faisait son rapport et prenait ses ordres pour la journée. Il savait qu'elle dépendait de lui chaque jour un peu plus. Très lentement, prudemment, il cherchait de quelle façon mettre la main sur l'affaire. Si elle tombait suffisamment malade, il y aurait peut-être une occasion à saisir. Mais Joe avait peur de Kate. Bonjour, dit-il. Je ne peux pas m'asseoir, Joe. Serre-moi une tasse de thé, je ne peux pas la tenir. Mal aux mains Oui, j'irai mieux tout à l'heure. On dirait que vous avez passé une mauvaise nuit. Non, dit Kate, très bonne. J'ai un nouveau médicament. Joe porta la tasse aux lèvres de Kate. Elle but par petites gorgées, soufflant sur le liquide pour le refroidir. Assez, dit-elle, lorsqu'elle eut bu la moitié de la tasse. Que s'est-il passé hier soir J'ai failli venir vous réveiller, dit Joe. Un Michet a débarqué de King City. Il venait de vendre un terrain. Il a arrosé toute la maison. Il a lâché 700 dollars, sans compter ce qu'il a donné aux filles. Comment s'appelait-il Je ne sais pas, mais j'espère qu'il reviendra. Il faut toujours prendre le nom, de Joe. Je te l'ai déjà dit. Il était bourré. Raison de plus. Il n'a pas été entolé Je ne sais pas. Je veux le savoir. Joe trouva qu'elle avait du génie et se sentit bien. Je le saurai, assura-t-il. Je sais comment m'y prendre. Elle l'examina du regard, le scruta et le soupesa. Il comprit qu'il allait se passer quelque chose. « Tu te plais ici » demanda-t-elle doucement. « Je pense bien, je me plais beaucoup. Tu pourrais te faire une place bien meilleure, ou pire. « Je me plais bien ici, » répéta-t-il, mal à l'aise, cherchant quelle faute il avait pu commettre. « Je suis vraiment bien ici. » Elle sumecta les lèvres du bout de sa petite langue pointue. « Nous pourrions travailler ensemble ?» Comme vous voudrez, dit-il avec un sourire engageant. Et une bouffée de plaisir l'envahit. Il attendit patiemment. Elle mit longtemps à se décider. Joe, je n'aime pas être volé. Je ne vous ai rien pris. Je ne t'ai pas accusé. Qui alors J'y arrive, Joe. Te rappelles-tu de cette vieille mochetée dont nous avons dû nous débarrasser Vous voulez dire est-elle Je ne sais pas comment Oui. Elle est partie en emportant quelque chose. Je m'en suis rendu compte trop tard. Quoi La voix de Kate coupa. Ça ne te regarde pas, Joe. Tu n'es pas bête. Si je te demandais de la retrouver, où irais-tu la chercher Joe fit travailler sa matière grise avec rapidité, sans faire appel au raisonnement, mais plutôt à l'expérience et à l'instinct. Elle était assez abattue. Elle n'a pas dû aller bien loin. Les vieilles tapineuses, ça ne va pas loin. Bien raisonné. Crois-tu qu'elle soit à Watsonville Peut-être. Ou bien à Santa Cruz. De toute façon, je parierais qu'elle n'est pas allée plus loin que San José. Elle caressa tendrement ses doigts. Veux-tu gagner 500 dollars, Joe Vous voulez que je la retrouve Oui, mais c'est tout. Lorsque tu sauras où elle est, il ne faut pas qu'elle ait des soupçons. Apporte-moi son adresse, compris Je veux simplement savoir où elle est. D'accord, dit Joe. Elle a dû vous en emporter pour un paquet. Ça ne te regarde pas. Bien, madame, dit-il. Voulez-vous que je parte tout de suite Oui, fais vite, Joe. Ce sera peut-être difficile, il est passé du temps. Débrouille-toi. Je pars pour Watsonville tout à l'heure. Très bien, Joe. Elle resta pensive. Elle savait qu'elle avait encore quelque chose à dire, mais elle se demandait si elle devait continuer. Elle se décida. Joe, est-ce que ce jour-là, après le jugement, a-t-elle dit quelque chose Non, elle a dit que c'était un coup monté. C'est ce qu'ils disent tous. Alors il se rappela ce qu'il n'avait pas remarqué sur le moment. Il entendit la voix d'Ethel. Monsieur le juge, il faut que je vous voie seul. J'ai quelque chose à vous dire. Il essaya de garder un visage impassible pour ne pas avoir à répéter la phrase. Kate dit. Qu'est-ce que c'était? Il n'avait pas su le cacher. Il chercha une réponse. Il y a quelque chose, dit-il, pour gagner du temps. J'essaie de me souvenir. Souviens-toi! Sa voix était aiguë, anxieuse. Eh bien! Il avait trouvé. Je l'ai entendu dire aux flics Attendez, elle leur a demandé pourquoi elle ne pouvait pas aller dans le sud. Elle a dit qu'elle avait des parents à San Luis Obispo. Kay se pencha vers lui. Oui. Et les flics lui ont répondu que c'était trop loin. Tu as bonne mémoire, Joe. Où vas-tu aller d'abord Watsonville, répondit-il. J'ai un ami à San Luis. Je lui donnerai un coup de fil, il cherchera pour moi. Joe, dit-elle sèchement, je ne veux pas que ça s'ébruite. Pour cinq cents dollars, ce sera fait vite et bien. Il se sentait content de lui, bien que Kate l'examina à nouveau, les yeux à demi fermés. Lorsqu'il entendit sa phrase suivante, il eut l'impression que son estomac se décrochait. Au fait, Joe, est-ce que le nom de Venuta te dit quelque chose Il essaya de répondre avant que sa gorge fût trop serrée. Absolument rien. Reviens aussitôt que tu pourras. Dis à Hélène de monter, elle te remplacera. Joe fit sa valise, alla à la gare et prit un billet pour Watsonville. À Castroville, première station vers le nord, il descendit du train et attendit pendant quatre heures l'express de San Francisco, le Del Monte, qui s'arrête à Monterrey. Là, il prit une chambre à l'hôtel central sous le nom de John Vicker, redescendit, mangea un steak chez Pop Ernst, acheta une bouteille de whisky et remonta dans sa chambre. Il enleva ses chaussures, sa veste, son gilet, son col et sa cravate et s'allongea sur son lit à barreaux de cuivre, le whisky et un verre à portée de la main sur la table de nuit. La lumière de l'applique au-dessus de sa tête ne le gênait pas. Il ne l'avait pas remarqué. Avec méthode, il but d'abord un demi-verre de whisky pour se dégourdir le cerveau. Puis il noia les mains derrière la tête, croisa les jambes, et se mit à comparer des idées, des impressions et des suppositions. Il avait bien joué, et Kate n'avait rien vu. Mais bon Dieu, comment savait-elle qu'il s'était évadé il eut envie de partir pour Reno, ou peut-être pour Seattle. Un port, c'est plus sûr. On a l'eau devant soi. Mais tout de même, pas si vite. Réfléchir d'abord. Ethel n'avait rien volé. Elle savait quelque chose. Kate avait peur d'Ethel. 500 dollars représentaient beaucoup d'oseille pour aller rechercher une vieille pute. Premièrement, ce qu'Ethel voulait dire au juge était vrai. Deuxièmement, Kate en avait peur. Voilà ce dont il fallait se servir. Merde et le casier, Joe, ne tenait pas du tout à retourner à Saint-Quentin, pour faire son année plus le rab. Ça ne gâtait rien d'y penser. Supposons qu'il y ait à parier quatre ans contre, disons, dix mille dollars. L'enjeu en valait-il la peine? Question inutile. Kate savait depuis longtemps et elle ne l'avait pas dénoncé. Peut-être que, dans le fond, Kate avait confiance en Joe. Peut-être qu'elle représentait une quinte flush. Maintenant une seconde. Réfléchissons. C'était peut-être la grande chance. Que devait-il faire avec son jeu Kate avait de la ressource. Joe se demanda s'il était de taille à jouer contre elle. Devait-il suivre ou relancer Il s'assit et remplit son verre. Il éteignit sa lampe de chevet et releva son store. Tout en buvant son whisky, il observa, dans une chambre de l'autre côté de la rue, une petite femme maigre en peignoir de bain, qui lavait ses bas dans une cuvette. Joe sentait l'alcool battre à ses tempes. C'était peut-être la chance. Dieu sait que Joe l'attendait depuis longtemps. Dieu sait combien il haïssait cette putain aux petites dents pointues. Mais prudence. Il ouvrit sa fenêtre sans faire de bruit, prit un porte-plume sur sa table et l'envoya dans les vitres de la fenêtre d'en face. Cela l'amusa de voir l'air affolé de la femme maigre qui, lorsqu'elle eut compris, tira son store d'un coup sec. Au bout du troisième verre, la bouteille était vide. Joe eut envie de descendre dans la rue et d'aller visiter la ville mais il obéit à la règle qu'il s'était fixée, ne jamais quitter sa chambre quand on a bu. De cette façon, on ne risque pas d'ennui, car les ennuis signifiaient les flics, les flics signifiaient un contrôle des papiers, et cela signifiait, raide comme une balle, un petit voyage à Saint-Quentin. Et cette fois, on ne l'enverrait pas travailler sur les routes pour le récompenser de sa bonne conduite. Il abandonna l'idée d'aller faire un tour. Joe avait une autre joie qu'il gardait pour les moments de solitude, mais il ne savait pas que c'était une joie. Sa chambre d'hôtel était un lieu propice. Allongé sur son lit, il se remémora son enfance malheureuse et son adolescence tourmentée. Pas de chance. L'occasion ne s'était jamais présentée. Ce sont les seigneurs qui ont de la chance. Évidemment, il y avait des broutilles pour lesquelles il n'avait pas été pincé. Mais, et la valise de couteau de poche Les flics allèrent droit chez lui et l'embarquèrent. À partir de ce moment-là, il eut un casier et la police l'eut à l'œil. « Adel C City. Dès qu'un type volait un carton de framboise dans un camion, c'était Joe qui écopait. Et à l'école, ça avait continué. Les professeurs étaient contre lui. Le principal était contre lui. C'était trop. Joe, l'indésirable, s'était échappé. À force de ressasser tous ses souvenirs d'illusions déçues, une tristesse tiède l'envahit. Et lorsqu'il eut projeté tout le film de sa mauvaise chance, des larmes lui montèrent aux yeux. Ses lèvres frémirent et il pleura sur l'enfant perdu qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. Regardez-le un raté, un portier de bordel. D'autres hommes avaient eu des maisons et des voitures. Ils étaient en sûreté chez eux, heureux, et lorsque la nuit tombait, ils tiraient leurs rideaux, et Joe restait dans la rue. Il pleura doucement jusqu'à ce qu'il s'endormit. Il se leva le lendemain matin à dix heures, et alla prendre un copieux petit déjeuner chez Pops Ernst. Au début de l'après-midi, il prit un quart pour Watsonville, et fit trois parties de billard avec un ami qu'il avait appelé au téléphone. Joe, après avoir gagné la dernière partie, Remit sa queue dans leur atelier et tendit à son adversaire deux coupures de dix dollars. Inutile, dit son ami. Garde ton argent. Prends-le, dit Joe. C'est pas comme si je t'avais donné quelque chose. Au contraire, tu m'as dit qu'elle n'était pas ici, et si un gars pouvait me renseigner, c'était bien toi. Tu veux pas me dire pourquoi tu la cherches Wilson, je te l'ai dit au début, et je te le répète, j'en sais rien. Je fais un boulot. Je ne sais rien de plus. Attends, je sais qu'il y a ce congrès. De quoi, déjà des chirurgiens dentistes, je crois. Je ne sais pas si je l'ai entendu dire qu'elle y allait, ou si c'est moi qui l'ai imaginé. Je dois perdre la mémoire. Passe un coup de fil à Santa Cruz. Tu connais quelqu'un J'ai des relations, dit Joe. Va voir Al Van Maller. Il a une salle de billard et des jeux derrière. Merci, dit Joe. Allons, Joe, garde ton argent. C'est pas le mien. paie toi un cigare. L'autobus le déposa à deux portes de chez Al. Il était l'heure de dîner, mais on continuait à jouer. Joe patienta une heure. Enfin, Al quitta la table pour aller au cabinet. Joe le suivit. On fait facilement connaissance dans les urinoirs. Al examina Joe de ses yeux pâles, agrandis par des verres épais. Il reboutonna sa braguette, ajusta ses manchettes d'alpaga noire et remit d'aplomb sa visière verte. On se verra quand les jeux seront finis, dit-il. Tu veux une place Tu as quelqu'un qui joue pour toi, Al Un seul, oui. Je m'inscris. Cinq papiers de l'heure, dit Al. Et dix pour cent si je gagne. Entendu, le gars aux cheveux blonds qui s'appelle Williams joue pour moi. À une heure du matin, Al et Joe entrèrent au Grill Barlow. Deux côtelettes et des frites. Tu veux un potage demanda Al à Joe. Non, et pas de frites, ça me donne des brûlures. Moi aussi, dit Al, mais j'en mange quand même. Je n'ai pas assez d'exercice. Al était un garçon silencieux, sauf pendant les heures de repas. Il n'ouvrait la bouche que lorsqu'elle était pleine. Combien tu lâches demanda-t-il à travers sa côtelette. Je touche cent dollars et je te refile vingt-cinq. Dac Il te faut des preuves, des papiers Non, ça vaudrait mieux, mais je me débrouillerai cent. Bon, je vais te dire. Elle est venue me demander si elle pouvait racoler en me lâchant un boni. Elle valait rien. Elle m'a pas rapporté vingt papiers la semaine. Probable que j'aurais jamais su ce qu'elle était devenue. Mais Bill Primus l'avait vue chez moi, et quand ils l'ont retrouvée, il est venu me poser des questions. Bon gars, le Bill. Ils sont bien les flics ici. Et elle n'était pas une mauvaise femme, paresseuse, sale, mais bon cœur. Elle rêvait de dignité. Elle n'était ni intelligente ni belle, donc pas vénarde. Elle aurait été navrée de savoir que lorsqu'on la retira du sable où les vagues l'avaient déposée, sa jupe retroussée découvrait ses fesses. Al dit. Les pêcheurs de sardines nous sont venus tirer une bordée chez nous. Ils étaient tous bourrés. Moi, je vois ça comme ça. Un des sardiniers l'a embarqué et l'a foutu par-dessus bord. Je ne vois pas comment elle aurait pu faire pour tomber à l'eau. Peut-être qu'elle a sauté de la jeter. Elle dit Hal malgré les pommes de terre. Ah oh merde alors Elle était trop fainante pour se tuer. Tu veux voir le corps Si tu dis que c'est elle, c'est elle, dit Joe, et il poussa une coupure de vingt dollars et une de cinq sur la table. Al roula les billets comme une cigarette et les mit dans sa poche de gilet. Il coupa un morceau de viande et le porta à sa bouche. C'est elle, dit il. Tu veux une part de tarte? Joe avait l'intention de dormir jusqu'à midi, mais il se réveilla à sept heures. Il fit la grasse matinée, projetant de ne rentrer à Salinas qu'après minuit. Il lui fallait du temps pour réfléchir. En se levant, il se dirigea vers la glace, et mima l'expression qu'il arborerait. Il voulait avoir l'air déçu, mais pas trop. Avec Kate il fallait se méfier. Il la laisserait parler et essaierait de trouver une ouverture, mais elle était à peu près aussi ouverte qu'un point fermé. Joe dut admettre que Kate le terrorisait. Sa prudence lui dit. Rentre donc, dis-lui tout et empoche tes 500 dollars. Mais il répondit sauvagement à sa prudence. Et la chance Combien j'ai eu d'occasion Quand on a une chance, il faut la saisir. Est-ce que je veux rester un petit macro toute ma vie Il faut que je joue serré. Je la laisserai parler, pas de mal à ça. Si ça tourne mal, je peux toujours lui dire plus tard que je viens d'avoir le renseignement. Elle peut t'envoyer à Saint-Quentin en moins de six heures. Pas si je joue serré. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que j'ai jamais eu une chance? Kate se sentait mieux. Son nouveau médicament avait l'air d'agir. La douleur s'était calmée et il lui semblait que ses doigts étaient plus droits et ses articulations moins enflées. Elle avait bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Elle lui envie d'un œuf à la coque pour son petit déjeuner. Elle se leva, mit une robe de chambre, prit un miroir à main et retourna à son lit. Là, adossée contre ses oreillers, elle étudia son visage. Le repos avait fait des merveilles. La douleur contracte les mâchoires, donne aux yeux un faux brillant angoissé, et les muscles des temples, des joues et même du nez se gonflent légèrement. Tel est le visage du malade qui lutte contre son mal. Son visage reposé était étonnamment différent. Elle avait dix ans de moins. Elle ouvrit la bouche et examina ses dents. Il était temps de les faire nettoyer. Elle en prenait soin. Elle n'avait dans la bouche qu'un seul bridge, à l'emplacement des trois molaires manquantes. J'ai l'air remarquablement jeune, pensa Kate. Une bonne nuit de sommeil et toute sa vitalité revenait. Il s'y laissait toujours prendre, il la croyait faible et délicate. Elle sourit à son image, délicate comme un piège d'acier. Mais elle prenait d'elle un soin constant. Pas d'alcool, pas de drogue. Et récemment, elle avait arrêté de boire du café. Le résultat était là, elle avait un visage angélique. Elle inclina légèrement le miroir pour ne pas voir les rides qu'elle avait sous le menton. Elle pensa brusquement à cet autre visage angélique qui ressemblait au sien. Quel était donc son nom Bon Dieu, quel était donc son nom Alec, elle le voyait portant la croix marchant lentement, avec son surplis blanc bordé de dentelle, son joli manteau penché et ses cheveux qui resplendissaient à la lumière des cierges. Il y avait en lui quelque chose de merveilleusement lointain, pur et inaccessible. D'ailleurs, est-ce que quelque chose ou quelqu'un avait déjà atteint ou souillé Kate certainement pas seule sa cuirasse avait été éraillée à l'intérieur elle était intacte aussi propre et brillante que ce garçon comment s'appelait-il donc elle eut un petit rire elle était la mère de deux jeunes gens et elle avait l'air d'une enfant si quelqu'un la voyait avec le petit blond y aurait-il un doute elle s'imagina à côté de lui laissant les étrangers deviner leur lien de parenté que ferait donc ce Aaron c'était son nom que ferait-il s'il apprenait la vérité son frère savait, lui. Petit enfant de putain, tout de même un autre mot serait préférable. Bâtard, il était né des sacrements du mariage. Kate rit tout haut, ravie, elle s'amusait bien. L'autre, le brun, l'agaçait. Il ressemblait à Charles. Elle avait craint Charles. Il l'aurait probablement tué s'il avait pu. Merveilleux médicament. Non seulement il arrêtait la douleur, mais il donnait du courage. Bientôt, elle vendrait, irait à New York et réaliserait son projet et dire qu'elle avait eu peur d'Étel, comme elle avait dû être malade, peur d'une vieille peau stupide. Et pourquoi ne pas la tuer à force de gentillesse lorsque Joe l'aurait retrouvée Pourquoi ne pas l'emmener à New York, la garder à portée de la main Kate eut une idée amusante. Ce serait un assassinat comique et un cas insoluble. Des chocolats, des boîtes de chocolats, des paquets de bonbons, du lard cuit bien gras, du Porto et puis du beurre. Tous les plats nageant dans le beurre et la crème fouettée. Pas de légumes, pas de fruits et pas de distractions. Reste à la maison, chérie. Mais oui, j'ai confiance en toi. Occupe-toi, tu es fatigué. Va te coucher. Laisse-moi remplir ton verre. Je t'ai apporté des bonbons. Veux-tu prendre le paquet pour aller te coucher Si tu ne te sens pas bien, prends donc un lavement. Ces noix sont excellentes. Tu ne trouves pas La vieille putain en crèverait en six mois. Et le verre solitaire N'avait-on jamais tué quelqu'un avec le verre solitaire Quel était donc cet homme qui mourut de soif Tantal Kate souriait aux anges. Avant son départ, elle offrirait une fête à ses fils, une toute petite fête avec un cirque pour terminer, pour ses chéris, ses bijoux. Elle évoqua le joli visage d'Aaron, si semblable au sien, et une douleur étrange s'éveilla dans sa poitrine, une sorte de vertige. Il était sans défense, incapable de se protéger, mais le brin pouvait être dangereux. Elle s'était mesurée à lui, il l'avait vaincu. Avant de partir, elle lui donnerait une leçon. Peut-être, mais oui. « Pourquoi pas ?» Une petite blénoragie pour lui apprendre à vivre. Mais elle ne voulait pas qu'Aaron apprît la vérité à son sujet. Peut-être viendrait-il la voir à New York. Il penserait qu'elle avait toujours vécu dans une élégante petite maison de l'East Side. Elle l'emmènerait au théâtre, à l'opéra, et les gens s'étonneraient de leur beauté. Il les prendrait soit pour un frère et sa sœur, soit pour une mère et son fils. La ressemblance était si frappante. Ils iraient ensemble à l'enterrement des tels. Il faudrait un cercueil sur mesure, et si costaud pour la porter. Kate s'amusait tellement qu'elle n'entendit pas Joe frapper à la porte. Il ouvrit, regarda à l'intérieur, et il vit qu'elle était gaie et qu'elle souriait. Le petit déjeuner, dit-il, et il poussa la porte avec le coin du plateau et la referma du genou. Vous le voulez là-dedans demanda-t-il en désignant du menton la chambre grise. Non, ici. Et je veux un œuf à la coque et une tranche de gâteau à la cannelle. Quatre minutes et demie pour mon œuf. Je ne l'aime pas baveux. Vous avez l'air d'aller mieux, madame. C'est vrai, dit-elle. Ce nouveau médicament est miraculeux. Tu fais une drôle de tête, Joe. Tu ne te sens pas bien Si, je vais bien. Et il posa le plateau sur la table, devant le grand fauteuil. Quatre minutes et demie Oui. Et si tu trouves une bonne pomme bien croquante, apporte-la-moi. Je ne vous ai jamais vu comme ça depuis que je vous connais. Dans la cuisine, en attendant que l'œuf cuise, il ressentit une légère appréhension. Peut-être savait-elle. Attention. Après tout, elle ne pouvait pas lui reprocher d'ignorer quelque chose. Ce n'était pas un crime. De retour dans la chambre, il dit Il n'y avait pas de pommes, mais le cuisinier vous recommande cette poire. C'est encore mieux, dit Kate. Il la regarda découper le sommet de l'œuf et y plongeait sa cuillère. Comment est-il Parfait, dit Kate, juste à point. Vous avez l'air bien, dit-il. Je me sens à merveille, mais pas toi. Qui est-il Ça fait toujours mal au cœur de voir échapper 500 dollars. Qu'est-ce que tu entends par là Tu ne l'as pas trouvé C'est bien cela Si tu l'as vraiment cherché, tu auras tes 500 dollars. Raconte-moi. Elle prit la salière et la secoua au-dessus de son œuf. Joe fit sa mimique étudiée devant la glace de l'hôtel. Merci, dit-il. Je suis dans le pétrin. J'en aurais besoin. Donc je suis allé à Paraho et à Watsonville. J'ai eu un tuyau à Watsonville, mais elle était déjà partie pour Santa Cruz. J'ai suivi sa trace, mais elle avait encore disparu. Kate goûta son œuf et ajouta du sel. C'est tout Non, dit Joe. J'ai marché à l'aveuglette, j'ai fait un tour à San Luis, on l'avait vue là-bas, mais elle était repartie. Elle n'avait pas laissé de traces. Tu n'as pas l'idée de l'endroit où elle a pu aller. Joe joua avec ses doigts. Toute sa combinaison, sa vie peut-être, dépendait des mots qu'il allait prononcer, et il éprouvait une certaine méfiance. Allons, dit-elle enfin. Tu sais quelque chose. Parle. Ce n'est pas très intéressant. Je ne sais pas quoi en penser. Ne pense pas, parle. Je penserai, dit-elle sèchement. Ce n'est peut-être même pas vrai. Pour l'amour du ciel J'ai discuté avec le dernier type qui l'avait vu. Il s'appelle Joe, comme moi. Et le nom de sa grand-mère, tu le connais Ce gars m'a dit qu'un soir où elle était bourrée, elle avait dit qu'elle allait revenir à Salinas et manger le morceau. Ensuite, elle a disparu. Le gars ne savait rien de plus. Kate était désemparée et ne pouvait le cacher. Elle sursauta, fut prise de panique, et une grande lassitude l'envahit. Joe avait touché quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il tenait sa chance. Elle leva la tête. Ne pensons plus à cette vieille peau, dit-elle. Tu auras tes cinq cents dollars, Joe. Il respira légèrement, craignant de la distraire. Elle l'avait cru. Et mieux, elle était en train de craindre des choses qu'il n'avait pas dites. Il fallait qu'il quittât cette pièce le plus vite possible. Il dit Merci, madame. Très bas, et il se dirigea silencieusement vers la porte. Sa main était sur la poignée lorsqu'elle dit d'un ton faussement indifférent Au fait, Joe Madame, si tu entends dire quelque chose, tu me préviendras, n'est-ce pas Évidemment. Vous voulez que je continue à chercher Non. Inutile. Ce n'est pas tellement important. Lorsqu'il fut dans sa chambre et qu'il lui verrouillait sa porte, Joe s'assit et croisa les bras. Il sourit. Instantanément, il établit son plan. Il la laisserait couver son histoire, mettons une semaine. Il la laisserait se détendre, puis il remettrait Ethel sur le tapis. Il ignorait la portée de son arme et sa puissance, mais il avait follement envie de s'en servir. Il aurait éclaté de rire s'il avait su que Kate était assise, les yeux clos, dans le fauteuil de la chambre grise, sa porte fermée à clé. Chapitre 46 Il arrive parfois qu'il pleuve en novembre dans la vallée de la Salinas. C'est un fait si rare que le journal ou l'index, ou les deux à la fois, lui font l'honneur d'un éditorial. En l'espace d'une nuit, les collines se couvrent d'un vert tendre et l'air sent bon. Du point de vue strictement agricole, la pluie à cette époque n'est pas particulièrement bonne, à moins qu'elle ne continue, ce qui est extrêmement inhabituel. La plupart du temps, la sécheresse revient et les pousses se fanent ou une petite gelée les frise, et c'est autant de graines perdues les années de guerre furent humides beaucoup de gens disaient que les couches supérieures de l'atmosphère étaient ébranlées par les coups de canon tirés en europe on en discutait sérieusement dans les journaux et entre amis nous n'envoyâmes pas beaucoup de troupes en france durant ce premier hiver mais des millions de soldats l'entraînement s'apprêtaient à partir la guerre tout horrible qu'elle fût était passionnante les allemands n'avaient pas été repoussés en fait ils avaient pris l'initiative avançant méthodiquement sur paris et Dieu sait quand il pourrait être arrêté, si toutefois c'était possible. Si nous devions être sauvés, c'était le général Pershing qui s'en chargerait. Sa magnifique silhouette martiale apparaissait chaque jour dans tous les journaux. Il avait une mâchoire de granit et sa tunique ne faisait pas de plis. C'était le parangon du parfait soldat. Nul ne savait ce qu'il pensait réellement. Nous savions que nous ne pouvions pas perdre, et pourtant nous semblions aller à la défaite. On ne trouvait plus de farine blanche, à moins d'acheter quatre fois plus de farine noire. Ceux qui pouvaient se le permettre mangeaient du pain blanc et donnaient la farine noire en pâté à leurs volailles. Dans la vieille salle d'armes, la milice communale composée d'hommes de plus de cinquante ans faisait l'exercice deux fois par semaine, en veste d'uniforme et bonnet de campagne. Ils se jetaient des ordres les uns aux autres et se chamaillaient sans cesse pour savoir qui commanderait les autres. William Siebert mourut sur le plancher de la salle d'armes au beau milieu d'un pugilat. Son cœur ne l'avait pas supporté. Il y avait aussi les hommes minutes, que l'on appelait ainsi parce qu'ils faisaient de petits discours d'une minute pour le salut de l'Amérique dans les salles de cinématographe et les églises. Ils portaient aussi des atours martiaux. Les femmes roulaient des bandages, paradaient dans des uniformes de la Croix-Rouge et se prenaient pour des anges de charité. Chacune tricotait quelque chose pour quelqu'un. La mode était au poignet, petit tube de laine destiné à empêcher le vent de pénétrer dans les manches des soldats, et au passe-montagne avec un trou à l'emplacement des yeux. Ces derniers étaient conçus pour empêcher les casques de métal de geler sur la tête. Chaque parcelle de beau cuir était utilisée pour la fabrication des bottes et des élégants ceinturons Sam Brown réservés aux officiers, ceinturons composés d'une large ceinture et d'une sangle qui traversait la poitrine et passait sous l'épaulette gauche. Ils étaient copiés sur ceux des Britanniques qui avaient sans doute oublié leur fonction première, soutenir une lourde épée, je suppose. On ne portait plus d'épée qu'à la parade, mais un officier ne voulait pas mourir sur le champ de bataille sans un ceinturon Sam Brown. Ceux de bonne qualité coûtaient 25 dollars. Les Britanniques nous apprirent beaucoup de choses, et si nous les copiâmes, c'est parce qu'ils étaient de valeureux combattants. Les hommes commencèrent à porter leurs mouchoirs dans leurs manches, et certains petits gandins de lieutenants ne se promenèrent plus sans un jonc à la main. Toutefois, il est une mode à laquelle nous résistâmes longtemps. La montre bracelet. C'était vraiment trop idiot. Nous avions aussi nos ennemis de l'intérieur, et nous exercions une grande vigilance. San José faisait la chasse aux espions et Salinas n'allait pas se laisser damer le pion. Salinas était une grande ville. Depuis vingt ans qu'il s'était installé à Salinas, Mr. Fenchel faisait les costumes sur mesure. C'était un petit homme rondouillard avec un accent rigolo. Il travaillait toute la journée dans sa petite boutique d'Aliso Street. Et le soir, il rentrait à pied vers sa maison de Central Avenue. Il en repeignait sans cesse les murs et la clôture blanche qui délimitait son jardin. Personne n'avait remarqué son accent jusqu'au jour où la guerre éclata. Soudain, nous nous comprîmes. C'était un accent allemand. Nous avions enfin un Allemand bien à nous. Cela ne lui servit à rien de se ruiner à acheter des bons de la défense. C'était trop facile. La milice régionale ne voulait pas l'arrêter. Introduire un espion dans les locaux de la défense nationale Jamais. Et qui aurait porté un costume taillé par un ennemi Personne. Mr. Fenchel continua d'aller à sa boutique, mais toute la journée, il cousait, bordait, couturait le même morceau de tissu. Nous fûmes extrêmement cruels avec Mr. Fenchel. C'était notre Allemand. Il passait devant notre maison tous les jours, et il y avait eu une époque où il s'adressait à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque bête, et où tout le monde lui répondait. Désormais, plus personne ne lui parlait, et en y repensant, je revois son pauvre visage où se peignait la tristesse, la solitude et l'amour propre blessé. Ma petite sœur et moi jouâmes notre rôle envers Mr. Fenchel, et c'est un de ces souvenirs amers que je ne puis évoquer sans avoir le front en sueur et la gorge serrée. Un soir que nous étions dans notre jardin, nous le vîmes avancer sur le trottoir d'en face à petits pas. Son chapeau noir bien propre était posé droit sur sa tête. Je ne me rappelle pas si nous nous étions concertés, mais cela ne m'étonnerait pas, car nous réalisâmes avec brio notre attaque. Lorsqu'il s'approcha, ma sœur et moi traversâmes la rue côte à côte. Mr. Fenchel leva la tête et nous vit que nous dirigeions vers lui. Nous nous arrêtâmes dans le ruisseau à son passage. Un sourire éclaira son visage et il dit. Bonsoir, John. Bonsoir, Marie. Nous restâmes immobiles côte à côte, puis nous lançâmes en chœur. Oh, ter Kaiser. Je revois son visage, ses grands yeux bleus, son regard innocent et stupéfait. Il voulut dire quelque chose, puis il se mit à pleurer. Il n'essaya même pas de se défendre, de dire qu'il n'était pas allemand. Rien. Il resta immobile, sanglotant. Alors Marie et moi tournâmes les talons, traversâmes la rue et rentrâmes dans notre jardin nous nous sentions horriblement coupables aujourd'hui encore nous étions trop jeunes pour nous attaquer à mr fenchel aussi ce furent des hommes solides une trentaine environ qui s'en chargèrent un samedi soir ils se réunirent dans un bar et en colonne par quatre dévalèrent sancho la en criant Oura, hurrah ils arrachèrent la clôture blanche de mr fenchel et mirent le feu à sa maison aucun de ces enfants de pute, de salaud, de fils de Kaiser ne ferait la loi chez nous. Désormais Salinas pouvait tenir la dragée haute à San José. Ceci eut le don d'exciter ceux de Watsonville. Ils trempèrent dans le goudron et emplumèrent un Polonais qu'ils avaient pris pour un Allemand. Il avait un accent. Nous autres à Salinas, nous fîmes ce que l'on fait inévitablement lorsqu'il y a la guerre. Et nous pensâmes de même. Nous poussâmes des cris de joie lorsque les nouvelles officieuses étaient bonnes, et nous mourûmes de peur lorsque les communiqués étaient mauvais. Chacun avait un secret qu'il confiait sans en mentionner la source. Notre mode de vie changea, les salaires et les prix grimpèrent, lorsqu'il fut question de rationnement, nous nous mîmes à acheter et à stocker de la nourriture. Des femmes du meilleur monde se foutaient sur la gueule pour la possession d'une boîte de tomates. Mais il n'y avait pas que cela, il y avait de l'héroïsme aussi. Certains hommes qui auraient pu ne pas faire la guerre s'engageaient et d'autres, objecteurs de conscience, gravissaient leur Golgotha, ce qui était bien naturel. Certains jetaient tout ce qu'ils possédaient dans la lutte car c'était la dernière, et en la gagnant, nous pourrions l'extraire de la chair du monde comme une épine et s'en serait fini avec une si horrible stupidité. Mourir sur le champ de bataille manque de dignité. La plupart du temps, cela se traduit par un écrabouillement de viande et de liquide humain, et l'ensemble est assez sale. Mais il y a une grande et presque douce dignité dans le chagrin, ce chagrin impuissant, désespéré, qui s'abat sur une famille à la réception du télégramme. Elle n'a rien à dire, rien à faire, un seul espoir lui est permis. J'espère qu'il n'a pas souffert. Et c'est un atroce espoir que celui-là. Il est vrai que certains, lorsque leur chagrin s'émoussa, le remplacèrent par une sorte de fierté beaucoup plus arrogante et embarrassante. Certains même en tirèrent profit après la guerre. C'est très naturel, tout comme il est naturel qu'un homme, dont le métier est de faire de l'argent, en gagne avec la guerre. On ne blâmait pas un homme pour ça, mais on attendait de lui qu'il investisse une partie de ses bénéfices en bons de la défense. À Salinas, nous croyions avoir tout inventé, même le chagrin. Chapitre 47 Dans la petite maison près de la boulangerie Reynaud, Lee et Adam fixèrent au mur une carte du front ouest et y plantèrent des rangées d'épingles à tête colorée. Cela leur donnait l'impression de participer à la guerre. Lorsque Mr. Kelly mourut, on demanda à Adam Trask de le remplacer au bureau de recrutement. C'était l'homme qu'il fallait pour ce travail. Sa fabrique de glace ne l'occupait pas beaucoup, et il avait d'honorables états de service. Adam Trask avait fait la guerre, une petite guerre de manœuvres et de boucheries. Mais enfin il avait vécu cette expérience qui consiste à renverser les lois et à tuer autant d'hommes que l'on peut. Adam ne se rappelait pas très bien sa guerre. Certaines images étaient inscrites dans sa mémoire. Un visage, un amas de corps brûlant, une charge de cavalerie sabre au clair, le son déchirant et irrégulier des salves de carabine, la voix aigre d'un clairon dans la nuit, mais c'était là des images statiques et froides, des illustrations mal dessinées. Adam accomplit sa tâche honnêtement et tristement. Il ne pouvait admettre d'envoyer de jeunes hommes au devant de la mort. Et, comme il se savait faible, il devint de plus en plus sévère et de moins en moins ouvert aux excuses et aux motifs qui auraient pu entraîner une réforme. Il étudiait les listes chez lui, rendait visite aux parents, et en faisait plus que ce qu'on en attendait de lui. Il se sentait dans la peau d'un juge qui aurait horreur des gibets. Henry Stanton observait Adam, sinistre et silencieux. Henry aimait le rire. Il en avait besoin un collègue à triste mine le rendait malade. Détendez-vous, dit-il un jour à Adam. On dirait que vous portez à vous seul tout le fardeau de la guerre. Vous n'êtes pas responsable. Votre travail consiste à suivre les règles établies. Obéissez-leur, et détendez-vous. Vous ne dirigez pas la guerre. Adam descendit le store de bois pour masquer le soleil de fin d'après-midi, et fixa les yeux sur les ombres parallèles projetées sur son bureau. Je le sais, dit-il avec lassitude. Oh. Je le sais. Où je suis troublé, c'est lorsqu'il faut choisir, quand cela dépend de mon propre jugement. J'ai accepté le fils du juge Kendall et il a été tué à l'entraînement. Cela ne vous regarde pas, Adam. Pourquoi ne buvez-vous pas quelques verres avant de vous coucher Allez donc au cinéma cela vous changera les idées. Henry enfila ses pouces dans les entournures de son gilet et se renversa dans son fauteuil. Puisque nous en parlons, Adam, je me permets de vous dire que malgré vos scrupules, les recrues ne s'en portent pas mieux. « Je vous ai vu accepter les garçons que j'aurais réformés. »« Je sais, » dit Adam. « Je me demande combien de temps cela va encore durer. » Henry lui lança un regard aigu, prit un crayon dans sa poche de gilet et en tapota ses incisifs supérieurs. « Je vois ce que vous voulez dire. » Adam, étonné, le regarda. « Et qu'est-ce que je veux dire » demanda-t-il. « Je vous en prie, pas de susceptibilité. »« Jusqu'ici, je ne m'étais jamais rendu compte de mon bonheur. Je n'ai que des filles. » Adam suivit du doigt une des ombres sur son bureau. Oui, dit-il, d'une voix légère comme un soupir, vos garçons ne seront pas appelés avant très longtemps. C'est vrai. Adam suivit une ligne de lumière, puis pénétra dans une zone d'ombre. Henry dit, Cela me déplairait. Qu'est-ce qui vous déplairait Je me demandais ce que cela me ferait si j'avais à décider du sort de mes deux fils. Je donnerais ma démission, dit Adam. Je comprends cela. On pourrait être tenté de les faire réformer. Non, dit Adam, je démissionnerai parce que je ne voudrais pas les avantager par rapport aux autres. Henry joignit les mains et les posa sur le bureau devant lui. Non, dit-il, vous avez raison. Henry aimait s'amuser, et il évitait autant que possible toutes les discussions sérieuses ou solennelles, car pour lui, c'était synonyme d'ennui. Aaron, est-il bien, Stanford Très bien. Il m'écrit que c'est difficile, mais qu'il ira jusqu'au bout. Il va venir à la maison pour le Thanksgiving. J'aimerais le voir. J'ai rencontré Cal l'autre soir dans la rue. Voilà un garçon qui ne s'en laisse pas compter. Il n'a pas passé ses examens avec un an d'avance. Ce n'est peut-être pas son but. Moi-même, je ne suis pas allé au collège. Et vous Non, dit Adam. J'ai fait la guerre. C'est une excellente expérience. Adam se leva lentement et prit son chapeau accroché à la corne de serre porte-manteau. Bonsoir, Henry, dit-il. Sur le chemin du retour, Adam ressassa les mêmes problèmes. Comme il passait devant la boulangerie, Lee en sortit portant une miche dorée. J'avais envie de pain à l'ail, dit Lee. Et moi de viande rouge, dit Adam. Vous en aurez ce soir. Y avait-il du courrier? Je n'ai pas regardé dans la boîte. Ils entrèrent dans la maison, et Lee se dirigea vers la cuisine. Quelques instants plus tard, Adam les rejoignit et s'assit à la table. Lee, demanda-t-il, si nous envoyons un homme dans l'armée, et qu'il soit tué, « Sommes-nous responsables ?»« Continuez, Lily. Je préfère tout entendre d'un seul coup. »« Supposez qu'il y ait un léger doute, mais que nous envoyons quand même cet homme à la guerre, et qu'il y soit tué. »« Je vois. Qu'est-ce qui vous inquiète La responsabilité ou le blâme ?»« Il ne s'agit pas de blâme. La responsabilité est parfois pire. »« J'ai repensé au jour où Sam Hamilton et vous avez eu une longue discussion au sujet d'un mot. Quel était-il »« Je comprends maintenant. Le mot était « Tim Shell Timshel, vous avez dit. J'ai dit que ce mot grandissait l'homme qui savait le comprendre. Je me rappelle que Sam Hamilton en avait été heureux. Le mot l'avait libéré, Lily. Il lui avait donné le droit d'être un homme avec un destin distinct de celui des autres hommes. C'est un destin solitaire, comme tout ce qui a une valeur. Rappelez-moi ce mot. Timshel. tu peux. Adam attendait avec impatience les fêtes du Thanksgiving, car Aaron reviendrait à la maison. Bien qu'il fût parti depuis un temps très court, Adam l'avait oublié et s'était fait de lui une image différente. Comme tous ceux qui aiment, il transformait l'objet de son amour. Après le départ d'Aaron, les silences avaient été le résultat de son absence, ainsi que chaque petit événement douloureux. Adam parlait de son fils, il en était fier. Et il racontait à des gens que cela n'intéressait pas, qu'Aaron était intelligent et qu'il avait sauté une année. Il voulait faire du Thanksgiving une véritable fête pour prouver au jeune homme que ses efforts avaient été appréciés. Aaron habitait une chambre meublée à Palo Alto, et il faisait tous les jours, à pied, le chemin qui le séparait de l'université. Il était heureux, il s'était préparé à entrer dans un monde vague et merveilleux, il s'était imaginé des jeunes hommes aux regards francs, des jeunes filles immaculées, vêtues de toches académiques, se dirigeant vers un temple blanc au sommet d'une montagne. Leurs visages étaient lumineux, leur voix lançait un chant radieux, et la scène se passait le soir. Il ne savait pas où il s'était forgé cette vision de la vie estudiantine, peut-être dans les illustrations de Doré pour l'Enfer de Dante. L'université bâtie par Leland Stanford ne ressemblait en rien à ce cliché. C'était un cube brun dressé au milieu d'un champ. Une église ornée de mosaïques italiennes s'élevait à côté. Les classes étaient meublées de pins verni, et là, comme partout ailleurs, c'était un monde de lutte et de colère, avec ses élans de fraternité et ses chutes. Quant aux anges rayonnants, ce n'étaient que de pâles adolescents en costumes de velours sale. Certains portaient sur le visage les stigmates de l'étude, et d'autres apprenaient déjà les vices de leur père. Aaron, qui jusque-là avait ignoré qu'il avait un foyer, languissait d'y retourner. Il n'avait pas voulu connaître son nouveau milieu ou s'y infiltrer. À côté de l'image pacifique, les bruits et les chahuts des étudiants lui semblaient horribles. Il abandonna le dortoir du collège pour une sinistre chambre meublée où il pouvait accéder à un rêve nouvellement découvert. Il allait suivre ses cours à l'université et revenait aussitôt que possible pour vivre au milieu des souvenirs qu'il avait mis au jour. La maison à côté de la boulangerie Raynaud lui devenait chère. Lee était le meilleur des amis et des conseillers. Son père était une idole. Son frère devenait amical. Et Abra Abra était pur comme un songe. L'ayant créé, il en tomba amoureux. Le soir, après avoir étudié ses cours, il se plongeait dans sa lettre quotidienne comme dans un bain parfumé. Au fur et à mesure qu'Abra devenait plus radieuse, pure et belle, Aaron éprouvait une joie grandissante à contempler sa propre perversité. Il jetait avec frénésie des abjections sur le papier, puis il allait se coucher, purifié comme après l'amour. Il lui suffisait de décrire ses désirs pour y renoncer. Il en résultait des lettres baignées de mélancolie, mais d'un ton si haut et si chaud qu'Abra en était gêné. Elle ne pouvait pas savoir que la sexualité d'Aaron avait pris un chemin très normal. Il avait commis une erreur. Il l'admettait mais devait en subir les conséquences. Lorsqu'il retournerait chez lui, il aurait une certitude. Peut-être ne reviendrait-il jamais à l'université. Il se rappelait qu'Ebra avait suggéré d'aller vivre à la ferme. Et cela devint le rêve. Il se rappela les grands chênes et l'air pur, le vent parfumé qui descendait des collines, et les feuilles des arbres qui bourrissaient. Ebra, debout sous un arbre, l'attendait. C'était le soir. Là, après le travail évidemment, il vivrait dans la pureté, en paix avec le monde, séparé de lui par la petite vallée. Il pourrait se mettre à l'abri de la laideur, le soir. Chapitre 48 À la fin de novembre, la négresse mourut et fut enterrée avec une sombre austérité, comme elle l'avait demandé sur son testament. Elle reposa pendant une journée dans la chapelle privée de la maison Muller, dans un cercueil d'ébène et d'argent, et son profil sévère et maigre paraissait encore plus ascétique à la lumière des quatre énormes chandeliers dressés aux quatre coins de la bière. Son petit mari noir était accroupi comme un chat, à hauteur de son épaule droite, et il resta pendant plusieurs heures aussi immobile qu'elle. Il n'y eut ni fleurs, ni couronnes, ni sermons, ni larmes, mais une étrange délégation de citoyens se glissa sur la pointe des pieds, Jusqu'à la chapelle pour jeter un coup d'œil, des avocats, des ouvriers, des clercs, des employés de banque, la plupart ayant dépassé le milieu de leur vie. Puis les filles de la négresse vinrent l'une après l'autre pour lui rendre hommage et pour chasser la poisse. C'était une institution qui disparaissait. Saninas perdait le temple où les adeptes du fatal dieu Sexe Noir accomplissaient un acte désespéré et aussi sauvage qu'un sacrifice humain. Il restait toujours la maison de Jenny, avec ses beuglements et ses rires gras. Kate continuerait de jeter les hommes dans une extase maléfique, d'où ils sortaient secoués, affaiblis, effrayés par eux-mêmes, mais la sombre communion qui ressemblait à une offrande vaudou n'aurait plus jamais lieu. Seule une automobile suivit le corbillard, et dans l'automobile, un petit homme tout noir était écrasé dans un coin. C'était un jour gris, et lorsque la maison Muller eut descendu le cercueil avec des poulies, huilées et silencieuses, le corbillard s'éloigna et le mari versa lui-même la terre dans la tombe avec une pelle neuve. Le concierge du cimetière, qui coupait des herbes un peu plus loin, entendit un gémissement porté par le vent. Joe Valery était allé boire un verre avec Butch Beavers. Ils allèrent ensemble jeter un coup d'œil sur la négresse. Butch était pressé, car il devait aller à Natividad pour rentrer aux enchères un petit troupeau d'Airford à tête blanche pour le compte des Tavernetti. En sortant de la maison mortuaire, Joe rencontra Alf Nichelson, ce cinglé d'Alf Nichelson, un des rares survivants d'une époque révolue. Alf était un bricoleur, charpentier, plombier, fumiste, électricien, repasseur de ciseaux, cordonnier. Alf, qui savait faire n'importe quoi et travaillait sans arrêt, n'avait jamais fait fortune. Il savait tout sur tout le monde depuis la nuit des temps. À l'époque de sa jeunesse, deux sortes de personnes avaient accès à toutes les maisons et à tous les commérages la couturière et l'homme à tout faire. Alf connaissait toutes les histoires de toutes les maisons qui bordaient Main Street des deux côtés. C'était une dangereuse commère mâle, insatiablement curieuse et vindicative, mais sans malice. Il regarda Joe et essaya de se rappeler où il l'avait vue. Je te connais, dit il. Non, ne me le dis pas. Joe recula. Il se méfiait des gens qui le connaissaient. Attends. Ça y est. Kate. Tu travailles chez Kate. Joe émit un soupir de soulagement. Il avait peur que Alf ne le rencontrait plus tôt. C'est ça, dit-il brièvement. Je n'oublie jamais une tête, dit Alf. Je t'ai vu là-bas, pendant que je construisais la petite pièce grise. Qu'est-ce qu'elle voulait en faire Pas de fenêtre Elle aime l'obscurité, dit Joe. Elle a mal aux yeux. Alf renifla. On pouvait lui dire les choses les plus simples, il ne les croyait pas. Si l'on disait bonjour à Alf, il essayait de trouver à ce mot des significations cachées. Il était convaincu que chacun dissimulait un secret et qu'il était le seul à pouvoir le déchiffrer. D'un signe de tête, il désigna la maison malheur. Encore un jalon, dit-il. Presque tous les anciens ont disparu. Quand Jenny la pêteuse s'en ira, ce sera la fin. Elle vieillit, la Jenny. Joe était nerveux. Il aurait voulu s'en aller et Alf le savait. Alf reconnaissait à merveille les gens qui voulaient fuir sa compagnie. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il emmagasinait tant de ragots. Comment ne pas écouter un homme qui savait tant d'histoires savoureuses sur les voisins? Une commère sommeille dans le cœur de chacun de nous. Alf n'était pas aimé, mais il était écouté. Il comprit que Joe allait prétexter une excuse et s'en aller. Il pensa soudain qu'il n'avait rien appris de nouveau sur Kate depuis longtemps. Il pourrait peut-être échanger quelques vieilles histoires contre des neuves. Le bon temps. C'était vraiment le bon temps, dit-il. Tu n'étais qu'un gosse. J'ai rendez-vous avec un gars, dit Joe. Alf fit semblant ne pas avoir entendu. Prends Fay, par exemple, dit il. C'était vraiment quelqu'un. Puis il ajouta entre parenthèses. Avant, c'était Fay qui dirigeait la boîte. Personne ne sait comment Kate l'a remplacée. C'est assez mystérieux, et il y en a qui ont eu des soupçons. Il comprit avec satisfaction que le gars avec qui Joe avait rendez vous allait attendre un bon bout de temps. Quels soupçons? demanda Joe. Ah. Tu sais comme on cause. Probable qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais je dois dire que ça paraissait bizarre. Tu viens prendre un verre demanda Joe. Enfin une bonne parole, répondit Alf. Il y en a qui disent que les enterrements, ça donne envie de baiser. Moi, je dois vieillir, ça me donne surtout soif. C'était quelqu'un la négresse. Je pourrais t'en raconter. Je la connaissais depuis trente-cinq 35... non, trente-sept ans. Qui était Fay demanda Joe. Ils entrèrent dans le bar de Mr. Griffin. C'était un homme qui avait horreur de l'alcool et qui méprisait copieusement les alcooliques. Propriétaire de son bar, il y régnait en maître, et il lui arrivait souvent, certains samedis soirs, de refuser une tournée générale de vingt verres à des consommateurs dont il jugeait l'état trop avancé. Son commerce marchait à merveille, et on allait dans son bar propre et tranquille pour y traiter des affaires, et discuter sans crainte d'être interrompu. Joe et Alf s'assirent à la table ronde du fond, et burent chacun trois pintes de bière. Joe apprit tout le vrai et le faux, le fondé et le mal fondé, les soupçons et les insinuations. De cet amas confus, il tira quelques idées. Il y avait peut-être quelque chose de louche dans la mort de Fay. Kate était peut-être la femme d'Adam Trask. Il ne montra pas que cela l'intéressait. Trask paierait peut-être. Quant à l'histoire de Faye, c'était trop gros pour lui. Joe voulait y repenser, mais seul. Après deux heures de parlotte, Alf était furieux. Joe n'avait pas joué le jeu. Il n'avait rien à faire en échange de ce qu'il avait appris, pas le moindre renseignement, pas la moindre idée. Alors Alf en vint à conclure. Un type qui ouvre si peu la bouche a quelque chose à cacher. Qui pourrait bien me fournir des renseignements sur lui Enfin, Alf dit. Tu comprends Kate, moi je l'aime bien. Elle me donne un boulot de temps à autre. Elle paie bien et vite. Tout ce que l'on raconte sur elle est sans doute faux. Et pourtant, quand on y pense, c'est une drôle de femme. Elle a un de ces regards. Tu ne trouves pas Je m'entends bien avec elle, dit Joe. La perfidie de Joe mit Alf en colère. Aussi lança-t-il une pointe. Il m'est venu une drôle d'idée, dit-il. Pendant que je bâtissais la petite pièce sans fenêtre, un jour elle m'a regardé avec son œil froid, et l'idée m'est venue. Si elle savait tout ce que j'ai appris sur elle et qu'elle m'offre un verre ou même un bout de gâteau, eh bien je répondrais Non merci, madame. Je m'entends bien avec elle, répéta Joe. J'ai rendez-vous avec un gars. Joe se dirigea vers Castroville Street, car il voulait penser tranquillement dans sa chambre. Il se sentait mal à l'aise. Il gravit les escaliers quatre à quatre, examina sa valise et ouvrit tous ses tiroirs. Il avait peur que quelqu'un eût fouillé sa chambre. Une idée comme ça. Pourtant, il n'y avait rien à trouver. Mais il était nerveux. Il essaya de mettre de l'ordre dans ce qu'il venait d'apprendre. On frappa à sa porte et Thelma entra, les yeux gonflés et le nez rouge. Qu'est-ce qui lui prend à Kate demanda-t-elle. Elle a été malade. Je ne parle pas de ça. J'étais dans la cuisine en train de boire un verre de lait quand elle est entrée et elle m'a giflé. Ton verre de lait, ce n'était pas moitié whisky? Non, de l'extrait de vanille, je te jure. Elle n'a pas le droit de me traiter comme ça. Elle l'a pris le droit, non? Je ne le supporterai pas. Mais si, dit Joe. Maintenant, tire-toi. Thelma posa sur lui son beau regard sombre et mystérieux, et elle reprit un peu de vigueur. Joe, demanda-t-elle, est-ce que tu es vraiment un salaud, ou est-ce que tu fais semblant? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien, répondit Thelma. Salaud. Joe voulait agir lentement, précautionneusement, et après mûre réflexion. J'ai ma chance. Il faut que je m'en serve. Il alla prendre ses instructions chez Kate, mais il ne vit que sa nuque. Elle était assise à son bureau, sa visière rabaissée sur les yeux, et elle ne se tourna pas vers lui. Après avoir donné ses ordres d'une voix sèche, elle continua. Joe, je me demande si tu t'es bien occupé de la maison. J'ai été malade, mais maintenant je vais mieux. Quelque chose qui ne tourne pas rond? Ça se pourrait. Je crois que Thelma buvait du whisky et non de l'extrait de vanille. Je n'aime pas qu'elle boive du whisky. Tu te relâches, Joe. Il chercha une excuse. J'ai été occupé, dit-il. Occupé Ouais, avec votre affaire. Quelle affaire Bah ben vous savez, est-elle Oublie-la Comme vous voudrez, dit Joe. Puis involontairement, il parla. J'ai vu un gars hier qui m'a dit qu'il l'avait rencontré. Si Joe n'avait pas connu Kate, il ne lui aurait pas accordé sa petite pause. Ces dix secondes de silence sont dues. Kate demanda doucement. Où cela? Ici. À ce moment là seulement, elle fit pivoter son fauteuil et le regarda. Je n'aurais pas dû te laisser faire, Joe. C'est difficile de confesser une faute, mais je te le dois bien. Inutile de te rappeler que j'ai fait interdire Ethel. Je croyais qu'elle m'avait fait quelque chose. Sa voix prit un ton mélancolique. Je m'étais trompé. Je m'en suis rendu compte plus tard, et maintenant j'ai des remords. Elle ne m'avait rien fait. Je voudrais la retrouver et lui faire oublier. Ça doit te sembler étrange que j'ai cette idée. Non, madame. Retrouve-la, Joe. Je me sentirai mieux quand je l'aurai dédommagée. Pauvre vieille. Je vais essayer, madame. Joe, si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Si tu la retrouves, répète-lui ce que j'ai dit. Si elle ne veut pas venir ici, demande-lui où je peux lui téléphoner. As-tu besoin d'argent pas tout de suite, madame, mais il faudra sans doute que je sorte assez souvent de la maison. Très bien, c'est tout, Joe. Il avait envie de sauter en l'air. Dans le couloir, il croisa ses bras et les serra très fort contre lui, comme pour empêcher sa joie de s'évaporer. Pour un peu, il aurait cru qu'elle avait imaginé toute l'affaire. Il traversa le salon obscur, empli de murmures, puis il sortit et regarda le ciel où les étoiles apparaissaient et disparaissaient entre les nuages poussés par le vent. Joe repensa à son père. Il se rappelait quelque chose que le vieux lui avait dit. "Méfie-toi des bonnes âmes", avait dit Papa Joe. "Les femelles niant elles sont dangereuses." Joe murmura "Une bonne âme, je la croyais plus forte que ça." Il se rappela la conversation qu'il venait d'avoir avec elle et soupesa chacun des mots pour être sûr qu'il n'avait pas un double sens. Non, c'était bien cela. Il repensa à ce qu'Alf lui avait dit. Si elle m'offrait un verre ou même un bout de gâteau... Kate n'avait pas quitté son bureau. Elle entendait le vent qui sifflait dans les Troènes, et le vent et l'obscurité étaient pleins d'ételles, grasses, flasques, visqueuses comme une méduse. Kate se sentit terriblement lasse. Elle entra dans sa petite pièce grise, referma la porte et s'assit dans l'obscurité, écoutant les petites douleurs qui montaient comme des fourmis le long de ses doigts. Le sang battait à ses tempes. Elle tâta la capsule qui pendait au bout de sa chaîne et elle frotta contre sa joue le petit tube de métal tiède de la chaleur de ses seins. Le courage lui revint. Elle se lava le visage, se maquilla, se peigna et fit bouffer ses cheveux. Puis, elle descendit dans le salon, mais s'arrêta à la porte pour écouter comme d'habitude. Deux femmes et un homme parlaient. À l'entrée de Kate, la conversation tomba immédiatement. Kate dit. Hélène, je voudrais te voir, si tu n'as rien d'autre à faire. La fille la suivit jusqu'à sa chambre. C'était une blonde fadasse avec une peau couleur d'os cirée. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Kate? demanda-t-elle craintivement. Assieds-toi. Il n'y a rien. Tu es allée à l'enterrement de la négresse? Vous ne vouliez pas? Ça n'a pas d'importance. Tu y es allée? Oui, Madame. Raconte-moi. Quoi? Ce que tu te rappelles? Comment c'était? Hélène répondit nerveusement. C'était horrible et en même temps magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Pas de fleurs, pas de rien. Mais il y avait, il y avait comme de la dignité. La négresse était allongée dans un cercueil de bois noir avec de très grands chandeliers. On aurait dit, je ne sais pas comment dire, tu viens de le dire. Comment était-elle habillée Habillée Oui, ils ne l'ont pas enterrée toute nue, non Hélène essaya de se concentrer. Je ne sais pas, finit-elle par dire. Je ne me rappelle pas. » tu allée au cimetière Non, madame. Personne, à part lui. Qui Son homme. Kate demanda rapidement, presque trop rapidement. Tu as déshabitué ce soir Non, madame. C'est la veille du Thanksgiving. Les affaires vont être moches. J'avais oublié, dit Kate. Tu peux t'en aller. Elle regarda la fille sortir, puis se dirigea à pas presser vers son bureau. Tout en examinant la facture détaillée du plombier, elle toucha de sa main gauche la chaîne à son cou. C'était un toucher rassurant. Chapitre 49 Lee et Cal essayèrent de dissuader Adam d'aller à la gare attendre l'express du San Francisco Los Angeles. « Pourquoi ne pas laisser à y aller seul ?» demanda Cal. « C'est elle qui aura envie de voir la première. Même si nous y allions, » ajouta Lee, « il ne remarquerait pas que nous sommes là. Je veux le voir descendre du train, » dit Adam. « Il va avoir changé. » Lee dit, « Il n'est parti que depuis deux mois. Il n'aura ni changé, ni vieilli. Je suis sûr que si. » Si tu y vas, nous serons tous obligés d'y aller, dit Cal. Tu n'as pas envie de voir ton frère demanda sévèrement Adam. Si, mais c'est lui qui n'aura pas envie de me voir. Enfin, pas le premier. Mais si, dit Adam, ne sous-estime pas Aaron. Lee leva la main en signe d'abandon. Nous irons. C'est merveilleux, dit Adam. Il va avoir appris beaucoup de choses. Je me demande s'il va parler différemment. Savez-vous, Lee, que dans l'Est, les étudiants prennent le langage de leur école on peut distinguer un garçon d'Harvard d'un garçon de Princeton. Enfin, c'est ce que l'on dit. Je prêterai l'oreille, dit Lee. Je me demande quel dialecte on emploie à Stanford. Il sourit à Cal. Adam ne trouva pas cela drôle. Avez-vous mis des fruits dans sa chambre Il les adore. Des poires, des pommes et du muscat. C'est vrai, il aime le muscat, je m'en souviens. Pressé par Adam, le groupe arriva à la gare avec une demi-heure d'avance. Abra était déjà là. « Je ne pourrai pas venir déjeuner demain, dit-elle. Mon père veut que je reste à la maison. Je viendrai après, aussitôt que je pourrai. »« Vous avez la respiration courte, dit Lee. »« Pas vous ?»« Si, répondit Lee. Regardez donc la voie pour voir si le signal passe au vert. » L'exactitude des trains est un sujet de fierté et d'anxiété pour bien des gens. Lorsque le signal passe du rouge au vert et qu'apparaît le phare de la locomotive fouillant de son pinceau tous les détails de la voie, les hommes consultent leur montre et disent ⁇ Il est à l'heure ⁇ On est fier et soulagé en même temps. La notion de seconde prend de plus en plus d'importance dans les activités humaines. Et bientôt, ce sera un dixième de seconde, puis un centième, jusqu'au jour, je ne crois pas qu'il vienne, où l'homme fatigué dira ⁇ Et puis, après tout, qu'est-ce qu'une heure dans la vie d'un homme ?⁇ Mais cette préoccupation de la fraction de seconde n'est pas ridicule. Un fait qui se produit trop tôt ou trop tard peut dérégler le mécanisme moderne et les perturbations se propagent comme des ronds dans une flaque où l'on a jeté une pierre. L'express, lancé à toute vitesse, pénétra dans la gare comme s'il n'avait pas l'intention de s'y arrêter. La machine et les fourgons à bagages étaient déjà passés quand les freins à air comprimé lancèrent leurs cri et que l'acier grinça. Il descendit beaucoup de monde, parents en visite pour ce jour de fête, chargés de bagages et de cadeaux. Sa famille ne vit pas tout de suite à Run. Il semblait avoir grandi. Il portait un chapeau à calotte plate et ruban étroit très élégant. Lorsqu'il vit sa famille, il se mit à courir et enleva son chapeau. Ses cheveux blonds étaient coupés en brosse. Ses yeux brillaient, et le groupe rit de plaisir en le voyant. Aaron laissa tomber sa valise et souleva Abra du sol. Puis il la reposa et tendit les mains à Adam et à Cal. Il empoigna Lee par les épaules et le serra au risque de l'étouffer. Sur le chemin de la maison, ils parlèrent tous ensemble. Comment « Comment vas-tu Tu as l'air en bonne santé. Abra, tu es splendide. Pourquoi as-tu coupé tes cheveux C'est la mode. Tu avais de si jolis cheveux. » Ils remontèrent rapidement Main Street. Au coin de Central Avenue, ils passèrent devant la vitrine de Renault, où s'empilaient de belles miches dorées, et la brune boulangère leur fit bonjour de sa main farinée. Puis ils rentrèrent chez eux. Adam demanda « Y a-t-il du café, Lee ?»« Je l'ai fait avant de partir. Il est au chaud. » Il avait déjà préparé les tasses. Soudain, ils comprirent qu'ils étaient réunis. Aaron et Abra sur le divan. Adam dans son fauteuil sous la lumière. Lee qui passait le café et Cal debout, bras croisés, dans l'encadrement de la porte. Ils gardèrent le silence car il était trop tard pour les banalités et trop tôt pour autre chose. Adam dit. Tu vas tout me raconter. As-tu de bonnes notes? Il n'y a pas d'examen avant le mois prochain, papa. Je suis sûr que tu auras de bonnes notes. Malgré lui, Aaron fit une grimace d'impatience. Nous parlerons demain, dit Adam. Tu dois être fatigué. Je parierais le contraire, dit Lee. Il a surtout envie d'être seul. Adam regarda Lee et dit. Évidemment, évidemment. Veux-tu que nous allions nous coucher Abra résolut le problème. Je ne peux pas rester longtemps, dit elle. Tu m'accompagnes chez moi, Aaron. Nous nous reverrons tous demain. Aaron prit le bras d'Abra et frissonna. Il va geler, dit-il. Es-tu content d'être de retour oui, j'ai beaucoup de choses à te dire. Bonne Cela dépend de toi. Tu as l'air sérieux. C'est sérieux. Quand repars-tu Dimanche soir. Nous avons tout le temps devant nous. Moi aussi, il faut que je te parle. Nous avons demain, vendredi, samedi et tout dimanche. Cela ne te ferait rien de ne pas rentrer chez moi ce soir Pourquoi Je te le dirai plus tard. Je veux le savoir tout de suite. Mon père a une crise. Contre moi Oui. Je ne pourrai pas déjeuner avec toi demain, mais je ne mangerai pas beaucoup chez moi. Tu demanderas à Ali de me garder quelque chose. Il était de nouveau timide. Elle le sentait à son étreinte qui se relâchait, à son silence et à son visage levé. Je n'aurais pas dû te dire cela ce soir. Mais si, répondit il lentement, dis-moi la vérité. Veux-tu toujours être avec moi Toujours. C'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, je m'en vais. On se verra demain. Elle resta un instant sur son perron, gardant sur les lèvres le goût de son baiser rapide et elle se sentit vexée qu'il eût accepté si vite de la quitter. Puis elle se moqua d'elle-même, car il était ridicule de se vexer parce que l'on avait obtenu ce que l'on avait demandé. Elle écouta le bruit des pas rapides qui s'éloignaient. Elle se dit qu'elle devait être folle, qu'elle se faisait des idées. Après avoir dit bonsoir, de retour dans sa chambre, Aaron s'assit sur le bord de son lit et examina ses mains croisées entre ses genoux. Il se sentait abandonné, incapable de se défendre contre l'ambition de son père. Jusqu'à ce soir-là, il n'avait jamais mesuré la force de cette ambition, et il se demanda s'il aurait le courage de s'en libérer. Il n'arrivait pas à fixer ses idées. La maison semblait froide et humide. Il frissonna, se leva et ouvrit doucement la porte. Il y avait de la lumière sous celle de Cal. Il frappa et entra sans attendre de réponse. Cal était assis devant un nouveau bureau, découpant des papiers de couleur. Lorsqu'Aaron entra, il recouvrit rapidement quelque chose avec un grand buvard. Aaron sourit. Des cadeaux demanda-t-il. Oui, répondit Cal, sans plus. Est-ce que je peux te parler Bien sûr, mais tout bas. Sans ça, papa va entrer. Il a toujours peur de manquer quelque chose. Aaron s'assit sur le lit, garda le silence si longtemps que Cal lui demanda Qu'est-ce qu'il y a Tu as des ennuis Non, pas d'ennuis. Je voulais te parler, Cal. Je ne veux plus retourner au collège. Cal sursauta et se retourna Comment Et pourquoi ça ne me plaît pas. Tu ne l'as pas encore dit à papa, j'espère. Il serait déçu. C'est déjà suffisant que je ne veuille pas y aller. Qu'est-ce que tu veux faire Je voudrais habiter la ferme. Et Abra C'est elle qui me l'a proposé. Cal l'observa. Tu sais que la ferme est louée. Oui, je sais. Tu sais que l'on ne gagne pas d'argent dans la culture. Je n'en ai pas besoin de beaucoup. Assez pour vivre. Cela ne me suffirait pas, dit Cal. Je veux gagner beaucoup d'argent. Et j'y arriverai. Comment Cal se sentait plus vieux et plus mûr que son frère, plus fort aussi. Si tu continues tes études, pendant ce temps-là, je monterai une affaire. Quand tu auras fini, je te prendrai comme associé. Je m'occuperai d'une branche et toi d'une autre. Ce serait une bonne idée. Pourquoi retournerai-je là-bas Parce que notre père le veut. Ce n'est pas une raison. Cal lança un regard féroce à son frère. Il détailla les cheveux blonds, les yeux grands ouverts, et soudain il comprit pourquoi son père préférait Aaron. Il dit rapidement. Attends demain matin. Il vaudrait mieux que tu finisses le terme en cours. Ne fais rien pour l'instant. Aaron se leva et se dirigea vers la porte. Pour qui est le cadeau Pour papa. Tu verras demain après le repas. Ce n'est pas Noël Non, dit Cal. Ce sera mieux que Noël. Lorsqu'Aaron eut quitté sa chambre, Cal écarta le buvard. Il recompta encore une fois les quinze billets neufs, craquants. La banque de Monterrey les avait fait venir spécialement de San Francisco et seulement après avoir procédé à une enquête. On était scandalisé qu'un garçon de 17 ans pût en premier lieu posséder tant d'argent, et en second lieu le transporter avec lui. Les banquiers n'aiment pas que l'argent se promène, même si le but du voyage est sentimental. Il avait fallu que Will Hamilton vînt affirmer que l'argent appartenait à Cal, qu'il l'avait honnêtement gagné, et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Cal enveloppa les billets dans du papier de soie, et les entoura d'un ruban rouge, qu'il essaya maladroitement de nourrir. Le paquet aurait pu aussi bien contenir un mouchoir. Il le cacha sous ses chemises, dans son armoire, puis alla se coucher. Mais il ne put trouver le sommeil. Il était anxieux. Il aurait voulu que la journée fût passée, et le cadeau donné. Il se récita ce qu'il dirait. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. À partir de là, il ne savait plus ce qu'il se passerait. Il se tourna et se retourna dans son lit. Et dès l'aube, il se leva, s'habilla et sortit de la maison à pas de loup. Dans Main Street, le vieux Martin conduisait sa balayeuse hippomobile. Le conseil municipal avait inscrit à l'ordre du jour l'achat d'une balayeuse automobile. Le vieux Martin espérait bien qu'on la lui donnerait à conduire. Mais lorsqu'il en parlait, c'était avec un désabusement cynique. C'étaient les jeunes qui profitaient de tout. La voiture de ramassage d'ordures des Batchigaloupi remonta la rue. Et Martin lui jeta un regard plein de rancune. Ça, c'était un bon boulot. Les ritales s'enrichissaient. La rue était vide. Quelques chiens reniflaient au bas des portes fermées, et il y avait un semblant d'activité au restaurant San Francisco. Le taxi neuf de Pet Belen attendait devant la porte car on avait prévenu Pet le soir précédent que les filles Williams prendraient le train du matin pour San Francisco. Le vieux Martin appela Cal. Tu as une cigarette, mon petit gars Cal s'arrêta et tendit sa boîte de marade. Des cigarettes de luxe, dit Martin. J'ai pas de feu non plus. Cal lui donna du feu. En faisant attention de ne pas enflammer la barbe de Martine. Le vieux émit un soupir à fendre l'âme. Ce sont les jeunes qui profitent de tout, dit-il. Ils ne me laisseront pas la conduire. Quoi demanda Cal. Bah, la nouvelle balayeuse. Tu ne sais pas D'où tu sors, tes gars Il lui paraissait incroyable qu'un humain, s'il ne sortait pas d'une île déserte, ne fût pas au courant de l'achat de la balayeuse. Puis, il oublia Cal. Peut-être les Batchigaloupi lui donneraient-ils du travail ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils avaient trois voitures et un nouveau camion. Cal tourna dans Alice Hall Street, pénétra dans la poste, regarda dans le casier 632. Il était vide. Il entra lentement chez lui et trouva Lee dans la cuisine qui bourrait de farce une énorme dinde. Tu es resté dehors toute la nuit demanda Lee. Non, j'ai fait une promenade. Tu es nerveux Oui. Je te comprends. Je le serai aussi à ta place. C'est difficile de donner mais c'est encore plus difficile de recevoir. Ça te semble ridicule Tu veux du café Pourquoi pas Lee s'essuya les mains et versa deux tasses de café. Comment trouves-tu Aaron Bien. Tu as pu lui parler Non, dit Cal. C'était plus facile ainsi. Lee aurait voulu savoir ce qu'il avait dit. Or ce jour n'appartenait pas à Aaron, mais à Cal. Il l'avait coché sur le calendrier et il voulait en profiter. Aaron entra, le visage encore ensommeillé. À quelle heure déjeunera-t-on, Lee Je ne sais pas. Trois heures et demie ou quatre heures Tu ne pourrais pas reculer jusqu'à cinq heures Si cela ne dérange pas Adam, pourquoi Abra ne peut pas venir avant. Je veux demander quelque chose à papa et je voudrais qu'elle soit là. Nous arrangerons cela, dit Lee. Karl se leva rapidement et monta dans sa chambre. Il s'assit à son bureau, alluma sa lampe, et une vague angoisse mêlée de ressentiment l'envahit. Sans effort, Aaron lui volait son jour. Cette journée allait être celle d'Aaron. Puis soudain, il eut honte, amèrement. Il mit son front dans ses mains. C'est de la jalousie. Je suis jaloux. Voilà ce que je suis. Je suis jaloux. Et je ne veux pas l'être. Et il répéta. Jaloux, jaloux, jaloux. Comme si le mot répété perdait de sa nocivité. Puisqu'il était allé aussi loin, il continua, se punissant. Pourquoi est-ce que je donne cet argent à mon père Est-ce pour son bien Non. C'est pour le mien. Will Hamilton l'a dit. J'essaie de l'acheter. Tout cela est ignoble. Tout ce qui m'habite est sale. Je suis là, plein de jalousie à l'égard de mon frère. Appelons les choses par leur nom. Pourquoi ne pas être honnête Je sais pourquoi mon père aime Aaron. C'est parce qu'il lui ressemble, à elle. Mon père n'a jamais pu l'oublier. Il ne le sait peut-être pas, mais c'est vrai. Je me demande s'il s'en rend compte. Voilà que je suis jaloux d'elle aussi. Je ferai mieux de prendre mon argent et de m'en aller. Je ne manquerai à personne. Rapidement, ils oublieraient que j'ai même existé. Tous, sauf Lee. Et même lui, je ne sais pas s'il si m'aime. Peut-être pas. Il se frappa le front de ses poings. Aaron a-t-il lutté comme cela contre lui-même Je ne crois pas. Mais qu'en sais-je Je pourrais le lui demander. Il ne répondrait pas. Cal s'enfonçait dans un bain de colère et de pitié pour lui-même. Alors, une voix s'éleva méprisante. Si tu es honnête, pourquoi n'admets-tu pas que tu te complais dans des tortures que tu t'infliges voilà la vérité. Sois qui tu es et fais ce que tu dois faire. Cal resta étonné par cette pensée. Il s'y complaisait? Évidemment. En se fouettant, il évitait d'être fouetté par quelqu'un d'autre. Il se concentra. Il faut donner l'argent, mais légèrement. Ne s'attendre à rien, ne rien prévoir. Le donner et l'oublier. Et l'oublier tout de suite. Donner, donner. Donner ce jour à Aaron. Pourquoi pas? Il fit un bond et courut jusqu'à la cuisine. Aaron maintenait ouverte la peau de la dinde pendant que Lee enfonçait sa farce pour craquer de chaleur. Lee dit, voyons, 18 livres, 20 minutes par livre, c'est-à-dire 18 x 20, donc 360 minutes, 10 heures, de 11 à 12, de 12 à 1, il compta sur ses doigts. Cal dit, quand tu auras fini Aaron, on ira se balader Où ça demanda Aaron. En ville, je voudrais te demander quelque chose. Karl conduisit son frère de l'autre côté de la rue, chez Bergeste et Garicière, importateurs de vin et alcool fin. J'ai un peu d'argent, dit Karl. J'ai pensé que ça te ferait plaisir d'acheter du vin pour le déjeuner. Je vais te donner l'argent. Quelle sorte de vin? Il faut que ce soit une vraie fête. Prenons du champagne. Ce sera ton cadeau. Jo et Garicière leur dit. Vous êtes trop jeunes, mes enfants. Je ne peux pas vous vendre de vin. Je regrette. Cal dit. « Je sais ce que l'on va faire. Nous allons vous payer et vous le livrerez chez notre père. »« D'accord, » dit Joe garissière. « J'ai un excellent œil de perdrix. » Il fit claquer sa langue comme s'il venait de boire un verre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cal. « Du champagne. Il a la couleur d'un œil de perdrix, d'un rose légèrement foncé, mais il est très sec. »« Quatre dollars et demi la bouteille. »« N'est-ce pas trop cher ?» demanda Aaron. « Je pense bien que c'est cher, » répondit Cal en riant. « Livrez-nous trois bouteilles, Joe. » S'adressant à Aaron. Ce sera ton cadeau. Cal trouva que la matinée n'en finissait pas. Il aurait voulu quitter la maison, mais ne parvenait pas à s'y décider. À onze heures, Adam alla au bureau de recrutement, bien qu'il fût fermé, et étudia les dossiers d'une nouvelle couvée de jeunes recrues. Aaron semblait parfaitement calme. Il était assis dans le salon et regardait les pages comiques dans le vieux numéro de la revue des revues. De la cuisine venait une odeur de dinde rôtie qui emplissait la maison. Cal alla dans sa chambre, sortit son cadeau de l'armoire et le posa sur son bureau. Il essaya d'écrire une carte pour l'accompagner. Pour mon père, de la part de Caleb. Pour Adam Trask, de la part de Caleb Trask. Il déchira les deux cartes en petits morceaux et les jeta dans les cabinets, puis tira la chaîne. Il se demanda, Pourquoi lui donner aujourd'hui Je pourrais aussi bien le prendre à part demain et lui dire, Voici pour toi. Et m'en aller. Ce serait plus facile. Non, dit-il tout haut. Je veux que les autres soient présents. Ce serait comme cela. Mais il avait du mal à respirer, et les paumes de ses mains étaient humides, le trac. Il repensa au matin où son père était venu le chercher à la prison. Quelle chaleur! Quelle intimité! Voilà ce qu'il fallait se rappeler. La confiance de son père. Il avait même dit, j'ai confiance en toi. À cette évocation, Cal se sentait mieux. Vers trois heures, il entendit les pas d'Adam et un murmure de conversation dans le salon. Cal descendit. Adam était en train de dire. Les temps ont changé. Pour réussir, un homme doit être un spécialiste. C'est pourquoi je suis si heureux que tu continues tes études. Aaron répondit. J'y ai pensé, et je me demande. Ne pense plus. Ton premier choix était le bon. Regarde-moi. J'ai des connaissances superficielles sur bien des matières, mais je n'en connais pas une suffisamment pour en vivre. Cal s'assit doucement. Adam ne le remarqua pas. Il était absorbé par son sujet. Il est naturel qu'un homme veuille voir son fils réussir, continua Adam. Peut-être suis-je mieux placé que toi pour le savoir. Lee passa la tête. La balance de la cuisine doit être détraquée. La dinde va être cuite plus tôt qu'elle n'était prévu. Je parierais que cet oiseau ne pesait pas ses dix-huit livres. Gardez-la au chaud, dit Adam. Puis il continua. Le vieux Sam Hamilton l'avait bien prévu quand il disait que l'âge des philosophes universels était passé. Le poids du savoir est trop grand pour un seul cerveau. Il disait qu'un temps viendrait où l'homme n'explorerait qu'un fragment, mais qu'il le connaîtrait à fond. Oui, dit Lee du pas de la porte. Mais il le déplorait. Il entrevoyait cette époque avec horreur. Vraiment demanda Adam. Lee entra dans la pièce. Il tenait sa cuillère à sauce de la main droite et la gauche dessus. Mais en entrant dans la pièce, il oublia sa précaution et brandit sa cuillère. Quelques gouttes grasses tombèrent sur le tapis. Puisque vous me posez la question, je me demande s'il en avait horreur lui-même, ou si c'est moi qui en ai horreur pour lui. Ne vous excitez pas, dit Adam, on ne peut plus rien vous dire sans que vous le preniez comme une insulte personnelle. Peut-être le savoir est-il trop grand, mais peut-être aussi l'homme devient-il trop petit, dit Lee. Peut-être qu'à force de s'agenouiller devant les atomes, il finit par avoir une âme de la taille de ce qu'il adore. Peut-être le spécialiste n'est-il qu'un lâche, qui a peur de regarder le monde extérieur à sa petite cage. Pensez à ce qu'il perd votre spécialiste, le monde entier qui palpite de l'autre côté de sa clôture. Nous parlions de la façon dont un homme peut gagner sa vie. Gagner de l'argent, Lily. Si c'est votre but, il est facile à atteindre. Mais à quelques exceptions près, ce n'est pas l'argent que les gens recherchent. Ils veulent du luxe, de l'amour et de l'admiration. Bon, bon, vous ne voyez rien à redire aux études. C'est de cela que nous parlions. Excusez-moi, Lily, vous avez raison. Je m'enflamme rapidement. Si à l'université l'homme peut apprendre à connaître ses semblables, je n'y vois pas d'objection. Est-ce cela, Aaron? Je ne sais pas, dit Aaron. Un sifflement s'échappa de la cuisine. Là, mes abattis qui passent par-dessus la casserole, lança Lee en courant vers la porte. Adam le suivit d'un regard affectueux. Quel brave homme! Quel excellent ami! Aaron dit, j'espère qu'il vivra cent ans. Qui te dit qu'il ne les a pas dépassés? lui répondit son père. Cal demanda, Comment marche la fabrique de glace, papa Pas trop mal, elle paie ses frais et laisse un léger bénéfice. Pourquoi J'ai pensé à une ou deux choses qui pourraient augmenter le rendement. Pas aujourd'hui, dit rapidement Adam. Lundi, si tu y penses encore, mais pas aujourd'hui. Je ne me rappelle pas m'être jamais senti aussi bien. Je me sens... comment dire Comblé. Peut-être n'est-ce le résultat que d'une bonne nuit de sommeil et d'un dégagement intestinal. Peut-être est-ce aussi parce que nous sommes tous réunis, et il sourit à Aaron. Nous ne savions pas ce que nous éprouvions pour toi avant ton départ. Les premiers jours, j'ai cru que je ne le supporterais pas, à voir Aaron. Ibra arriva légèrement essoufflée. Ses joues étaient roses, elle était heureuse. Vous avez vu Il y a de la neige sur le mont Taureau. Oui, nous avons vu, dit Adam. Il paraît que c'est la promesse d'une année meilleure. Personne ne s'en plaindra. J'ai juste grignoté, dit Abra. Je voulais avoir faim ici. Pendant tout le déjeuner, Lee se plaignit. Il accusa le four à gaz de ne pas chauffer comme un bon vieux four à bois. Il accusa les dindes modernes de ne pas ressembler aux bonnes vieilles dindes de jadis. Puis il rit avec tout le monde lorsqu'on lui dit qu'il se conduisait comme une vieille femme quémandant des compliments. Lorsque le plum pudding fut sur la table, Adam servit le champagne. Ils le burent cérémonieusement, avec des airs mondains. Ils lancèrent des toasts et chacun but à la santé des autres, et Adam fit un petit compliment à Abra lorsque les verres se tendirent vers elle. Les yeux d'Abra brillaient, et sous la table, Aaron lui tenait la main. Le vin avait émoussé la nervosité de Cal, et le cadeau ne le faisait plus peur. Lorsqu'il eut fini sa tranche de gâteau, Adam déclara, « Ce jour sera notre plus beau souvenir !» Alors Cal fouilla dans sa poche intérieure, en sortit le paquet enrubanné et le posa devant son père. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un cadeau. Adam était ravi. Ce n'est pas Noël et on m'offre des cadeaux. Je me demande ce que c'est. Un mouchoir, dit Abra. Adam fit glisser le ruban maladroitement noué et déplia le papier de soie. La vue de l'argent le plongea dans une sorte d'hébétude. Abra demanda Qu'est-ce que c'est et se leva pour voir. Aaron tendit la tête. Lee, de la porte, essaya de masquer son inquiétude et jeta un regard sur Cal qui, illuminé de joie, triomphait. Lentement, Adam passa les doigts sur les billets. Sa voix semblait venir de très loin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que? Il n'alla pas plus loin. Cal avala sa salive. C'est, je l'ai gagné, pour te le donner pour remplacer les laitues. Adam releva lentement la tête. Tu les as gagnés? Comment? Mr. Hamilton, ensemble avec des haricots. Puis son débit s'accéléra. Nous les avons achetés sur pied cinq cents, et quand les prix ont monté, c'est pour toi! Quinze mille dollars! C'est pour toi! Adam remit les billets en ordre, égalisa les coins et refit le paquet. Il jeta un regard désespéré à Lee. Cal capta une impression, une menace de calamité, de destruction. Une chape de plomb s'appesantit sur lui. Il entendit son père dire, Tu vas rendre cet argent! Le rendre? À qui? À ceux de qui tu le tiens. Le bureau d'achat britannique, ils ne le reprendront pas. Ils paient douze cents et demi leurs haricots dans tout le pays. Alors rends-le au fermier que tu as volé. Volé hurla Cal. Mais nous avons payé deux cents au-dessus du marché. Nous ne les avons pas volés. Cal se sentait suspendu dans l'espace et les secondes étaient longues. Son père mit longtemps à répondre. On aurait dit qu'il y avait des grands traits d'union entre chacun de ces mots. J'expédie de jeunes hommes à la guerre. Je signe et ils partent. Certains mourront. Et d'autres y perdront bras ou jambes. Ils reviendront tout déchirés. Crois-tu, fils, que je puisse prendre mon bénéfice là-dessus Je l'ai fait pour toi, dit Cal. Je voulais que tu aies de l'argent pour compenser ta perte. Je ne veux pas d'argent, Cal. Quant à ces laitues, je n'ai pas agi pour en tirer un bénéfice. C'était un jeu. Je voulais voir si j'arriverais à expédier des laitues là-bas. Et j'ai perdu. Mais je ne veux pas d'argent. Cal avait les yeux fixés droit devant lui. Il sentait les regards de Lee, Darren et Dabrak qui brûlaient ses joues, il ne quitta pas des yeux les lèvres de son père. Je te remercie d'avoir pensé à me faire un cadeau, continua Adam. Ton intention, je vais les mettre de côté. Je les garderai pour toi, Pacal. Non, je n'en voudrais jamais. J'aurais été si heureux si tu avais pu me donner ce que m'a donné ton frère, la fierté de son travail, la joie de le voir progresser. De l'argent, même honnête, ne vaudra jamais cela. Il leva légèrement les paupières et il demanda. Es-tu vexé Ne le sois pas. Si tu veux me faire un cadeau, offre-moi une belle vie. Voilà à quoi j'accorde de la valeur. Cal sentit qu'il étouffait. La sueur coulait sur son front et il avait un goût de sel sur la langue. Il se leva si violemment que sa chaise bascula derrière lui. Il se précipita hors de la pièce. La respiration coupée. Adam lui cria Ne m'en veux pas. Ils le laissèrent en paix. Il s'assit à son bureau, pensant qu'il allait pleurer, mais les larmes ne vinrent pas. Elle s'évaporait au contact du brasier qui emplissait sa tête. Au bout d'un moment, sa respiration se fit plus régulière, et il se sentit en état de penser plus calmement. Il lutta contre la haine qui l'habitait. Il essaya de la repousser, mais il faiblit bientôt et la haine distillée passa dans ses veines, empoisonnant chaque nerf. Il se sentait perdre le contrôle. Vint le moment où il n'y eut plus ni lutte ni peur, mais un sentiment de triomphe douloureux. Sa main s'empara d'un crayon. Et commença de dessiner des petites spirales sur son buvard. Lorsque Lee entra, une heure plus tard, une centaine de spirales étaient tracées, et elles allaient en rapetissant. Cal ne leva pas la tête. Lee ferma la porte sans faire de bruit. Je t'ai apporté du café, dit-il. Je n'en veux pas. Après tout, si. Merci, Lee. C'est gentil d'y avoir pensé. Lee dit Arrête. Arrête, je te le demande. Qu'y a-t-il à arrêter Lee était embarrassé. Je te l'ai dit une fois lorsque tu me l'as demandé. C'est en toi. Tes actes dépendent de toi. Je ne vois pas ce dont tu parles. Lee dit. Ne m'entends-tu pas Crois-tu que je ne devine pas Cal, ne sais-tu vraiment pas de quoi je parle Je t'écoute, Lee. Que veux-tu dire Il ne pouvait pas faire autrement, Cal. C'est sa nature. Un seul chemin lui est ouvert. Il n'avait pas le choix. Toi, tu l'as. Tu m'entends Tu as le choix. Les spirales étaient devenues si petites que les traits se rejoignaient et ne formaient plus que de minces bâtonnets. Cal dit froidement :« Tu accordes beaucoup d'importance à une chose qui n'en a pas. Tu dois te tromper. À t'entendre, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Va-t'en, Lee. Va-t'en. » Le silence emplit la pièce et lorsque Cal se retourna, la chambre était vide. Une tasse de café fumait sur la commode. Cal but le liquide brûlant et descendit au salon. Son père lui jeta un regard plein d'excuses. Cal dit. Je regrette, papa. Je ne savais pas l'effet que ça te ferait. Il prit le paquet de billets sur le dessus de la cheminée et le mit dans la poche de sa veste. Je vais voir ce que je peux en faire. Puis très naturellement. Où sont les autres? Abra devait partir. Aaron l'a accompagné. Lee est sorti. Je vais faire un tour, dit Cal. C'était novembre et la nuit était déjà tombée. Cal alla à la porte et vit l'ombre de lit qui se dessinait sur le mur blanc de la blanchisserie française, de l'autre côté de la rue. Lee était assis sur les marches et il avait l'air gonflé sous son épais manteau. Cal retraversa le salon. Ça donne soif le champagne, dit-il. Son père ne leva pas la tête. Cal se glissa dehors par la porte de la cuisine et traversa le petit potager de Lee. Il gravit la haute clôture, enjamba la mare et déboucha dans Castleville Street, entre la boulangerie Lang et la boutique du plombier. Il se dirigea vers Stone Street, où se dresse l'église catholique, puis il tourna à gauche passa devant la maison des Carriaga, celle des Wilson, celle des Abala, et tourna encore à gauche dans Central Avenue. Après la maison des Steinbeck, deux pâtés de maisons plus loin, il tourna encore à gauche après l'école du West End. Les peupliers qui bordaient la cour de récréation étaient presque dénudés, mais le vent du soir poussait encore quelques feuilles jaunies. Karl marchait comme avec des œillères. Il ne sentait pas le courant d'air glacé qui descendait des montagnes. Trois maisons devant lui, il vit son frère traversé sous un réverbère, venant dans sa direction. Cal le reconnut à son pas et à sa silhouette. Cal ralentit sa marche, et lorsqu'Aaron fut prêt, il dit Salut, je te cherchais. Aaron dit Je regrette pour cet après-midi. Tu n'y pouvais rien, oublie ça. Il fit demi-tour, et les deux garçons reprirent leur marche côte à côte. Je voudrais que tu m'accompagnes, dit Cal. J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est Hum, c'est une surprise, mais c'est très intéressant, surtout pour toi. Est-ce que ce sera long Non, pas long du tout. Ils traversèrent Central Avenue en direction de Castroville Street. En général, c'était le sergent Axel Dan qui à 8 heures ouvrait le bureau de recrutement de San José, mais s’il était en retard, le caporal Kemp s'en chargeait et il ne se plaignait pas. Axel était un cas courant, trois ans de service sous la bannière étoilée en temps de paix l'avait rendu complètement inapte à mener la vie civile et à faire la guerre. C'est pour cette raison qu'il occupait son poste au bureau de recrutement de San José. Il flirtait avec la plus jeune des filles Ritchie. Kemp ne comptait pas autant d'années de service, mais il savait déjà tous les principes vitaux. Bien s'entendre avec le sergent et éviter les officiers autant que possible. Les rares engueulades du sergent Dan ne le gênaient pas. Dan entra au bureau à 8h30. Et trouva le caporal Kemp endormi à sa table et un jeune garçon qui attendait l'air épuisé. Dan jeta un coup d'œil sur le jeune homme, puis se dirigea vers Kemp et lui posa une main sur l'épaule. Soldat, dit-il, réveille-toi. Le rossignol chante et une aube nouvelle nous est née. Kemp souleva sa tête d'entre ses bras, éternua et s'essuya le nez du revers de la main. À tes souhaits, dit le sergent. Lève-toi. Nous avons un client. Kemp frotta ses paupières collées. La guerre peut attendre, dit-il. Dane examina le garçon de plus près. Mon Dieu. Est-il beau J'espère qu'ils prendront soin de lui. Caporal, vous croyez peut-être qu'il veut prendre les armes contre l'adversaire Détrompez-vous. Il fuit l'amour. Kemp se sentit soulagé. Le sergent n'était pas tout à fait âgé. Vous croyez qu'une épée lui a fait du mal Lorsque le sergent lançait une balle, il la rattrapait toujours au bon. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux l'envoyer à la légion étrangère, non Peut-être est-ce sans passer qu'il fuit. Kemp dit. J'ai vu un film où il était question de ça. Et il y avait un de ces salauds de sergents. Pure invention, dit le sergent Axel Dan. Garde à vous, jeune homme. Vous avez 18 ans? Oui, monsieur. Dan se tourna vers son subordonné. Qu'en penses-tu? Merde, dit Kemp. S'ils ont la taille, ils ont l'âge. Le sergent dit. Entendu pour 18 ans. Et nous n'en démordrons pas. D'accord? Oui, monsieur. Prends cette formule et remplis-la. Compte sur tes doigts l'année où tu es né et inscris-la ici. Tâche de ne pas l'oublier. Chapitre 50 Kate restait immobile, le regard fixe, pendant des heures et des heures. Et Joe n'aimait pas cela, car cela signifiait qu'elle pensait. Et comme son visage n'exprimait rien, Joe n'avait pas accès à ses réflexions. Cela le mettait mal à l'aise. Il ne voulait pas que sa première vraie chance lui échappât. Son plan se composait d'une seule directive, pousser Kate à bout pour qu'elle se découvre. Ce moment venu, il improviserait. Mais que faire si elle se contentait de regarder le mur Avait-elle les nerfs à bout ou non Joe savait qu'elle n'allait pas se coucher, et lorsqu'il lui demandait si elle voulait son petit déjeuner, elle répondait par un mouvement de tête incompréhensible. Joe abreuvait Joe de conseils de prudence. Ne tente rien, garde les oreilles et les yeux ouverts, et tiens-toi prêt. Les pensionnaires de la maison savaient qu'il se passait quelque chose, mais leurs histoires étaient dissemblables, et Joe ne pouvait pas s'y fier. Kate ne pensait pas. Des images voltaient dans son cerveau comme des chauves-souris dans une pièce sans issue. Elle voyait le visage du bel enfant blond et ses yeux agrandis par l'horreur. Elle entendait les mots grossiers qu'il avait proférés, destinés plus à lui-même qu'à elle, et elle voyait son frère brun. Appuyée contre la porte, secouée par le rire. Kate avait ri aussi. Premier réflexe défensif. Que ferait son fils Qu'avait-il fait après son départ Elle sentait encore sur elle le regard cruel de Cal refermant la porte. Pourquoi avait-il amené son frère Que voulait-il Que cherchait-il Si elle l'avait su, elle aurait pu agir en conséquence. Mais elle ne le savait pas. La douleur envoyait de nouveau ses fourmis rongeuses le long de ses mains. Et s'attaquait à un autre endroit de son corps. Sa hanche droite se pétrifiait à son tour. La douleur va pénétrer lentement jusqu'au centre, et tôt ou tard, toutes mes douleurs s'y rejoindront comme des rats dans une nasse. Malgré ses propres conseils, Joe ne put plus y tenir. Un jour, il apporta une théière, frappa doucement, ouvrit la porte et entra. Kate était toujours dans la même position. Je vous ai apporté du thé, madame. Pose-le sur la table, dit-elle. Merci, Joe. Vous ne vous sentez pas bien, madame? Je souffre à nouveau. Le médicament m'a trahi. Qu'est-ce que je peux faire? Elle éleva et tendit les mains. « moi au poignet. Elle grimaça de douleur après l'effort. On se sent impuissant, dit elle plaintivement. Joe n'avait jamais pu déceler la moindre faiblesse dans sa voix. Il comprit que c'était le moment de passer à l'attaque. Il dit. Vous n'avez peut-être pas envie d'être dérangé. Mais j'ai appris quelque chose sur l'autre. Il comprit, d'après le temps qu'elle mit à répondre, qu'elle était touchée. Quel autre demanda-t-elle tout bas. La vieille, madame. Oh, tu veux dire -elle »« Oui, madame. Je commence à en avoir assez des tels. Qui a-t-il maintenant Je vais vous dire comment ça s'est passé. Moi, je n'y comprends rien. J'étais chez Kellogg et un type vient vers moi. Tu t'appelles Joe, il dit, et je lui réponds. Pourquoi tu cherchais quelqu'un, il me dit. Parle, je lui dis. Je n'avais jamais vu ce gars-là. Alors il me dit. La personne en question m'a dit qu'elle voulait te parler. Alors je lui réponds. Eh bien, qu'elle me parle Alors il me coule un regard qui en dit long, et me dit. Tu as peut-être oublié ce qu'a dit le juge Je suppose qu'il voulait dire l'interdiction. Il examina le visage de Kate, calme et pâle, les yeux toujours fixés sur le mur. Kate dit. Et alors, il t'a demandé de l'argent non, madame, même pas. Il m'a dit quelque chose qui ne tient pas debout. Il m'a dit Est-ce que le nom de Faith dit quelque chose Rien du tout, je lui ai répondu. Alors il m'a dit Tu ferais peut-être bien de lui parler. Peut-être, je lui ai répondu. Et je suis parti. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je vous demande. Est-ce que le nom de Faith dit quelque chose demanda Kate. Absolument rien. Sa voix devint très douce. Comment tu ne savais pas que Faye était la propriétaire de cette maison Joe sentit son estomac se contracter brusquement. Pauvre imbécile Il n'aurait pas pu la boucler Il chercha à se rattraper Mais... Si Peut-être en y repensant Je crois que j'ai entendu dire Mais je croyais que c'était un nom comme Foi Cette alerte soudaine fit du bien à Kate. Elle oublia la tête blonde et sa douleur. Elle avait quelque chose à faire. Elle se lança dans la lutte avec une sorte de plaisir. Elle eut un petit rire étouffé. Foi dit-elle avec un souffle. Verse-moi du thé, Joe. Elle ne montra pas qu'elle remarquait le tremblement de sa main, cognant le bec de la théière contre la tasse. Elle ne leva pas les yeux vers lui lorsqu'il posa la tasse devant elle et recula hors de son champ de vision. Joe suait de peur. Kay demanda d'une voix suppliante. Joe, pourrais-tu m'aider Si je te donnais dix mille dollars, crois-tu que tu pourrais tout arranger Elle attendit une seconde puis tourna brusquement la tête et planta son regard dans le sien. Il avait les yeux humides, il était en train de se lécher les lèvres. Au mouvement de Kate, il fit un pas en arrière, comme si elle l'avait frappé. Elle ne le quitta pas des yeux. Je viens de te prendre la main dans le sac, Joe. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame Va dans ta chambre et essaie de comprendre. Quand tu auras trouvé, reviens me voir. Tu comprends des tas de choses. Envoie-moi Thérèse, veux-tu il avait hâte de sortir de cette pièce où il venait d'être vaincu. Il avait tout gâché. Il se demanda si sa chance venait de lui échapper. Et cette garce qui avait le culot de lui dire. Merci d'avoir apporté le thé. Tu es un gentil garçon. Il aurait voulu claquer la porte, mais il n'osa pas. Kate se leva avec difficulté, car sa hanche lui faisait mal. Elle alla jusqu'à son bureau et prit une feuille de papier. Il lui était difficile de tenir un porte-plume. Elle écrivit en bougeant tout le bras. Cher Ralph. Dis au shérif de vérifier les empreintes de Joe Valery. Tu connais Joe. Il travaille chez moi. Bien à toi, Kate. Elle était en train de plier la feuille quand Thérèse entra avec des yeux de chien battu. Vous m'avez demandé Qu'est-ce que j'ai fait Je peux rien de mieux, madame. Je suis pas bien. Approche, dit Kate. Et pendant que la fille attendait à côté du bureau, Kate écrivit une adresse sur l'enveloppe et la timbra. Je voudrais que tu me fasses une petite course. Va chez Belle, acheter une boîte de cinq livres de crottes de chocolat et une autre d'une livre. La plus grosse sera pour toi et tes camarades. Puis, tu iras chez Kraut, m'acheter deux brosses à dents et un tube de pâte de dentifrice. Thérèse était nettement soulagée. Tu es une bonne petite, continua Kate. Je t'ai observée. Je suis malade, Thérèse. Si tu te tiens bien, tu me remplaceras pendant que je serai à l'hôpital. Vous. Vous allez aller à l'hôpital? Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais j'aurais besoin de toi. Voici de l'argent pour les chocolats. Et n'oublie pas les brosses à dents. Oui, madame. Merci. J'y vais tout de suite. Oui. Et sors sans faire de bruit. Il faut que les chocolats soient une surprise. Je vais sortir par derrière. Elle se dirigea vers la porte. Kate la rappela. Ah j'oubliais. Tu veux me jeter ça dans une boîte Mais oui, madame, sûrement. Rien d'autre Non, c'est tout, chérie. Lorsque la fille fut sortie, Kate posa ses bras et ses mains sur le bureau de façon que chacun des doigts tordus fût soutenu. Le moment était venu. Peut-être l'avait-elle toujours su. Sans doute. Mais ce n'était pas la peine d'y penser tout de suite. Elle y reviendrait. On allait emmener Joe, mais il y aurait quelqu'un d'autre. Et puis, Ethel existait toujours. Tôt ou tard, tôt ou tard. Inutile d'y penser tout de suite. Elle épia un feu follet qui apparaissait et se cachait. C'était lorsqu'elle avait pensé à son fils aux cheveux blonds que l'image s'était dessinée. C'était ce visage blessé, étonné, désespéré, qui avait réveillé le souvenir. Elle était une toute petite fille avec un visage aussi joli et aussi frais que celui de son fils. Une toute petite fille. Elle savait déjà qu'elle était plus jolie et plus intelligente que les autres. Mais il arrivait qu'une terreur l'enveloppât, car elle se croyait entourée par une forêt d'ennemis hauts comme des arbres. À ces moments-là, chaque pensée, chaque mot, chaque regard était destiné à la blesser, et elle n'avait nulle part où se cacher. Alors, elle pleurait de terreur car il n'y avait pas d'issue. Puis, un jour, elle lut un livre. Elle savait déjà lire à cinq ans. Elle se rappelait la couverture marron, déchirée, le titre en lettres d'argent et les pages sales. C'était Alice au pays des merveilles. Kate bougea lentement les mains et se souleva légèrement pour soulager ses bras. Elle se rappelait les illustrations. Alice avait de longs cheveux. Mais ce qui avait changé sa vie, c'était la bouteille sur laquelle était écrit ⁇ Bois-moi ⁇ C'était Alice qui lui avait appris cela. Lorsque la forêt de ses ennemis l'encerclait, elle n'était pas prise au dépourvu. Dans sa poche, elle avait une bouteille d'eau sucrée, et sur l'étiquette bordée de rouge était écrit ⁇ Bois-moi ⁇ Si elle en buvait une gorgée, elle devenait de plus en plus petite. Ses ennemis pouvaient toujours la chercher. Cathy était sous une feuille, ou cachée dans une fourmilière, et elle riait. Il ne pouvait pas la trouver. Nulle porte ne pouvait l'enfermer. Nulle porte ne pouvait l'empêcher d'entrer. Car elle pouvait passer sous les portes. Et toujours, Alice était là. Compagne de jeu. Alice qui l'aimait et avait confiance en elle. Alice était son amie. Toujours prête à la recevoir dans le royaume du minuscule. C'était si agréable. Si agréable que cela valait presque la peine d'être malheureux. Et puis, il y avait toujours autre chose en réserve. Une menace et une sécurité. Elle buvait toute la bouteille, elle s'évaporerait, disparaîtrait et cesserait d'exister. Et mieux que tout, lorsqu'elle cesserait d'être, elle n'aurait jamais été. Or, oh, la tous sécurité, parfois dans son lit, elle buvait assez de bois mois pour atteindre la taille d'une puce, mais elle n'avait jamais disparu et elle n'en avait pas eu besoin. C'était son issue, ignorée de tous. Kate secoua tristement la tête en se rappelant la petite fille. Elle se demanda pourquoi elle n'empruntait plus le couloir secret. Cela l'avait sauvée de bien des désastres. Comme la lumière était jolie, qui filtrait sous la feuille d'un trèfle. Cathy et Alice marchaient en se tenant par la taille, parmi les herbes, grandes comme des tours, les meilleures amies du monde. Et Cathy n'avait jamais été forcée de boire tout le bois, moi, car elle avait Alice. Kate posa son front sur le buvard, entre ses mains déformées. Elle avait froid, elle était seule, désolée. Quoi qu'elle eût pu faire, elle y avait été forcée. Elle était différente. Elle avait quelque chose de plus que les autres. Elle releva la tête et ne tenta même pas d'essuyer les larmes qui inondaient ses joues. C'était vrai. Elle était plus forte que les autres. Elle avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Le visage sombre de Cal flotta dans l'air devant elle et ses lèvres avaient un sourire cruel. Un poids l'écrasait, appuyant sur ses poumons. Ils avaient quelque chose qu'elle n'avait pas et elle ne savait pas ce que c'était. Lorsqu'elle eut compris cela, elle fut prête. Elle comprit qu'elle était prête depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Son cerveau fonctionnait comme un cerveau de bois. Son corps se mouvait par saccades, comme une marionnette mal actionnée. Mais elle fit tout ce qu'elle avait à faire. Il était midi, car les filles chahutaient dans la salle à manger. Ces feignantes venaient juste de se lever. Kate s'acharna après la poignée de la porte et dut finalement la tourner en la roulant entre ses paumes. Les filles s'étranglèrent au milieu de leur rire et ils la regardèrent. Le cuisinier entra à son tour. Kate était un fantôme malade, difforme et assez horrible. Elle s'appuya contre le mur de la salle à manger et sourit, ce qui effraya un peu plus les filles, car les lèvres de Kate semblaient ouvertes pour pousser un cri. Où est Joe demanda-t-elle. Il est sorti, madame. Écoutez, dit-elle, je n'ai pas dormi depuis longtemps. Je vais prendre un somnifère. Je ne veux pas être dérangée. Que l'on ne m'apporte pas le dîner, je veux faire le tour du cadran. Dites à Joe que je ne veux voir personne sous aucun prétexte avant demain matin. Compris? Oui, madame. Bonne nuit. Je sais que c'est l'après-midi, mais je peux bien dire bonne nuit. Bonne nuit, madame, répondit le cœur obéissant. Kate se retourna et marcha jusqu'à sa chambre, se déplaçant comme un crabe. Elle ferma sa porte, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis s'assit à son bureau. Cette fois, malgré la douleur, elle força la main à écrire en lettres bien formées. Je lègue tout ce que je possède à mon fils Aaron Trask. Elle data et signa. Catherine Trask. Ses doigts retombèrent, elle se leva et laissa son testament bien en vue sur le bureau. Elle emplit une tasse de thé froid, l'emporta dans sa chambre grise et la posa sur la table de lecture. Puis elle alla à sa coiffeuse, peigna ses cheveux, frotta un peu de rouge sur tout son visage, mit une légère couche de poudre et maquilla ses lèvres avec son rouge pâle habituel. Puis, elle se nettoya les ongles et les lima. Lorsqu'elle eut refermé la porte de la chambre grise, la lumière extérieure disparut, et il ne resta que la lampe de lecture qui projetait son cône sur la table. Elle arrangea ses oreillers et s'assit. Elle cala sa tête dans une position confortable, elle se sentait gaie, comme si elle allait à une fête. Elle souleva la chaîne, dévissa le petit tube et le secoua. La capsule tomba dans sa main, elle lui sourit. Mange-moi, dit-elle et elle mit la capsule dans sa bouche. Elle prit la tasse de thé. Bois moi, dit elle, et elle avala le thé froid et amer. Elle ne voulait penser qu'à Alice, si petite, et qui l'attendait. D'autres visages l'examinaient, de chaque côté de sa tête. Son père, sa mère, Charles, Adam, Samuel Hamilton, et puis Aaron. Et même Cal qui lui souriait. Il n'eut pas besoin de parler. Le sentiment de ses yeux disait Tu as ignoré quelque chose, ce qu'ils avaient en eux, tu ne l'as pas reconnue. Seule Alice comptait. Dans le mur gris en face d'elle, il y avait un trou laissé par un clou. Alice devait être là. Elle passerait son bras autour de la taille de Cathy. Cathy passerait son bras autour de la taille d'Alice. Et elles partiraient toutes les deux, les meilleures amies du monde, petites comme des têtes d'épingle. Ses bras et ses jambes s'engourdissaient. La douleur quittait ses mains. Ses paupières étaient lourdes, très lourdes. Elle bâilla. Elle pensa ou dit, Alice ne le sait pas. Je retourne dans le passé. Ses yeux se fermèrent et un violent malaise la secoua. Elle rouvrit ses yeux et regarda avec terreur autour d'elle. La chambre grise s'assombrit et le cône de lumière se déversa comme une eau courante. Et puis ses yeux se fermèrent à nouveau et ses mains se crispèrent, comme si elle agrippait de petits seins. Et puis son cœur battit solennellement, sa respiration ralentit et elle devint de plus en plus petite. Et puis elle disparut. Elle n'avait jamais été. Après que Kate lui renvoyé, Joe alla chez le coiffeur. C'était son remède contre les préoccupations. Il se fit couper et laver les cheveux, masser le cuir chevelu et le visage, appliquer un masque de boue, manucurer et cirer ses chaussures. D'habitude, ce petit traitement et l'emplette d'une nouvelle cravate remettaient Joe d'aplomb. Mais cette fois, en quittant le coiffeur, après un pourboire de 50 cents, il était toujours aussi déprimé. Kate l'avait pris au piège comme un rat. Elle l'avait pris la main dans le sac. Sa rapidité de réaction le laissait désemparer, et cette façon qu'elle avait de vous laisser le soin de comprendre ce qu'elle voulait dire n'arrangeait pas les choses. La soirée commença tristement, mais seize membres et deux maîtres de Sigma Alpha Epsilon de Stanford débarquèrent en provenance de San Juan. Ils étaient en pleine forme. Florence, qui fumait la cigarette au cours de son numéro de cirque, se mit à tousser. Chaque fois qu'elle essayait, elle toussait et la perdait. Et puis le poney étalon eut la diarrhée. Les étudiants poussaient des hurlements et se tapaient dans le dos pour manifester leur joie. Finalement, ils volèrent tout ce qui n'était pas solidement amarré. Après leur départ, deux des filles entamèrent une discussion monotone. Et Thérèse s'aperçut qu'elle avait un chancre. Seigneur, quelle nuit Et dire qu'au bout du couloir, derrière sa porte fermée, se tenait cet être secret et malfaisant. Joe alla écouter avant de se coucher, mais il n'entendit rien. Il ferma la maison à deux heures et demie et se coucha à trois heures. Mais il ne put dormir. Il s'assit dans son lit, lut sept chapitres de la victoire de Barbara Worth et, lorsque l'aube se leva, descendit à la cuisine se faire du café. Il but, les coudes sur la table, tenant la tasse à deux mains. Joe ne savait pas pourquoi ça avait mal tourné. Peut-être avait-elle appris qu'Ethel était morte. Il faudrait agir en douceur. Puis il prit une décision, résolu à s'y tenir. Il irait la voir à neuf heures. Et il tendrait l'oreille. Peut-être avait-il mal entendu. Le mieux serait de limiter ses ambitions. Disons qu'il demanderait mille dollars et mettrait les voiles. Et si elle répondait non, il mettrait les voiles de toute façon. Il en avait plein le dos de travailler avec les femelles. Il pourrait se trouver un petit boulot dans une maison de jeu de Reno. Des heures régulières et pas de femelles. Peut-être même pourrait-il avoir un appartement et le meubler avec de grands fauteuils et un canapé. Pas la peine de se casser la tête avec cette saloperie de ville. Peut-être même aurait-il intérêt à quitter l'état. Il pensa même partir sur-le-champ, se lever de table, monter l'escalier, deux minutes pour faire sa valise, salut tout le monde. Trois ou quatre minutes au plus. Pas un mot à personne. Il se laissa presque tenter. Peut-être que la combine des tels n'était pas aussi bonne qu'il l'avait cru. Mais mille dollars, c'était quelque chose. Autant attendre. Le cuisinier arriva de méchante humeur. Il avait un furoncle de la grosseur d'un œuf de pigeon. Et la peau de son cou était tendue et brillante comme de l'ivoire. Il ne pouvait supporter personne dans sa cuisine. Joe remonta dans sa chambre, bouquina un peu, puis fit sa valise. Il partirait, quel que fût le résultat. À neuf heures, il frappa à la porte de Kate et l'ouvrit. Son lit était vide. Il posa le plateau et se dirigea vers la chambre grise, frappa à plusieurs reprises, puis appela. Finalement, il ouvrit. Le cône de lumière éclairait la table de lecture. La tête de Kate était profondément enfouie entre les oreillers. Vous avez dormi ici toute la nuit dit Joe. Il s'approcha d'elle, vit ses lèvres décolorées et les yeux blancs entre les paupières à demi fermées. Il comprit qu'elle était morte. Il secoua la tête, sortit rapidement de la pièce pour s'assurer que la porte donnant sur le couloir était fermée, et rapidement il inspecta la commode, tiroir par tiroir, ouvrit les sacs à main, le petit coffret à côté du lit, puis il s'immobilisa. Elle n'avait rien même une brosse à cheveux à manche d'argent. Il retourna dans la pièce grise et examina la morte. Elle n'avait pas une bague, pas une broche. Puis il vit une petite chaîne autour de son cou et la souleva. Une petite montre en or, un petit tube et deux clés de coffre numéro 27 et 29. C'était donc ça putain, dit-il. Il fit glisser la montre le long de la chaîne et la mit dans sa poche. Il avait envie de lui écraser le nez d'un coup de poing. Puis il pensa au bureau le testament de deux lignes attira son attention. Ça pouvait se vendre. Il le mit dans sa poche. Dans le tiroir supérieur du bureau, il trouva une poignée de papiers, des factures et des reçus. En dessous, des polices d'assurance. En dessous encore, un petit agenda avec le dossier de chaque pensionnaire. Il le mit dans sa poche. Il enleva l'élastique qui entourait un paquet d'enveloppes marron, en ouvrit une et en tira une photographie. Au dos était écrit de l'écriture nette de Kate un nom une adresse et un titre. Joe rit de bon cœur. La voilà l'occasion. Il ouvrit encore deux ou trois enveloppes. Une mine d'or. Une vraie retraite pour la vieillesse. Regardez-moi le cul de ce conseiller municipal. Il remit l'élastique autour du paquet. Il trouva ensuite huit billets de dix dollars et un trousseau de clés. Il empocha le tout et au moment où il ouvrait un autre tiroir, renfermant du papier à écrire, de la cire et de l'encre, il entendit frapper. Il alla à la porte et l'entrebâilla. Le cuisinier dit Il y a un gars qui te demande. Qui Comment je le saurais Joe jeta un regard sur la pièce, enleva la clé, sortit, referma la porte et mit la clé dans sa poche. Il avait peut-être oublié quelque chose. Oscar Noble était debout dans le grand salon, coiffé de son chapeau gris, son ciré rouge boutonné jusqu'au cou. Il avait les yeux gris pâle, de la même couleur que ses moustaches. La pièce était dans une demi-obscurité. Les rideaux n'avaient pas encore été tirés. Joe entra d'un pas léger. Oscar demanda. C'est toi, Joe De la part de qui Le shérif voudrait te parler. Joe eut l'impression qu'on lui appliquait une vessie de glace sur l'estomac. Je suis fait demanda-t-il. Vous avez un mandat Mais non, dit Oscar. Il ne s'agit pas de ça. C'est pour un renseignement. Suis-moi. Bien sûr, dit Joe. Pourquoi pas Lorsqu'ils furent dans la rue, Joe frissonna. J'aurais dû prendre un manteau. Tu veux aller le chercher Pas la peine, dit Joe. Ils descendirent Castroville Street. Oscar demanda. Tu as un casier Joe garda le silence. Oui, dit-il enfin. Motif J'étais saoul, dit Joe. J'ai cogné un flic. Facile à vérifier, dit Oscar. Et il tourna au coin de la rue. Joe démarra comme un lapin, traversa la rue en direction du quartier chinois. Oscar dut enlever son gant et déboutonner son ciré pour sortir son revolver. Il tira une fois et manqua son coup. Joe poursuivit sa course en zigzag. Il avait déjà parcouru cinquante pas en direction d'un espace entre deux maisons. Oscar s'approcha d'un poteau télégraphique, plia le coude gauche, prit appui contre le poteau, enserra son poignet droit dans sa main gauche et tira en direction de la ruelle. Joe venait de l'atteindre. Il tomba en avant, les pieds en l'air. Oscar entra dans un café philippin pour téléphoner. Lorsqu'il en ressortit, il y avait déjà foule autour du corps. Chapitre 51 C'est en 1903 qu'Horace Quinn fut élu shérif à la place de Mr. Keefe. Il était depuis assez longtemps premier adjoint. La plupart des électeurs pensèrent avec raison que si Quinn faisait tout le travail, il devait jouir des avantages attachés à ce poste. Il le garda jusqu'en 1919. Pour nous qui avions grandi dans la province de Monterey, shérif et Quinn étaient synonymes. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il serait remplacé un jour. Mais l'âge était là. Il boitait à la suite d'une ancienne blessure. Nous savions qu'il était intrépide car il avait fait le coup de feu au cours de nombreux combats. Quinn avait le physique de l'emploi un large visage rose, des moustaches blanches en forme de corne et des épaules puissantes. En vieillissant, il prit de l'embonpoint, ce qui le rendait encore plus imposant. Il avait un très beau Stetson, une jaquette longue, et les dernières années, il porta son pistolet dans un étui sous selles. Sa ceinture cartouchière lui pesait trop sur l'estomac. Il connaissait bien sa province en 1903. En 1917, il n'en ignorait plus rien. Il faisait partie de la vallée au même titre que les montagnes. Depuis l'époque lointaine où Adam avait été blessé, Quinn avait suivi Kate de loin. À la mort de Fay, il avait soupçonné Kate, mais s'était rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup de chance de la faire condamner. Un shérif avisé ne tente pas l'impossible. Après tout, ce n'était que deux putains. Au cours des années qui suivirent, Kate joua franc jeu avec lui. Et il finit par éprouver un certain respect pour elle, puisqu'il doit y avoir des bordels autant entretenir de profitables relations avec leurs propriétaires. Chaque fois que Kate avait découvert un homme sous le coup d'un mandat d'arrêt, elle l'avait dénoncé. Le shérif Quinn et Kate s'entendaient bien. Le samedi après le Thanksgiving, vers midi, le shérif Quinn examina les papiers trouvés dans les poches de Joe Valery. La balle de trente-huit avait traversé le cœur et arraché deux côtes. Le trou de sortie était gros comme le poing. Les enveloppes marron étaient collées ensemble par du sang noir. Le shérif les humecta avec un mouchoir pour les séparer. Il lut le testament qui, plié, n'était ensanglanté qu'à l'extérieur. Il examina les photographies et soupira profondément. Dans chaque enveloppe reposait l'honneur d'un homme et la paix d'une vie. Bien utilisées, ces photos auraient pu entraîner une demi-douzaine de suicides. Mais Kate était sur la table de marbre de la maison Malheur. La formaline coulait dans ses veines et son estomac reposait dans un bocal, chez le juge d'instruction. Après avoir examiné toutes les photos, Quinn demanda un numéro de téléphone. Pouvez-vous venir à mon bureau Oui. Eh bien, abandonnez votre déjeuner. Oui, c'est important. Je vous attends. Quelques minutes plus tard, quand l'homme sans nom entra dans le bureau de la vieille prison, derrière la cour de justice, le shérif Quinn lui tendit le testament. Vous qui êtes notaire, dites-moi si ce papier a une valeur. Le visiteur lut les deux lignes et respira profondément par le nez. Est-ce qui je crois Oui. Si elle s'appelait Catherine Trask, si c'est bien là son écriture, et si Aaron Trask est son fils, ce testament est inattaquable. Quinn caressa le bout de sa moustache du revers de son index. Vous la connaissiez, n'est-ce pas Pas exactement. Je connaissais ses occupations. Quinn posa ses coudes sur la table et se pencha en avant. Asseyez-vous et parlons. Le visiteur approcha une chaise. Dès qu'il fut assis, ses doigts se mirent à jouer avec un bouton de sa veste. "Kate vous faisait-elle chanter demanda le shérif. "Pourquoi En voilà une question. Je vous la pose en ami. Vous savez qu'elle est morte. Vous n'avez plus rien à craindre. Je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir. Personne ne me fait chanter." Quinn sortit une photographie de son enveloppe, la retourna comme une carte maîtresse et la glissa sur le bureau. Son visiteur mit ses lunettes et sa respiration se fit sifflante. Seigneur, dit-il doucement, vous ne saviez pas qu'elle l'avait. Oh si, elle me l'avait fait savoir. Horace, pour l'amour du ciel, qu'allez-vous faire avec cela Quinn reprit la photo. Horace, qu'allez-vous en faire Les brûler. Le shérif prit les enveloppes et en fit un paquet régulier. C'est un jeu d'enfer, dit-il. Il y a de quoi faire sauter tout le pays. Quinn écrivit une liste de noms sur une feuille de papier. Puis il se leva en s'appuyant sur sa bonne jambe et se dirigea vers le poêle de fond de son bureau. Il froissa le Salinas Morning Journal, y mit le feu et l'introduisit dans le poêle. Lorsque tout le papier fut embrasé, il laissa tomber le paquet d'enveloppes sur la flamme et referma le couvercle du poêle. Le feu gronda et une lueur jaune brilla derrière le petit voyant du poêle. Quinn se frotta les mains comme si elles étaient sales. Les négatifs sont avec, dit-il. J'ai fouillé chez elle. Il ne reste aucune preuve. Son visiteur essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure enroué. "Merci Horace." Le shérif retourna à son bureau et prit sa liste. "Vous allez faire quelque chose pour moi. Voici une liste. Vous allez prévenir chacun de ces messieurs que j'ai brûlé les photos. Vous les connaissez tous, je le sais. Ils le prendront mieux venant de vous. Nous ne sommes pas des petits saints. Prenez-les séparément et dites-leur exactement ce qui s'est passé. Regardez. Il alla jusqu'au poêle ouvrit et tisonna les cendres jusqu'à ce qu'elles fussent réduites en poudre. Vous leur direz ceci. Le visiteur regarda le shérif, et Quinn comprit qu'aucun pouvoir au monde ne pourrait empêcher cet homme de le haïr. Jusqu'à la fin de leur jour, il y aurait une barrière entre eux, mais ils ne l'admettraient pas. Horace, je ne sais pas comment vous remercier. Et le shérif dit tristement. Cela n'en vaut pas la peine, c'est ce que j'aurais attendu d'un ami. Quelle ordure, dit doucement le visiteur. Et O.S. Quinn comprit qu'une partie de l'insulte lui était destinée. Il comprit aussi qu'il ne serait plus shérif longtemps. Ces hommes à l'âme coupable lui retireraient son poste. Ils y seraient forcés. Il soupira et s'assit. « Allez terminer votre déjeuner, dit-il. J'ai du travail. » À une heure moins le quart, le shérif Quinn tourna le coin de Main Street et de Central Avenue. À la boulangerie Renault, il acheta un pain blanc encore chaud, exhalant sa merveilleuse odeur de froment fermenté. Il s'agrippa à la rampe pour gravir les marches du perron des Trusques. Lee ouvrit la porte, un torchon noué autour de sa taille. Il n'est pas là, dit-il. Il va arriver. Je l'ai appelé à son bureau, je l'attends. Lee recula et conduisit le shérif dans le salon. Une bonne tasse de café? demanda-t-il. Je ne refuse pas. Je viens de le faire, dit Lee en se dirigeant vers la cuisine. Quinn examina la pièce confortable. Il n'avait plus envie de garder son emploi. Un médecin lui avait dit un jour, J'aime mettre un enfant au monde, car si je fais bien mon travail, il se traduit par de la joie. Le shérif avait souvent pensé à cette remarque. S'il faisait bien son travail, il se traduisait par de la douleur pour quelqu'un. Et le fait qu'il fût nécessaire ne lui paraissait plus un motif suffisant. Il se retirerait bientôt, qu'il le voulût ou non. Chaque homme cultive en lui un jardin secret, où il se retirera le jour de sa retraite pour y faire les choses qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir. Il y fera ses voyages. Il y lira les livres qu'il a prétendu lire. Pendant de nombreuses années, le shérif avait rêvé d'employer son temps à chasser, à pêcher, à se promener dans la chaîne Santa Lucia et à camper le long des rivières entrevues. Et maintenant que ce temps allait venir, il n'en avait plus envie. Dormir sur le sol serait douloureux pour sa jambe blessée. Il se rappelait combien un cerf est lourd à porter. Et puis franchement, il n'aimait pas le gibier. Mrs. Renault pouvait l'asperger de vin et le farcir d'épices. Tout compte fait, une vieille chaussure aurait le même goût. Accommodé de cette façon. Lee avait acheté un percolateur. Quinn entendit l'eau bouillonner contre le dôme de verre et il soupçonna Lee de lui avoir menti. Le café n'était pas fait. Le vieil homme s'était aiguisé l'esprit au cours de son travail. Ayant appris à observer, il pouvait évoquer un visage et le scruter, ainsi que des scènes complètes et des conversations échangées. Il pouvait les jouer comme un disque ou les passer comme un film. En pensant au gibier, il s'était mis à examiner le salon et se disait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Fauteuil recouvert d'un chine sa fleur, rideau de dentelle, dessous de table blanc exécuté au crochet et des coussins du canapé recouverts d'un tissu à motif voyant et impudent. C'était une pièce féminine dans une maison où ne vivaient que des hommes. Il pensa à son propre salon. C'était Mrs. Quinn qui avait choisi et acheté tout ce qui s'y trouvait, à part le porte-pipe. D'ailleurs, en y repensant, elle avait aussi acheté le porte-pipe. Le salon des Trask était féminin, mais trop, trop féminin. Une pièce de femme conçue par un homme. C'était outré. Ce devait être l'œuvre de Lee. Adam ne se rendait sans doute pas compte. Horace Quinn se rappela l'interrogatoire qu'il avait fait subir à Adam bien des années auparavant. Adam à l'agonie, avec son regard horrifié. Adam d'une honnêteté foncière. Au cours des années, ils avaient eu souvent l'occasion de se voir. Ils appartenaient tous deux à la franc-maçonnerie. Horace avait suivi Adam comme maître de loge, et ils portaient tous deux les insignes de leur distinction. Et puis, Adam s'était retiré de la communauté. Un mur invisible l'avait coupé du monde, un mur infranchissable derrière lequel il était prisonnier. Mais ce jour-là, le jour de l'interrogatoire, le mur n'était pas encore construit. Par sa femme, Adam avait fait connaissance avec le monde vivant. Horace s'imagina Kate sous les tubes de formaline, grise et lavée, des aiguilles dans la gorge. Adam était incapable de malhonnêteté, car il ne désirait rien. Il faut avoir des besoins à satisfaire pour être malhonnête. Le shérif se demanda ce qu'il se passait derrière le mur, quelles angoisses, quels plaisirs, quelles douleurs. Il changea de position dans son fauteuil pour soulager le poids qui appuyait sur sa jambe. La maison était silencieuse, seule la cafetière faisait du bruit. Adam mit longtemps à revenir de son bureau. Le shérif pensa avec amusement je deviens vieux, et cela ne me déplaît pas. Puis il entendit la porte d'entrée. Lis aussi, le shérif est là, dit-il. En guise d'avertissement, peut-être. Adam entra en souriant et tendit la main. Bonjour, Horace. Vous avez un mandat d'arrêt S'il n'était pas réellement gai, c'était parfaitement imité. Ça va demanda Quinn. Tout à l'heure, on m'avait parlé d'une tasse de café. Lee, dans sa cuisine, fit un bruit de vaisselle. Adam demanda Rien de grave, Horace Rien n'est jamais léger dans mon travail. Je vais attendre mon café, si vous permettez. Ne vous gênez pas pour Lee. Il entend tout, même à travers une porte fermée. Je ne lui cache rien. Cela m'est impossible. Lee entra avec un plateau. Il avait un petit sourire satisfait. Et lorsqu'il eut versé le café et qu'il fut sorti, Adam reposa sa question. Rien de grave, Horace. Je ne crois pas, Adam. Étiez-vous toujours marié à cette femme Adam s'immobilisa. Oui, dit-il. Pourquoi Elle s'est suicidée la nuit dernière. Le visage d'Adam se contracta. Ses yeux se gonflèrent de larmes. Il essaya de garder la bouche fermée, mais renonça, laissa tomber la tête entre ses mains, et il pleura. Ma pauvre chérie. Quinn se rassit sans faire de bruit. Après quelques instants, Adam releva la tête. Excusez-moi, Horace. Lee entra, posa une serviette entre les mains d'Adam, qui s'essuya les yeux et rendit la serviette à Lee. Je ne m'attendais pas à cela, dit Adam. Il avait l'air honteux. Que vais-je faire Je vais réclamer son corps, je l'enterrerai. C'est inutile, dit Horace, à moins que vous n'en sentiez l'envie. Je ne suis pas venu pour cela. Il sortit le testament plié de sa poche et le tendit. Adam eut un geste de répulsion. Est-ce son sang? Non, absolument pas. Lisez. Adam lut les deux lignes et son regard resta fixé sur le papier, puis au-delà. Il ne sait pas quelle est sa mère. Vous ne le lui avez jamais dit? Non. Seigneur, dit le shérif. Adam continua avec une sorte de conviction. Je suis sûr qu'il ne voudrait rien accepter venant d'elle. Déchirons cela et oublions-le. Je crains que ce soit impossible, dit Queen. J'ai déjà commis quelques illégalités. Elle avait un coffre-fort. Inutile de vous dire que j'ai eu le testament et la clé. Je suis allé à la banque, je n'ai pas attendu un arrêté de la cour. Il ne voulait pas dire à Adam qu'il craignait d'y trouver d'autres photographies. Le vieux Bob m'a laissé ouvrir le coffre. Nous pourrons toujours le nier. Il y avait plus de cent mille dollars en liquide. Il y avait aussi des actions, mais absolument rien d'autre. Rien? Si. Un acte de mariage. Adam se laissa aller dans son fauteuil. Après avoir fait quelques pas dans le monde extérieur, il retournait derrière son mur. Il vit son café et en but une gorgée. Quel conseil me donnez vous? demanda-t-il d'une voix indifférente. Je ne puis vous donner qu'un avis personnel, répondit Quinn. Vous n'êtes pas forcé de le suivre. Faites appeler votre fils immédiatement. Racontez-lui tout en détail, dites-lui pourquoi vous le lui avez caché jusqu'à présent. Quel âge a-t-il 17 ans. C'est un homme, il faudra bien qu'il encaisse un jour ou l'autre, autant qu'il apprenne tout d'un coup. Cal est au courant, dit Adam. Je me demande pourquoi il a testé en faveur d'Aaron. Dieu seul le sait. Alors que faites-vous N'ayant pas d'idée, je vais suivre la vôtre. Pouvez-vous rester avec moi Évidemment. Lis, appela Adam. Dites à Aaron que je voudrais le voir. Il est rentré, n'est-ce pas Lee s'arrêta à la porte. Ses lourdes paupières se fermèrent un instant, puis se rouvrirent. Pas encore. Peut-être est-il reparti pour le collège Il me l'aurait dit. Vous comprenez, Horace, nous avons bu beaucoup de champagne pour le Thanksgiving. Où est Cal Dans sa chambre, dit Lee. Lui de descendre. Il saura, lui. Cal avait le visage fatigué et les épaules affaissées. Mais son expression était dure, fermée, méfiante, agressive. Adam lui demanda. Sais-tu où est ton frère? Non, je ne sais pas, dit Cal. Tu ne l'as pas vu du tout? Non. Il n'est pas rentré depuis deux nuits? Où est-il? Je n'en sais rien, dit Cal. Est-ce que je suis là pour veiller sur lui? Adam baissa la tête, son corps se tassa, il sembla frissonner. Dans le fond de ses yeux, une petite étincelle d'un bleu incroyablement brillant s'alluma. Il dit d'une voix sourde. Peut-être est-il retourné au collège? Ses lèvres articulaient comme des lèvres gercées et son timbre était celui d'un somnambule. Crois-tu qu'il soit retourné au collège Le shérif Quinn se leva. Nous ne sommes pas pressés. Reposez-vous, Adam. Vous avez reçu un choc. Adam leva les yeux sur lui. Un choc Ah oh, oui. Merci, Georges. Merci beaucoup. Georges Merci beaucoup, dit Adam. Après le départ du shérif, Cal retourna dans sa chambre. Adam se tassa dans son fauteuil, et bientôt il s'endormit. La bouche ouverte, il se mit à ronfler. Lee l'observa un moment avant de retourner dans sa cuisine. Il souleva la corbeille à pain et prit un petit volume, relié pleine peau, dont le titre, en lettres d'argent, était presque complètement effacé. C'était une traduction anglaise des Méditations de Marc Aurèle. Lee essuya ses lunettes à monture d'acier avec un torchon. Il ouvrit le livre et le feuilleta, puis il sourit, cherchant consciencieusement à se rassurer. Il lut lentement en bougeant les lèvres. Tout n'existe que pour un jour. Ce qui se souvient est ce dont on se souvient. Observe que toute chose ne prend place que par changement, et accoutume-toi à considérer que la nature n'aime rien tant que de changer ce qui est, pour le remplacer par ce qui lui ressemble, car tout ce qui existe est la semence de ce qui sera. Lis, jete un coup d'œil au bas de la page. Tu mourras bientôt, et tu n'es pas pour autant simple et libéré des perturbations. Tu n'es pas sans chercher à l'extérieur les raisons de tes blessures. Tu n'es pas bien disposé à l'égard de tous, et la sagesse ne consiste point à agir avec équité. L'île leva les yeux et il répondit au livre, comme il aurait répondu à l'un de ses vénérables parents. C'est vrai, dit-il, c'est très dur. Excusez-moi, mais n'oubliez pas que vous avez dit aussi prends toujours le chemin le plus court, car c'est le chemin naturel. Ne l'oubliez pas. Il laissa filer les pages le long de son pouce et s'arrêta à la page de garde, sur laquelle était écrit, avec un gros crayon de charpentier, Samuel Hamilton. Lee se sentit mieux. Il se demanda si Samuel avait cherché son livre, s'il savait qui le lui avait volé. Lee avait trouvé que c'était le moyen le plus pur et le plus propre de se l'approprier. Il n'éprouvait aucune honte. Du bout de ses doigts, il caressa le cuir doux avant de remettre le livre sous le panier à pain. Puis il se dit. « Je suis bien sûr qu'il savait. Qui d'autre aurait pu voler Marc Aurel? Il retourna dans le salon et tira une chaise auprès d'Adam endormi. Dans sa chambre, Cal était assis à son bureau, la tête entre les mains, les paumes sur les tempes. Il avait la nausée et l'odeur aigre douce du whisky l'enveloppait. Elle habitait les pores de sa peau, ses vêtements. Elle traçait un cercle de feu autour de sa tête. Cal n'avait jamais bu. Il n'en avait jamais ressenti le besoin. La visite chez Kate n'avait pas soulagé sa douleur et sa revanche n'avait pas été un triomphe. Ses souvenirs n'étaient que des nuages tourbillonnants, des fragments de sons, de visions et de sensations. Il n'arrivait pas à définir ce qui était vrai et ce qui avait été imaginé. En sortant de chez Kate, il avait mis la main sur l'épaule secouée de sanglots de son frère, et Aaron l'avait envoyé rouler à terre d'un coup de poing. Aaron était resté debout dans l'obscurité, puis il était parti, en courant, pleurant comme un enfant malheureux. Cal se rappelait les sanglots rauques et les pas éperdus. Carl était resté allongé là où il était tombé à côté du Grand Troën, dans le jardin de Kate. Il avait entendu les locomotives souffler et siffler, et le bruit lourd des wagons sur les butoirs. Il avait fermé les yeux, mais en entendant des pas légers, il les avait rouverts. Quelqu'un s'était penché sur lui, peut-être Kate. La silhouette s'était éloignée sans bruit. Alors Cal s'était relevé, avait frotté ses vêtements et s'était dirigé vers Main Street, surpris d'avoir le cœur à chanter. Il pousse une rose dans le Nomensland, et il est merveilleux de voir. Le vendredi, Cal traîna toute la journée. Le soir, Joe Laguna acheta la bouteille de whisky. Cal était trop jeune. Joe aurait bien accompagné Cal, mais il jugea satisfait avec le dollar que Cal lui donna pour acheter une bouteille de Grappa. Cal se dirigea vers la ruelle derrière la maison des Habottes, et retrouva le coin d'ombre d'où il avait vu sa mère la première fois. Assis à terre, malgré la nausée et le dégoût, il se força à boire le whisky. Il vomit deux fois, mais continua de boire jusqu'à ce que la terre se mette à danser et que les réverbères entament une valse majestueuse. La bouteille lui glissa des mains et il sombra dans l'inconscience. continuant à vomir. Un chien bâtard à poil ras, l'air sérieux, la queue en l'air, descendit la ruelle, faisant une station à chaque pilier. Lorsqu'il eut senti Cal, il l'évita en faisant un grand cercle. Joe Laguna trouva Cal et le sentit à son tour. Puis il prit la bouteille couchée à côté de la jambe de Cal et l'éleva dans la lumière. Elle était encore pleine au tiers. Il chercha le bouchon et ne le trouva pas. Alors il s'éloigna, son pouce sur le goulot pour que le whisky ne gicle pas à l'extérieur. À l'aube, Cal fut réveillé par la gelée. Il ouvrit les yeux sur un monde de cauchemars, et il se traîna chez lui comme un pantin désarticulé. La maison était proche. Il n'avait que l'allée à remonter et la rue à traverser. Lee l'entendit entrer buté contre tous les meubles et tombé sur son lit. La tête de Cal semblait sur le point d'exploser, mais il était parfaitement conscient. Il n'offrait aucune résistance à la douleur et n'avait aucun moyen de se protéger contre la honte. Il fit de son mieux. Il prit un bain glacial, se racla le corps avec un bloc de pierre ponce, et la brûlure lui parut bienfaisante. Il savait qu'il devait avouer sa faute à son père et demander son pardon. Il savait qu'il devait s'humilier devant Aaron non seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de sa vie. À ce prix-là seulement, il pourrait vivre. Et pourtant, lorsqu'on l'appela et qu'il se trouva devant le shérif Quinn et son père, il était aussi féroce qu'un chien affamé, et il projetait sur tout ce qui l'entourait la haine qu'il éprouvait pour lui-même. Il n'était qu'un roquet vicieux, mal aimé, mal aimant. Lorsqu'il fut de retour dans sa chambre, son crime l'assaillit, et il n'avait pas d'armes pour lutter. Soudain, il eut peur pour Aaron. Il était peut-être blessé. Aaron ne pouvait pas se défendre. Il devait aller le chercher, le retrouver et reconstruire le monde qu'il avait détruit, même si Cal devait y perdre la vie. Alors, l'idée de sacrifice s'implanta en lui et fleurit comme dans toute conscience coupable. Peut-être un sacrifice ramènerait-il Aaron. Cal prit le paquet plat caché sous ses chemises. Il chercha dans la pièce et trouva une soucoupe de porcelaine qu'il posa sur son bureau. Il respira avidement l'air frais du matin. Il prit un des billets craquants. Le plia en deux, puis gratta une allumette et enflamma le billet. L'épais papier se gondola et noircit. La flamme monta et c'est seulement quand elle fut près d'atteindre ses doigts que Cal lâcha le billet dans la soucoupe. Il prit un autre billet et l'enflamma. Au sixième, Lee entra sans frapper. J'ai senti de la fumée, dit-il. Puis il vit d'où elle provenait. Oh, fit-il. Cal se retourna, prêt à la lutte, mais Lee croisa les mains sur son ventre et resta debout, silencieux, attentif. Cal enflamma billet après billet, jusqu'à ce qu'ils fussent tous brûlés, puis il écrasa les cendres pour en faire une poudre noire, et attendit les commentaires de Lee. Mais Lee ne parla pas, ni ne bougea. Enfin Cal dit. Vas-y, tu veux me parler Eh bien, parle. Non, dit Lee, tu te trompes. Et si tu n'as pas besoin de me parler, je resterai un moment, et puis je m'en irai. Je vais m'asseoir là. Il se posa sur une chaise, croisa les mains, et attendit. Une sorte de sourire intérieur l'illuminait. Il avait cette expression que l'on dit impénétrable. Cal lui tourna le dos. Je peux rester assis plus longtemps que toi. Si nous faisons un match, peut-être, dit-il. Mais dans le cours des jours, des ans, et qui sait des siècles, peut-être non. Cal, je te battrai. Après quelques instants, Cal lança aigrement. Tu peux commencer ton serment. Ce n'est pas mon intention. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors tu sais ce que j'ai fait, et tu sais que je me suis saoulé hier soir. Je soupçonnais ton premier crime. Quant au second, je le sens. Tu le sens Tu es empuanti. C'est la première fois, dit Cal, et je n'aime pas ça. Moi non plus, Lily. Mon estomac ne supporte pas l'alcool, et puis cela me rend badin. Intellectuel, mais badin. Comment cela, Lily Je puis te donner un exemple. Lorsque j'étais jeune, je jouais au tennis. Cela me plaisait. Et c'est une excellente distraction pour un domestique. Il peut jouer en double avec son maître, et même s'il n'en est pas remercié pour les fautes qu'il rattrape, il y gagne quelques dollars. Un jour, où j'avais trop goûté aux cerises à l'eau de vie, je développai la théorie que l'animal le plus rapide et le plus fuyant de la Terre est la chauve-souris. Je fus appréhendé au milieu de la nuit dans le clocher de l'église méthodiste de San Leandro. J'avais une raquette à la main et je crois que j'expliquais à l'agent de police qui m'arrêta que je voulais améliorer mon revers sur les chauves-souris. Kal rit avec tant de plaisir que Lee regretta que son histoire ne fût pas vraie. Kal dit. Je me suis assis derrière un pilier et j'ai bu comme un cochon. Les animaux. J'avais peur de me tirer une balle dans la tête si je ne me saoulais pas, interrompit Kal. Tu n'aurais jamais fait cela, tu as l'âme trop noire, dit Lee. Au fait, où est Aaron Il est parti en courant, et je ne sais pas où. Il a l'âme blanche, lui. Je sais, j'y ai pensé. Tu crois qu'il se serait tué Lee dit avec dédain C'est admirable. Chaque fois que quelqu'un veut se rassurer, il demande à un ami de partager son opinion. Ça revient à demander à un boucher si sa viande est bonne. Comment veux-tu que je te réponde Cal demanda Pourquoi ai-je fait cela Ne complique pas les choses, répondit Lee. Tu sais très bien pourquoi. Tu lui en voulais parce que ton père t'avait blessé. Ce n'est pas difficile. Tu as agi bassement. Pourquoi Je ne veux pas faire le mal. Aide-moi, Lee. Une seconde, j'ai cru entendre ton père. Lee se précipita vers la porte. Cal entendit des voix en bas, puis Lee revint. Il va à la poste, nous ne recevons jamais de courrier l'après-midi. Personne n'en reçoit, et pourtant tous les hommes de Salinas vont à la poste l'après-midi. Ils boivent peut-être un verre en chemin. C'est plutôt une habitude et une sorte de repos. Ils voient leurs amis, puis Lee ajouta Cal, ton père m'inquiète, il a l'air hébété. Oh, j'oubliais. Tu ne sais pas, ta mère s'est suicidée hier soir. Ah oui dit Cal. Puis il ricana. J'espère qu'elle a souffert. Non, je ne voulais pas dire ça. Je ne veux pas le penser. Voilà que ça recommence. Non, je ne veux pas. Lee se gratta un endroit de la tête et cela lui déclencha une démangeaison de tout le cuir chevelu. Alors il se gratta toute la tête, en prenant son temps. Cela lui donnait l'air de réfléchir profondément. Il demanda. Est-ce que d'avoir brûlé tous les billets t'a procuré un grand plaisir je, je crois. Et est-ce que tu prends plaisir à te châtier comme tu le fais Est-ce que tu te complais dans ton désespoir Lis Tu es très présomptueux. Tu t'émerveilles au spectacle tragique qu'offre Caleb Trask. Caleb le magnifique. L'unique Caleb. Caleb dont les souffrances devraient avoir leur Homère. T'es-tu jamais dit que tu n'étais qu'un morveux Mesquin parfois Incroyablement généreux d'autrefois Souillé par ses actes et d'âme innocente, peut-être possèdes-tu plus d'énergie, mais seulement de l'énergie, que bien d'autres. Mais à part cela, tu ressembles à tous les autres morveux. Est-ce que tu te prends au sérieux? Est-ce que tu te prends pour un personnage sublime parce que ta mère est une prostituée? Et si quelque chose était arrivé à ton frère, est-ce que tu endosserais le costume brillant de l'assassin? Morveux. Cal retourna lentement s'asseoir à son bureau. Lee l'observa. Retenant sa respiration comme un médecin qui attend l'effet de sa piqûre. Cal, transparent, exprimait tout ce qu'il ressentait, le frémissement sous l'insulte, la belligérance, puis la vexation, et enfin un début d'apaisement. Lee soupira. Il avait agi durement, tendrement, et son remède semblait bienfaisant. Il dit doucement Nous sommes un peuple violent cal. Trouves-tu étrange que je me compte parmi vous Oui. Nous descendons des inquiets, des fous, des criminels, des batailleurs et des fanfarons, mais nous avons aussi le sang des braves, des indépendants et des généreux. Le sang de ceux qui ont refusé de mourir dans le vieux monde sur une terre fatiguée. Cal tourna la tête vers Lee, et son visage était détendu. Il sourit, et Lee comprit que le garçon n'était pas complètement dupe. Cal savait que Lee lui avait administré un remède, un excellent remède, et il était reconnaissant. Lee continua. Voilà pourquoi je me compte parmi vous. Nous avons tous cet héritage, quelle que soit la vieille terre d'où sont partis nos pères. Les Américains, métissés ou mélangés, présentent à peu près les mêmes traits de caractère. C'est une race sélectionnée par accident. Nous sommes inutilement braves et froussards. Nous sommes doux et cruels comme des enfants. Nous lançons notre amitié à la tête des gens et en même temps nous nous méfions des étrangers. Nous bluffons et nous nous en laissons compter. Nous donnons dans la sensiblerie et nous sommes réalistes. Nous sommes fleurs bleues et matérialistes. Et connais-tu un autre peuple qui, plus que le nôtre, obéisse à ses idéaux Nous mangeons trop. Nous n'avons ni goût ni sens des proportions. Nous gaspillons notre énergie. Dans les vieux continents, on dit de nous que nous passons de la barbarie à la décadence, sans l'apogée intermédiaire de la culture. N'y a-t-il donc pas de canon de notre langage et de notre culture Voilà ce que nous sommes, Cal. Tous autant que nous sommes. Et tu n'es pas très différent. Continue, dit Cal. Et il sourit. Continue à passer le temps. Ce n'est plus nécessaire, dit Lee. J'ai fini. Je voudrais bien que ton père revienne. Il m'inquiète. Et Lee sortit nerveusement. Dans l'entrée, à côté de la porte, il trouva Adam adossé au mur, son chapeau rabattu sur les yeux, les épaules tombantes. Qu'y a-t-il, Adam Je ne sais pas. Je me sens fatigué. Fatigué. Lee le prit par le bras et le guida vers le salon. Adam se laissa tomber dans son fauteuil, et Lee lui enleva son chapeau. Adam frotta le dos de sa main gauche avec sa main droite. Il avait un regard étrange, très lumineux, mais fixe. Ses lèvres étaient sèches, gonflées, et sa voix semblait venir de très très loin. Il se frotta violemment la main. C'est bizarre, dit-il. Je me suis évanoui à la poste. Ça ne m'était jamais arrivé. Mr. Pioda m'a aidé à me relever. Cela n'a duré qu'une seconde. Je ne m'étais jamais évanoui. Lee demanda. Y avait-il du courrier Oui. Oui, je crois qu'il y en avait. Il porta sa main gauche à la poche, puis la ressortit. Ma main est comme engourdie, dit-il, comme pour demander qu'on l'excusât. Et il fouilla dans sa poche de sa main droite. Il tendit une carte jaune en franchise militaire. Je croyais l'avoir lue, dit-il. Je, je dois l'avoir lue. Il la porta devant ses yeux, puis la laissa tomber sur ses genoux. Lis. Il va falloir que je porte des lunettes. Je n'en avais jamais eu besoin, mais je ne peux pas lire. Les lettres se mettent à danser. Voulez-vous que je lise C'est drôle. Il va falloir que je me procure des lunettes. Que dit cette carte Lis, lu Cher papa, je suis dans l'armée. J'ai dit que j'avais 18 ans. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Aaron. C'est drôle, dit Adam. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Mais je dois me tromper. Il se frotta la main. Chapitre 52 Effrayant et sombre hiver 1917-1918. Les Allemands broyaient tout sur leur passage. L'armée britannique eut 300 mille blessés en trois mois. De nombreux régiments français se mutinaient. La Russie ne luttait plus. Les divisions allemandes de l'Est, reposées et rééquipées, étaient jetées sur le front Ouest. La guerre semblait sans espoir. Il fallut attendre le mois de mai. Pour que nous ayons douze divisions en état de combattre. L'été était déjà entamé quand nos troupes traversèrent l'océan. Les généraux alliés luttaient entre eux. Les sous-marins coulaient nos transports. Nous apprîmes que la guerre n'est pas une charge héroïque et rapide, mais une affaire lente et incroyablement compliquée. Notre morale fut bien bas durant cet hiver. Nous avions perdu l'enthousiasme et nous n'avions pas appris l'obstination. Ludendorff était imbattable. Rien ne l'arrêtait. Il lançait attaque sur attaque contre les armées épuisées de la France et de l'Angleterre, et la peur nous prenait d'arriver trop tard et de nous trouver seuls contre l'invincible Allemagne. Les gens cherchaient à oublier la guerre, certains dans le rêve, d'autres dans le vice, et d'autres dans une gaieté artificielle. Les dix heures de bonne aventure étaient à la mode, et les débitants d'alcool bâtissaient des fortunes. Certains pour échapper à la peur environnante et au découragement, se refermer sur eux-mêmes avec leur joie et leur tragédie. N'est-il pas étrange qu'aujourd'hui nous ayons oublié tout cela Nous nous rappelons la Première Guerre mondiale comme une rapide victoire, avec des drapeaux et des fanfares, des défilés, des chahuts, des combattants acclamés et des bagarres dans les bars contre ce prétentieux Anglais qui croyait avoir gagné la guerre. Comme nous avons vite oublié cet hiver où Ludendorff régnait et où bien des gens se préparaient à accepter une défaite. Adam Trask était désemparé. Il n'eut pas besoin de démissionner, on lui accorda un repos pour maladie. Pendant des heures, il se frottait le dos de la main avec une brosse dure et la trempait dans l'eau chaude. C'est la circulation, disait-il. Dès que le sang circulera, tout ira mieux. Ce sont mes yeux qui m'inquiètent. Je n'avais jamais eu d'ennui jusqu'ici. Il va falloir que je me fasse examiner. Moi, porter des lunettes, j'aurais du mal à m'y habituer. J'irai bien chez l'oculiste aujourd'hui mais je me sens légèrement étourdi. Il était plus touché qu'il ne voulait l'admettre. Il ne pouvait se déplacer dans la maison sans prendre appui contre un mur. Lee l'aidait à se lever de son fauteuil et de son lit, ou à nouer les lacets de ses chaussures, car il ne pouvait se servir de sa main gauche engourdie. Chaque jour, ou à peu près, il parlait d'Aaron. Je comprends qu'un jeune homme veuille s'engager, disait-il. Si Aaron m'avait demandé mon avis, j'aurais essayé de l'en dissuader, mais je ne lui aurais pas interdit. Vous le savez bien, Lee. Je le sais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est parti sans un mot. Pourquoi n'écrit-il pas? Je croyais mieux le connaître. A-t-il écrit à Abra? Il lui a sûrement écrit. Je le lui demanderai. C'est cela. Tout de suite. L'entraînement est fatigant. C'est ce que l'on m'a dit. Peut-être n'a-t-il pas le temps. Ce n'est pas long d'écrire une carte. Quand vous étiez dans l'armée, écriviez-vous à votre père? Vous croyez me poser une question embarrassante. Non, je n'écrivais pas. Mais j'avais une raison. Je ne voulais pas m'engager. C'est mon père qui m'y a forcé. Je lui en voulais. Vous voyez, j'avais une bonne raison. Mais Aaron, il travaillait si bien au collège. Ils ont écrit en demandant de ses nouvelles. Vous avez lu la lettre. Il n'a emporté aucun vêtement, pas même la montre en or. Il n'a pas besoin de vêtements et encore moins de montre en or. Tout est kaki et terne dans l'armée. Vous avez raison. Mais je ne comprends pas. Il faut que je fasse quelque chose pour mes yeux vous ne pouvez pas tout le temps lire à ma place ses yeux l'inquiétaient vraiment je vois les lettres disait-il mais elles n'arrivent pas à former un mot très souvent au cours de la journée il prenait un journal ou un livre le tenait devant ses yeux puis l'abandonnait pour l'empêcher de penser à autre chose lee lui lisait tous les journaux et très souvent adam s'endormait en se réveillant il demandait lee est-ce toi cal je n'ai jamais eu mal aux yeux demain j'irai me faire examiner à la mi-février, Cal entra dans la cuisine et dit, Lee, il en parle tout le temps. Conduisons-le chez l'oculiste. Lee était en train de faire des confitures d'abricots. Il quitta son fourneau pour aller fermer la porte de la cuisine, puis revint vers Cal. Il ne faut pas qu'il y aille. Pourquoi? Je ne crois pas que cela provienne de ses yeux. Et s'il l'apprend, cela risque de le troubler davantage. Il faut qu'il se repose encore. Il a reçu un choc. Il faut d'abord qu'il s'en remette. Je préfère passer mes journées à lui faire la lecture. Que crois-tu que ce soit Je ne tiens pas à le dire. Peut-être le docteur Edwards pourrait-il passer un jour, par hasard Fais comme tu voudras, dit Cal. As-tu revu Albra Évidemment, mais elle m'évite. Il doit y avoir un moyen de l'approcher. Oui, je peux la jeter à terre, lui mettre un coup de poing sur le nez et la forcer à me répondre, mais je m'y refuse. Il y a d'autres méthodes. Quelquefois la barrière est si fragile qu'il suffit d'y toucher pour qu'elle tombe. Il faut que tu lui parles. Dis-lui que je veux la voir. Je refuse. Tu dois te sentir bien coupable. Cal ne répondit pas. Tu ne l'aimes pas. Cal ne répondit pas. Si tu le gardes pour toi, tu auras de mal en pis. Tu ferais mieux d'ouvrir ton cœur. Veux-tu que je dise à mon père ce que j'ai fait Si tu me le conseilles, j'obéirai. Non, Cal, pas maintenant. Mais lorsqu'il ira mieux, ce sera nécessaire nécessaire pour toi. C'est un fardeau trop lourd. Il t'écraserait. Tu en mourrais. Peut-être ai-je mérité de mourir. Suffit dit sèchement Lee. Voilà bien la forme la plus mesquine d'indulgence envers soi-même. Suffit Et comment faire pour oublier Lee songea de sujet. Je ne comprends pas pourquoi Ebra n'est pas venue ici. Elle n'a plus de raison de venir. Cela ne lui ressemble pas. Il y a quelque chose de louche. L'as-tu vu Cal fronça les sourcils. « Je viens de te le dire. Toi aussi, tu deviens fou. Trois fois, j'ai essayé de lui parler. Elle m'a évité. »« C'est étrange. C'est une femme franche et saine. »« C'est une fille, » dit Cal. « Ça fait drôle de t'entendre l'appeler une femme. »« Non, » dit doucement Lee. « Certaines naissent femmes. Ebro a le charme de la femme, son courage, sa force et sa sagesse. »« Je suis persuadé qu'il n'y a en elle ni petitesse, ni vilainie, ni même futilité. » à moins que la futilité ne rehausse sa beauté. Tu penses beaucoup de bien d'elle. Suffisamment pour savoir qu'elle ne nous aurait pas désertés. Elle me manque. Demande-lui de venir me voir. Je te dis qu'elle me fuit. Eh bien, cours-lui après. Dis-lui que je veux la voir, qu'elle me manque. » Karl demanda. « Veux-tu que nous parlions des yeux de papa ?»« Non, » répondit-il. « Veux-tu que nous parlions d'Aaron ?»« Non. » Tout le jour suivant, Cal essaya de rencontrer Ebra, et c'est seulement en sortant de classe qu'il la vit devant lui, rentrant chez elle. Il prit une rue de traverse, puis une rue parallèle, se mit à courir, et lorsqu'il jugea qu'elle devait être à peu près au bout de la rue, il tourna le coin à son tour. Bonjour, dit-il. Bonjour, je croyais t'avoir vu derrière moi. C'est vrai. J'ai fait le tour du pâté de maison pour te rencontrer de face. Il faut que je te parle. Elle le regarda gravement. Ce n'était pas nécessaire de faire de la course à pied. J'ai essayé de te parler à l'école. Tu m'as évité. Tu avais l'air d'un fou. Je ne voulais pas parler à un fou. Est-ce que ça se voyait? Oui, à ton visage et à ta façon de marcher. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. C'est vrai. Veux-tu porter mes livres? demanda-t-elle en souriant. Il répondit chaleureusement. Oui, oui, avec plaisir. Il mit les livres sous son bras et se mit en marche à côté d'Elbra. Lee voudrait te voir. Il m'a demandé de te le dire. Elle était ravie. C'est vrai Dis-lui que je viendrai. Comment va ton père Pas très bien. Il a mal aux yeux. Ils marchèrent en silence, mais Cal bientôt n'y tint plus. Tu sais, au sujet d'Aaron Oui. Ouvre mon livre d'histoire et regarde la première page. Cal trouva une carte postale. Cher Ebra, je suis souillé. Je ne suis pas fait pour toi. Ne regrette rien. Je suis dans l'armée. Ne va pas voir mon père. Au revoir, Aaron. Cal referma violemment le livre. Petit salaud, dit-il dans un souffle. Comment? Rien. J'ai entendu ce que tu as dit. Sais-tu pourquoi il est parti? Non. Je pourrais le savoir. Il me suffirait de chercher. Mais je ne veux pas. Je ne suis pas prête. À moins que tu ne veuilles me le dire. Soudain, Cal demanda. Abra, est-ce que tu me détestes? Non, Cal. Mais toi, tu me détestes un peu. Pourquoi J'ai peur de toi. Il n'y a aucune raison. Je t'ai fait plus de mal que tu ne le crois, et tu es la fiancée de mon frère. Tu m'as fait du mal Je ne suis pas la fiancée de ton frère. Très bien, dit-il amèrement, je vais te dire. Et n'oublie jamais que c'est toi qui me l'as demandé. Notre mère était une prostituée. Elle avait une maison dans cette ville. Je l'ai appris il y a longtemps. La nuit du Thanksgiving, j'ai amené Aaron là-bas, et je lui ai montré sa mère. Ebra le coupa. Qu'a-t-il fait Il est devenu furieux, fou furieux. Il l'a injurié. Puis dehors, il m'a flanqué un coup de poing et il est parti. Notre chère mère s'est suicidée. Mon père, il est malade. Maintenant, tu me connais. Maintenant, tu as une raison de me fuir. Maintenant, je le connais, dit-elle calmement. Mon frère Oui, ton frère. Il était bon. Pourquoi ai-je dit était Il est bon. Il n'est ni vil ni souillé, comme je le suis. Ils avaient ralenti leur marche. Ebra s'arrêta. Cal aussi. Elle se mit en face de lui. Cal, dit-elle. Je savais au sujet de ta mère depuis très longtemps. C'est vrai? J'ai entendu mes parents parler alors qu'ils croyaient que je dormais. Je voudrais t'avouer quelque chose. C'est à la fois difficile et agréable. Tu le veux vraiment? Il le faut. Cela ne fait pas tellement longtemps que je ne suis plus une petite fille. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, dit Cal. Tu es sûr de comprendre? Oui. Tant pis. Ce sera d'autant plus difficile. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Je n'aime plus Aaron. Pourquoi Je vais essayer de te l'expliquer. Quand nous étions enfants, nous vivions une histoire que nous avions fabriquée. Mais j'ai grandi. Et l'histoire n'est plus suffisante. Il me faut autre chose. L'histoire n'est plus vraie. Mais... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Aaron, lui, n'a pas grandi. Peut-être restera-t-il un enfant toute sa vie. Il veut vivre son histoire telle qu'il l'a rêvée. Il ne peut pas supporter qu'elle prenne une autre direction. Mais et toi Je ne veux pas savoir comment elle se déroulera. Tout ce que je veux, c'est la vivre. Depuis longtemps, nous étions comme des étrangers. Nous gardions l'histoire parce que nous étions habitués, mais je n'y croyais plus. Mais et Aaron Lui, il veut qu'elle se déroule à sa convenance, même s'il doit tout détruire autour de lui. Karl baissa les yeux vers le sol. Ebra lui demanda. Est-ce que tu me crois J'essaie de comprendre. Lorsque l'on est enfant, on est le centre du monde. Tout ce qui arrive, c'est à soi que cela arrive. Les autres, des fantômes postés là, à notre convenance. Mais quand on grandit et que l'on prend sa place, on acquiert sa propre taille et sa forme. Certaines choses émanent de nous pour aller chez les autres. Et nous en recevons de leur part. C'est plus difficile, mais c'est plus satisfaisant. Je suis contente que tu m'aies parlé d'Aaron. Pourquoi parce que désormais, je sais que je ne suis pas entièrement responsable. Il ne pouvait pas supporter la vérité sur sa mère parce qu'elle ne faisait pas partie de son histoire et qu'il ne voulait à aucun prix en vivre une autre. Alors, il a tout cassé autour de lui. De la même façon, il m'a déchiré, moi, Hebra, quand il a voulu être prêtre. Cal dit :« Il va falloir que je réfléchisse. Donne-moi mes livres », demanda-t-elle. Dis à Lily que je viendrai. Je suis libérée maintenant. Moi aussi, il faut que je réfléchisse. Je crois que je t'aime, Cal. Je ne vaux rien. C'est peut-être pour cela. Cal rentra rapidement chez lui. Elle viendra demain. Tu m'as l'air bien excité, dit Lee. Elba entra chez elle sans faire de bruit. Elle longea le mur pour ne pas faire craquer le plancher. Comme elle mettait le pied sur la première marche de l'escalier, elle changea d'avis et se dirigea vers la cuisine. Te voilà, lui dit sa mère. Tu n'es pas revenu directement de l'école? J'ai dû rester un peu plus longtemps. Papa va-t-il mieux? Je crois. Qu'a-t-il le médecin La même chose. Il a trop travaillé, il a besoin de se reposer. Il n'avait pourtant pas l'air fatigué, dit Albert. Sa mère prit trois pommes de terre dans un panier et les porta à l'évier. Ton père est très courageux, ma chérie. J'aurais dû m'en douter. En plus de son propre travail, il s'est beaucoup dépensé pour la guerre, et le médecin dit que ses nerfs ont lâché d'un seul coup. Est-ce que je peux aller le voir Je crois qu'il n'a envie de voir personne. Le juge Knudsen a téléphoné et ton père m'a fait répondre qu'il dormait. Est-ce que je peux t'aider Va changer de robe, ma chérie. Tu risques de salir celle-ci. Ebrah passa devant la porte de son père sur la pointe des pieds et entra dans sa chambre. Le papier des murs était agressivement coloré, et les meubles brillaient sous leurs couches de cire. Il y avait des photographies de ses parents dans un cadre, sur la commode. Des poèmes sous verre ornaient les murs, et dans le placard, tout était rangé. Le plancher était ciré, et les chaussures étaient méticuleusement alignées. C'était sa mère qui faisait tout. Qui dirigeait, qui proposait et disposait d'Abra. Abra avait abandonné depuis longtemps l'idée d'avoir quelque chose de personnel dans sa chambre. Cette pièce n'était pas à elle. Seules ses idées lui appartenaient en propre. Les quelques lettres qu'elle conservait étaient glissées entre les pages des mémoires d'Ulysse, jamais ouvertes, sauf par elle-même, depuis qu'ils étaient sortis de presse. Abra était heureuse et ne cherchait pas pourquoi. Elle comprenait certaines choses sans question et n'en parlait pas. Elle savait par exemple que son père n'était pas malade, il se cachait. Adam Trask, lui, était malade, car elle l'avait vu marcher dans la rue. Sa mère savait-elle que son mari avait peur Hebra se déshabilla et mit la blouse de coton que sa mère avait désignée une fois pour toutes pour le ménage. Elle brossa ses cheveux, passa à nouveau devant la porte de son père sans faire de bruit et descendit. Au bas de l'escalier, elle ouvrit son livre d'histoire et en sortit la carte d'Aaron. Dans le salon, elle secoua le deuxième volume des mémoires et en fit tomber les lettres d'Aaron. Elle les plia, puis soulevant sa blouse, glissa le paquet sous l'élastique de sa culotte. Dans la cuisine, elle mit un tablier pour masquer son embonpoint. Épluche donc les carottes, lui dit sa mère. L'eau est-elle chaude Oui. Mais y un bouillon cube. Le médecin a dit que c'était bon pour ton père. Lorsque sa mère monta la tasse fumante au malade, Ebra ouvrit l'incinérateur, y mit les lettres et les enflamma. Sa mère dit en redescendant. Ça sent la fumée. J'ai mis le feu aux ordures, c'était plein. Tu aurais pu me demander mon avis. Je ne voulais allumer que demain pour chauffer la cuisine. Excuse-moi maman, dit Abra. Je n'ai pas réfléchi. Tu aurais dû. Tu es très distraite ces temps-ci. Excuse-moi maman. Réfléchis au lieu de t'excuser. Le téléphone sonna dans la salle à manger. Mrs Bacon alla répondre. Non, on ne peut pas le voir. Le médecin l'a recommandé. « Personne. Non. Non. Personne. » Elle revint dans la cuisine. « C'est encore le juge, » dit-elle. Chapitre cinquante-trois. Tout le jour suivant, Abra fut heureuse à l'idée d'aller voir Lee. « Lui as-tu dit que je viendrais » demanda-t-elle à Cal entre deux cours. « Il a préparé de la pâte pour des tartes, » dit Cal. Il était en uniforme, veste de mauvaise coupe à col trop haut et leggings autour des mollets. Tu vas à l'exercice dit J'arriverai avant toi. Quelle sorte de tarte Je ne sais pas, mais laisse-moi une ou deux. Je crois avoir senti des fraises. Laisse-moi une ou deux. Veux-tu voir le cadeau que je vais lui faire Regarde. Elle présenta une petite boîte de carton qu'elle ouvrit. C'est un nouveau modèle d'épluche pomme de terre. Ça ne coupe que la pelure. C'est très facile à utiliser. « Il va t'offrir toutes les tartes, » dit Cal. Puis il ajouta, « Si je suis un peu en retard, attends-moi. »« Tu me raccompagneras à la maison ?»« Oui, » dit Cal. Elle le regarda bien en face jusqu'à ce qu'il baissa les yeux. Puis elle s'éloigna pour aller à son cours. Adam avait pris l'habitude de dormir tard. Ou plutôt, il avait pris l'habitude de dormir très souvent. De petits sommes la nuit comme le jour. Lee entra plusieurs fois dans la chambre avant de le trouver réveillé. Je me sens bien ce matin, dit Adam. Si l'on peut appeler ça le matin, il est onze heures. Seigneur Jésus. Il faut que je me lève. Pourquoi faire? demanda Lee. Pourquoi faire? Oui, c'est vrai, dans le fond. Pourquoi faire? Mais je me sens bien. Je pourrais peut-être aller jusqu'au bureau. Quel temps fait il? Froid, répondit Lee. Il aida Adam à se lever. Les boutons, les lacets des chaussures étaient une source d'ennui pour Adam. Pendant que Lee l'aidait, Adam lui dit J'ai fait un rêve, mais il avait l'air très réel. J'ai rêvé de mon père. Un homme de grande valeur, dit Lee. J'ai lu les coupures de journaux que le notaire de votre frère a envoyées. Un homme de grande valeur. Adam regarda calmement Lee Savez-vous que c'était un escroc Dans votre rêve, peut-être, dit Lee. Il est enterré à Arlington. Dans un des articles, j'ai lu que le vice président et le ministre de la guerre avaient assisté à ses funérailles. Peut-être cela intéresserait il un journal local de faire un éditorial. Nous sommes en guerre. Voulez vous que nous réunissions les éléments? C'était un escroc, dit Adam. Je ne le croyais pas dans le temps, mais maintenant j'en suis sûr. Il a détourné l'argent de la Grand Army of the Republic. C'est incroyable, dit Lee. Les yeux d'Adam étaient pleins de larmes. Cela lui arrivait fréquemment. Lee dit Asseyez-vous et je vais vous apporter votre petit déjeuner. Savez-vous qui va venir ce soir Ebra. Ebra Oh oui, Ebra Elle est très gentille. Je l'aime, dit simplement Lee. Il fit asseoir Adam devant la table à jeu. Voulez-vous vous distraire avec le puzzle pendant que je fais le déjeuner Non, merci. Pas ce matin. J'aime mieux penser à mon rêve avant de l'oublier. Lorsque Lee revint avec son plateau, Adam dormait dans son fauteuil. Lee le réveilla, lui lut le journal pendant qu'il mangeait, puis le conduisit aux toilettes. La cuisine embaumait la pâtisserie. Les fraises, en cuisant, étaient passées par dessus la casserole, et une odeur piquante et douce prenait au nez. Lee était heureux. Il attendait l'événement du soir. Adam arrive au bout de son rouleau, pensa t-il. Il doit en être de même pour moi. Mais je ne le sens pas. Je me sens immortel. Lorsque j'étais très jeune, je me sentais mortel. Mais c'est fini, la mort a reculé. Il se demanda s'il était normal de penser ainsi. Que voulait dire Adam en parlant des escroqueries de son père? Il devait confondre avec son rêve. Puis Lee se laissa aller au jeu de l'imagination, comme il le faisait souvent. Si c'est vrai, Adam, l'homme le plus strictement honnête que l'on puisse trouver, a vécu toute sa vie sur une fortune volée. Lee rit intérieurement. Et son fils Aaron, douillettement installé dans une pureté égoïste, profitera toute sa vie des bénéfices d'une maison close. Était ce une plaisanterie, ou bien les forces sont elles équilibrées pour que le fléau de la balance soit toujours horizontal? Il pensa à Sam Hamilton. Il avait frappé à tant de portes, il avait tant d'idées, tant de projets, et personne ne lui avait donné de l'argent. Mais il avait une autre richesse. Que pouvait on lui donner de plus? La richesse semble venir aux pauvres sous une forme spirituelle, et pour rétablir l'équilibre, les riches ne sont qu'une bande d'abrutis. Lee se demanda s'il n'allait pas un peu loin. Il y avait des exemples. Il pensa à Cal, brûlant l'argent pour se punir, mais le châtiment ne l'avait pas blessé aussi profondément que le crime. Lee se dit à lui-même Si vraiment il existe un endroit où je dois un jour rencontrer Sam Hamilton, que d'histoire aurais-je à lui raconter Puis il ajouta. Et lui donc Lee retourna dans la chambre d'Adam et le trouva essayant d'ouvrir la boîte qui contenait les articles nécrologiques sur son père. Le vent était froid. Adam insista pour aller au bureau. Lee l'habilla et le conduisit dans la rue. Si vous vous sentez faible, asseyez-vous où que vous soyez. Oui, acquiesça Adam. Mais je vais bien aujourd'hui. Je pourrais peut-être m'arrêter pour faire examiner mes yeux. Attendons demain. J'irai avec vous. Nous verrons, dit Adam et il se mit en marche en balançant les bras d'un air martial. Hebra arriva, les yeux brillants et le nez rougi par le vent froid. Elle apportait tant de bonheur que Lee rit de plaisir. « Où sont les tartes » cria-t-elle. « cria Cachons-les, que Kal ne les trouve pas. » Elle s'assit dans la cuisine. « Je suis si contente d'être revenue. » Lee voulut parler, mais sa voix s'étrangla. Ce qu'il avait à dire était agréable, mais délicat. « Je n'ai pas souhaité beaucoup de choses dans ma vie, » commença-t-il. J'ai appris très tôt à ne pas demander. C'est une source de déception. Ebra dit gaiement. Mais en ce moment, vous souhaitez quelque chose. Qu'est ce que c'est? Je voudrais que vous soyez ma fille. Il fut très choqué par ce qu'il venait de dire, alla jusqu'au fourneau à gaz, l'éteignit, puis le ralluma. Ebra répondit doucement. Je voudrais que vous soyez mon père. Il lui jeta un coup d'œil, puis détourna le regard. Vraiment? Vraiment. Pourquoi? Parce que je vous aime. Lee sortit rapidement. Il alla s'asseoir dans sa chambre, serrant ses mains jusqu'à ce que la respiration fût redevenue normale. Alors il se leva et prit dans sa commode une petite boîte d'ébène dont le couvercle était orné d'un dragon. Il retourna dans la cuisine et posa la boîte entre les mains d'Aybra. C'est pour vous, dit il d'une voix sans timbre. Elle ouvrit la boîte et vit une petite broche de jade vert foncé sculptée en forme de main humaine. Abra prit le bijou, le porta à sa bouche, le mouilla de sa langue, le passa sur ses lèvres et le pressa contre sa joue. C'était l'unique bijou de ma mère, dit Lee. Abra se leva, l'entoura de ses bras, l'embrassa sur la joue et c'était bien la première fois qu'il arrivait une chose semblable à Lee. Il rit. Il semble que mon calme oriental m'ait quitté. Le seul moyen de le retrouver. « C'est de faire du thé, chérie. » Il fit une légère pause. « C'est la première fois de ma vie que j'emploie ce mot. Je n'ai jamais appelé quelqu'un ainsi. » Elbra dit. « Ce matin, en me réveillant, je me suis sentie heureuse. »« Moi aussi, » dit Lee. « Et je sais pourquoi. »« Vous alliez venir. »« Moi aussi. »« C'était pour cela. »« Mais... »« Vous avez changé, » dit Lee. « Vous n'êtes plus du tout une petite fille. »« J'ai brûlé toutes les lettres d'Aaron. »« Avait-il mal agi envers vous ?»« Non. » Je ne crois pas. Mais jusqu'ici, je ne m'étais pas sentie assez forte. Il y a longtemps que j'avais envie de lui dire que je n'étais pas pure. Et maintenant que vous n'avez plus besoin d'être parfaite, vous pouvez être vous-même. Est-ce cela Je crois. Peut-être. Vous savez qui était la mère des enfants Oui. Vous ne m'avez pas encore offert une seule tarte. Et puis j'ai soif. Buvez du thé bois. Aimez-vous Cal ?»« Oui. Il est à la fois le meilleur et le pire. Une seule personne pourrait. Ebra baissa la tête vers sa tasse de thé. Il m'a demandé d'aller avec lui au mont Alezal quand les azalées sauvages fleuriront. Lee posa ses mains sur la table et se pencha en avant. Inutile de vous demander si vous avez accepté. Inutile. J'irai. Ne restez pas si longtemps sans venir dans cette maison. Mon père et ma mère me l'interdisent. Je ne les ai vus qu'une seule fois. Ils ont l'air de braves gens. Il y a parfois d'étranges remèdes. Je me demande si leur interdiction serait toujours aussi forte s'ils apprenaient qu'Aaron vient d'hériter de cent mille dollars. Ebra hocha gravement la tête et fit tous ses efforts pour ne pas rire. Vous avez raison, dit-elle, je me demande comment le leur faire savoir. Ma chère, délie, si j'apprenais une telle nouvelle, je crois que ma première impulsion serait de téléphoner à quelqu'un. Peut-être obtiendrai-je un faux numéro. Et diriez-vous à ce faux numéro la provenance de l'argent Certainement pas, dit Li. Elle regarda la pendulette accrochée au mur par un clou. Il est presque cinq heures. Il faut que je parte. Mon père ne va pas bien. Je pensais voir Cal à son retour d'exercice. Revenez bientôt, dit Li. Elle rencontra Cal sur le perron. Attends-moi, dit-il en entrant dans la maison. Prends bien soin des livres d'Ebra, lui lança Li de la cuisine. Avec la nuit tombante. Le vent se faisait plus froid. Les lampes se balançaient au bout de leurs chaînes. Et les ombres des passants étaient successivement devant et derrière eux. Les hommes qui revenaient du travail cachaient leur menton dans le col de leur manteau. Et se hâtaient vers la chaleur. On entendait la musique monotone qui venait de la patinoire. Cal dit Veux-tu reprendre tes livres une minute, Hebra Je voudrais défaire mon col. Il me scie le cou. Il le dégrafa et soupira de soulagement. Puis il reprit les livres. Dans le jardin des bergesses, les ramures du grand palmier bruissaient avec des claquements secs, et un chat miaulait sans interruption devant une porte de cuisine fermée. Ebrah dit. Je ne crois pas que tu fasses un bon soldat. Tu es trop indépendant. Peut-être, dit Kal. Tous ces commandements que nous assène le vieux Krag Jorgensen me semblent ridicules. Si je parviens à m'y intéresser un jour, je ferai peut-être un bon militaire. Les tartes étaient merveilleuses, dit Ebra. « Je t'en ai laissé une. Merci. Aaron, lui, doit faire un bon soldat. »« Oui, je crois. Le plus beau de l'armée. »« Quand irons-nous cueillir des azalées ?»« Pas avant le printemps. »« Qu'il se hâte Nous déjeunerons sur l'herbe. »« Et s'il pleut ?»« Tant pis, nous irons quand même. » Elle reprit ses livres et pénétra dans son jardin. « À demain, dit-elle. » Cal ne rentra pas directement chez lui. Il s'engagea dans la nuit froide, passa devant l'école, puis devant la patinoire. Un plancher surmonté d'une grande tente d'où sortaient les flonflons d'un orchestre mécanique. Il n'y avait aucun patineur. Le vieux propriétaire était assis dans sa cabine et feuilletait du bout des doigts un carnet sale de tickets d'entrée. Main street était déserte. Le vent chassait les détritus sur le sol. Tom Mick, l'agent de service, sortit de chez Bell et rencontra Cal. Vous devriez boutonner votre col, militaire, dit-il. Bonjour, Tom, ça me sert trop le coup. On ne te voit plus te balader la nuit. Non. Tu as pris de bonnes résolutions Peut-être. Tom savait se moquer des gens, mine de rien, et il était fier de cette aptitude. Tu m'as tout l'air d'être amoureux. Cal ne répondit pas. Il paraît que ton frère a réussi à s'engager. C'est de sa fiancée que tu es amoureux Je pense bien, dit Cal. Tom sentit son intérêt s'éveiller. Will Hamilton raconte partout que tu t'es fait quinze mille dollars dans les haricots. Est ce vrai? Je pense bien, dit Cal. Tu n'es qu'un môme. Qu'est ce que tu vas faire de tout cet argent? Cal lui sourit. Je l'ai brûlé. Comment brûlé? J'ai gratté une allumette, et je l'ai brûlé. Tom scruta son visage. Ah. Oui, évidemment. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Il faut que je te quitte. Bonsoir. Tom Mick n'aimait pas que l'on se payât sa tête. Bougre de petit salaud, se dit-il. Il devient un peu trop malin. Cal descendit lentement Main Street en regardant les vitrines. Il se demandait où était enterrée Kate. S'il connaissait l'endroit, il y porterait un bouquet de fleurs. Il rit de son élan. Se jouait-il la comédie Le vent de la vallée était capable de soulever une pierre tombale. Alors un bouquet d'œillet. Sans raison, il se rappela le nom mexicain des œillets. On avait dû le lui dire quand il était petit. On les appelait des clous d'amour, et les soucis des clous de mort. C'était un mot avec une consonance âcre. Clabelles. Peut-être ferait il mieux de porter des soucis sur la tombe de sa mère. Je commence à me conduire comme Aaron, se dit il. Chapitre 54 L'hiver semblait ne pas vouloir desserrer son étreinte. Il dépassa le temps de sa saison, froid, mouillé, venteux, et les gens répétaient c'est à cause de tous ces coups de canon que l'on tire en France. Il détraquent les saisons dans le monde entier. Les semences mirent longtemps à germer dans la vallée de la Salinas, et les fleurs sauvages s'ouvrirent si tard que l'on pensa un moment qu'elles ne s'ouvriraient jamais. Nous savions, nous essayions de nous persuader qu'au jour de mai. Quand tous les patronages vont pique-niquer sur les flancs de l'Azal, les azalées sauvages qui poussent sur les bords des torrents seraient fleuries. Elles étaient la parure de la fête. Pourtant, il fit froid ce jour-là. Le pique-nique fut noyé par une pluie glaciale et il n'y eut pas un seul bouton sur les azalées. Deux semaines plus tard, il en était de même. Cal n'avait pas prévu ce contretemps quand il avait donné la floraison des azalées comme signal de la promenade. Il fallait attendre. La Ford reposait dans la grange des Windham, les pneus gonflés, munis de deux piles sèches pour faciliter la mise en marche. Lee était prêt à faire les sandwichs lorsque le jour viendrait, mais il se fatigua d'attendre et refusa d'acheter du pain de mie tous les deux jours. Pourquoi ne pas y aller de toute façon demandait-il. Je ne peux pas, répondait Cal. J'attends les azalées. Et comment sauras-tu qu'elles sont en fleurs Les Silachis habitent là-bas et ils viennent à l'école tous les jours. Ils disent que ce sera pour dans une semaine. Seigneur, dit Lee, les yeux au ciel, accordez nous notre pique-nique. Adam recouvrait peu à peu ses forces, sa main gauche reprenait vigueur, il pouvait lire, un peu plus chaque jour. C'est seulement quand je suis fatigué que les lettres se mettent à danser, disait il. Je suis content de ne pas avoir acheté de lunettes, je me serais abîmé les yeux. Lee hochait la tête et était heureux. Il était allé à San Francisco se procurer des livres dont il avait besoin. Et avait commandé par poste de nombreux numéros de revues. Il n'ignorait plus rien de l'anatomie du cerveau, des symptômes et de la gravité des lésions et des trembousses. Il avait étudié et posé des questions avec la même ténacité dont il avait fait preuve pour prendre au piège, dépouiller et soigner un verbe hébreu. Le docteur Henry Cruz Murphy avait appris à connaître Lee et son impatience professionnelle à l'égard du domestique chinois avait fait place à une sincère admiration pour l'étudiant. Le docteur Murphy avait même emprunté à Lee certaines de ses revues spécialisées. Il dit au docteur Edwards Ce Chinois en sait plus que moi, et sans doute autant que vous, sur la pathologie de l'hémorragie cérébrale. Il parlait avec une sorte de colère affectueuse. La profession médicale est inconsciemment irritée par la concurrence. Lee vint lui annoncer qu'Adam allait mieux. On dirait que la réabsorption se poursuit. J'ai eu un malade, commença le docteur Murphy, et il raconta une histoire optimiste. La récurrence m'inquiète toujours, dit il. Il faut vous remettre entre les mains du Seigneur, dit le docteur Murphy. Nous ne pouvons pas encore reboucher une artère comme une vieille chambraire. Je voulais vous demander comment vous vous y prenez pour lui prendre sa tension artérielle. Je parie sur la mienne, et lui sur la sienne. C'est beaucoup plus drôle que les courses de chevaux. Et qui passe le poteau le premier? « J'en serais capable, dit Lee, mais je m'y refuse. »« Cela gâcherait le jeu. »« Comment lui faites-vous garder son calme ?»« C'est une de mes inventions, dit Lee. »« Je l'appelle la conversation-thérapie. »« Cela doit vous prendre tout votre temps. »« C'est vrai, dit Lee. » Le 28 mai 1918, les troupes américaines furent engagées pour la première fois de façon importante dans la Première Guerre mondiale. La première division, sous les ordres du général Bella, reçut pour objectif le visage de Cantigny. L'agglomération, bâtie sur une éminence, commandait la vallée de l'Avre. Elle était défendue par un système de tranchées, de mitrailleuses et d'artillerie. Le front se déployait sur un peu plus d'un mile. Le 28 mai 1918, à 6h45, l'attaque fut lancée après une heure de préparation d'artillerie. Les troupes engagées étaient le 28e d'infanterie, colonel Ely, un bataillon du 18e d'infanterie, Parker, une compagnie de génie et l'artillerie divisionnaire Summerhall et un support de blindés français et de lance-flammes. L'attaque fut victorieuse. Les Américains s'emparèrent de la ville et repoussèrent deux puissantes contre-attaques allemandes. La première division reçut les félicitations de Clemenceau, Foch et Pétain. C'est seulement à la fin du mois de mai que les Stilacchi annoncèrent que les fleurs roses saumon des azalées venaient de s'ouvrir. C'était un mercredi et la cloche de neuf heures sonnait se précipita vers la classe d'anglais, et au moment où Miss Norris allait s'asseoir sur sa petite estrade, il agita son mouchoir et se moucha bruyamment. Puis il descendit vers les cabinets des garçons, et attendit que la chasse d'eau du côté des filles eût été actionnée. Il sortit par la porte de la cave, se faufila le long du mur de briques rouges, se glissa derrière le poivrier, et marcha lentement jusqu'à ce qu'Ebra l'eût rejoint. Quand ont elles fleuri? demanda t-elle. Ce matin. On attend demain? Il regarda le beau soleil jaune, le premier de l'année. Veux-tu attendre Non, répondit-elle. Moi non plus. Ils partirent en courant, achetèrent du pain chez Reynaud et mirent lit sur les dents. Adam, entendant les cris dans la cuisine, entra. Qu'est-ce que c'est que ce chahut demanda-t-il. Nous allons manger sur l'herbe, dit Cal. N'y a-t-il pas classe aujourd'hui Hébra répondit. Si, mais nous prenons nos vacances. Adam lui sourit. Vous êtes rose comme une rose. Ebra lui lança Pourquoi ne venez-vous pas avec nous Nous allons sur l'Alizal cueillir des azalées. Ce serait avec plaisir, dit Adam. Puis il ajouta Non, je ne peux pas. J'ai promis d'aller à la fabrique. Nous installons de nouvelles machines. Quelle belle journée Nous vous rapporterons des fleurs, dit Ebra. Amusez-vous bien. Lorsqu'il fut sorti, Cal dit Pourquoi ne viens-tu pas, Li Li lui jeta un regard aigu. Est-ce que par hasard tu serais idiot mais si, venez, renchérit Ebra. Ne soyez pas ridicule, dit Lee. À l'est de la vallée de la Salinas, dans les Gabilans, le long du mont Alizal, chante une petite rivière. L'eau glisse sur les pierres rondes et lave sans cesse les racines des arbres. L'odeur des azalées et des feuilles vertes tiédies par le soleil emplissait l'air. La forde était arrêtée sur la rive. Elle avait chauffé et l'eau bouillonnait dans le réservoir. Des branches d'azalées recouvraient le siège arrière. Kal et Abra étaient assis sur la berge, au milieu des papiers gras du déjeuner. Leurs pieds trempaient dans l'eau. Les fleurs seront déjà fanées ce soir, dit Cal. Mais c'est une si bonne excuse. Si tu ne le fais pas, il faudra que ce soit moi. Qui fasse quoi Elle lui prit la main. Ça, dit-elle. Je n'osais pas. Pourquoi Je ne sais pas. Moi, j'ai osé. Les filles ont moins peur que les garçons. C'est peut-être vrai. N'as-tu donc jamais peur si dit-elle, j'ai eu peur de toi le jour où tu m'as dit que j'avais fait pipi dans ma culotte. C'était méchant de ma part, dit-il, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait soudain, il devint silencieux. elle glissa ses doigts entre les siens. Je sais à quoi tu penses, je veux que tu oublies cal regarda l'eau passer et retourna une pierre brune du bout du pied. Eh hey Brady, tu te crois pire que les autres, Tu crois que tu attires le mal, c'est que je vais te dire quelque chose, mon père a des ennuis, quels ennuis Je n'ai pas écouté aux portes, mais j'en ai entendu assez. Il n'est pas malade, il a peur, il a fait quelque chose. Karl tourna la tête. Je crois qu'il a volé de l'argent. Il ne sait pas encore si ses associés vont le faire mettre en prison ou lui laisser le temps de rembourser. Comment le sais-tu? Je les ai entendus crier dans sa chambre. Ma mère a mis un disque pour couvrir leur voix. Tu n'es pas en train de l'inventer, demanda-t-il. Non, c'est vrai. Il se colla contre elle, posa sa tête sur son épaule, et son bras se glissa timidement autour de sa taille. Tu vois que tu n'es pas le seul. Elle s'arrêta et lui jeta un regard de côté. Maintenant, j'ai peur, dit-elle faiblement. À trois heures, cet après-midi-là, Lee, assis devant son bureau, tournait les pages d'un catalogue de graines. Les poids de senteur étaient en couleur. Il ferait très bien le long de la clôture. Il masquerait la mare. Je me demande s'il y a assez de soleil. Au son de sa voix, il leva la tête et sourit. Il lui arrivait de plus en plus fréquemment de se surprendre parlant à voix haute, lorsque la maison était vide. C'est l'âge, dit-il, le cerveau qui divague. Il s'arrêta et resta immobile. C'est drôle, on dirait que j'attends quelque chose. Je me demande si j'ai éteint le gaz sous la bouilloire. Oui, je me rappelle. Il tendit à nouveau l'oreille. Dieu merci. Je ne suis pas superstitieux. Si je me laissais aller, j'entendrais glisser des fantômes. On sonna à la porte d'entrée. Voilà, voilà ce que j'attendais. Sonne donc. Je ne me laisserai pas guider par des pressentiments. Sonne donc. Mais il n'y eut pas d'autre coup de sonnette. Une grande lassitude s'empara de lui. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son impuissance. Il essaya de plaisanter. Si j'y vais, je veux trouver un prospectus sous la porte. Mais si je reste ici, mon vieux crâne fatigué me dira que la mort est à notre seuil. Allons, je choisis le prospectus. Lee s'assit dans le salon et regarda l'enveloppe qui reposait sur ses genoux. Soudain, il cracha dessus. Tiens, dit-il, voilà pour toi. Il l'ouvrit et bientôt la reposa sur la table. Il fixa le sol entre ses genoux. Non, dit-il, je n'ai pas le droit. Nul n'a le droit de soulager son prochain de la plus petite expérience. La vie et la mort sont un dû. Nous avons un droit à la douleur. Son estomac se contracta. Je n'ai pas le courage. Je ne suis qu'un ignoble lâche. Je ne pourrai pas le supporter. Il alla dans la salle de bain, versa trois cuillères de bromure dans un verre et ajouta de l'eau jusqu'à ce que le médicament rouge tournât au rose. Il porta le verre jusqu'au salon, puis s'assit. Il replia le télégramme et le glissa dans sa poche. Puis il dit tout haut. Je hais la lâcheté! Seigneur, combien je hais le lâche! Ses mains tremblaient et une sueur froide perlait sur son front. À quatre heures, il entendit Adam qui tournait la poignée de la porte. Lee se mouilla les lèvres, il se leva et se dirigea lentement vers l'entrée. Le verre de liquide rose était dans sa main et elle ne tremblait pas. Chapitre 55. Toutes les lampes étaient allumées chez les Trasques. La porte d'entrée était entrebâillée et la maison était froide. Dans le salon, Lee avait posé sur le fauteuil comme une feuille brune et gelée. La porte d'Adam était ouverte et des voix sortaient de la pièce. Lorsque Cal entra, il demanda « Que se passe-t-il » Lee leva les yeux et désigna de la tête « la table où était posé le télégramme ouvert. Ton frère est mort, dit-il. Ton père a eu une attaque. Cal se dirigea vers la chambre, Lee l'arrêta. Reviens. Le docteur Murphy et le docteur Edwards sont auprès de lui. Laisse-les seuls. Cal se planta devant Lee. C'est grave Lee, c'est grave Je ne sais pas. Il parla comme s'il racontait une très vieille histoire. Il est revenu fatigué. Mais il fallait que je lui lise le télégramme. C'était son droit. Pendant cinq minutes, il l'a répété tout haut. Et puis tout à coup, les mots ont pénétré sa tête et ont explosé. « Est-il conscient ?» Lee dit avec lassitude. « Assieds-toi et attends. »« Cal, assieds-toi et attends. »« Il faut t'habituer. Je suis en train d'essayer. » Cal prit le télégramme et lut la formule digne et sèche. Le docteur Edward sortit. Fit un signe courtois de la tête, passa la porte et la referma sans bruit. Le docteur Murphy posa sa trousse sur la table et s'assit. Il soupira. Le docteur Edwards m'a demandé de vous prévenir. Comment est-il? demanda Cal. Je vous dirai tout ce que nous savons. Désormais, vous êtes le chef de famille, Cal. Savez-vous ce que c'est qu'une hémorragie cérébrale? Il n'attendit pas la réponse de Karl. C'est un épanchement de sang dans le cerveau. Certaines parties sont touchées. Il a déjà eu des épanchements, mais moins importants. Lee sait ce que je veux dire. Oui, dit Lee. Le docteur Murphy lui jeta un coup d'œil, puis s'adressa à nouveau à Cal. Le côté gauche est paralysé, le côté droit partiellement. Il est probable qu'il ne voit rien de l'œil gauche, mais nous ne sommes pas en mesure de l'assurer. En d'autres mots, votre père est réduit à une impuissance totale. Peut il parler? Très peu, avec difficulté. Ne le fatiguez pas avait la gorge sèche. Peut il guérir? J'ai entendu parler de cas de réabsorption, mais personnellement je n'en ai jamais vu. Alors il va mourir? Nous ne savons pas. Il peut vivre une semaine, un mois, un an, ou même deux, il peut mourir cette nuit. Peut il me reconnaître? Vous le verrez vous même. Je vais vous envoyer une infirmière, et par la suite vous en engagerez deux qui se relayeront à son chevet. Il se leva. « Je regrette, Cal. »« Du courage. Il vous en faudra beaucoup. Je suis toujours surpris par le courage des gens. Edwards viendra demain. Bonsoir. » Il tendit la main pour toucher l'épaule de Cal, mais Cal se recula et se dirigea vers la chambre d'Adam. Son père reposait, adossé à des oreillers. Son visage était calme et pâle. Sa bouche était ferme, ni souriante, ni sévère. Ses yeux étaient ouverts. Ils avaient une grandeur profonde et une grande clarté il semblait doué d'une acuité nouvelle ils bougèrent et se posèrent sur cal lorsqu'il entra dans la pièce ils rencontrèrent sa poitrine puis remontèrent jusqu'au visage et s'y fixèrent cal s'assit sur la chaise à côté du lit il dit je regrette les paupières se baissèrent et se relevèrent comme celles d'un oiseau de nuit m'entends-tu peux-tu me comprendre les yeux ne bougèrent pas c'est moi sanglota cal je suis responsable de la mort d'Aaron et de ta maladie. Je l'ai emmené chez Kate. Je lui ai montré sa mère. C'est pourquoi il est parti. Je ne veux pas agir mal. Mais j'y suis poussé. Il posa la tête sur le bord du lit pour éviter le terrible regard. Mais il le sentait toujours. Il savait que ses yeux seraient sur lui toute sa vie, comme une tâche. On sonna à la porte. Quelques instants plus tard, Lee entra dans la chambre, précédant l'infirmière, une femme corpulente, avec d'épais sourcils noirs. En ouvrant sa valise, elle ouvrit la bouche. Où est mon malade? Ah. Le voici. Ben, Il a bonne mine. Qu'est ce que je fais ici? Vous feriez mieux de vous lever et de vous occuper de moi. Voudriez vous vous occuper de moi? Oh. Le beau malade. Elle passa un bras musclé derrière Adam et le souleva sans effort. Puis, de son autre main, elle retourna les oreillers. Des oreillers frais, dit elle. Vous n'aimez pas les oreillers frais? Où est la salle de bain? Avez-vous un canard et un bassin? Pouvez-vous m'installer un lit ici? Faites-moi une liste, dit Lee. Et si vous avez besoin d'aide, pour lui. Pourquoi aurais-je besoin d'aide? On s'entendra très bien tous les deux. Hein, mon gros poupon? Lee et Cal se retirèrent dans la cuisine. Lee dit: Avant qu'elle arrive, j'étais sur le point de te forcer à manger. Tu sais, comme ces gens qui emploient la nourriture dans toutes les occasions, bonnes ou mauvaises. Elle doit être comme ça mange ou ne mange pas libre à toi cal lui sourit si tu m'y avais forcé j'aurais été malade mais puisque tu le prends comme ça je crois que je vais me faire un sandwich je te l'interdis j'en veux un et dire que ça prend toujours c'est décourageant je trouve même insultant que tout le monde réagisse de la même façon je n'ai plus envie de sandwich dit cal est-ce qu'il reste des tartes dans le panier à pain elles sont peut-être un peu rassis je les aime rassis dit cal il posa le plat sur la table et s'installa devant. L'infirmière passa la tête. Ça a l'air bon, dit elle. Elle prit une tarte, mordit dedans, et parla la bouche pleine. Est ce que je peux téléphoner chez Crowe pour mes médicaments? Où est le téléphone? Où rangez vous le linge? Où est mon lit? Vous avez fini de lire ce journal? Où est le téléphone, dites vous? Elle prit une autre tarte et se retira. Lee demanda doucement. T'a t-il parlé? Cal secoua la tête de gauche à droite. Un mouvement qui semblait ne jamais finir. Cela va être affreux. Mais le docteur a raison. Nous supportons tout. Nous sommes de merveilleux animaux. Pas moi. La voix de Cal était blanche. Je ne peux pas le supporter. Non, je ne peux pas. J'en suis incapable. Il faudra que. Il faudra que. Lee lui agrippa sauvagement le poignet. Morveux Alors que tant de bonté t'entoure, tu oses songer à une chose pareille En quoi ta peine est-elle plus raffinée que la mienne ce n'est pas de la peine. Je lui ai tout dit. J'ai tué mon frère. Je suis un assassin. Il le sait. Te l'a-t-il dit Allons, te l'a-t-il dit C'était inutile, c'était dans ses yeux. Il me l'a dit avec ses yeux. Je ne puis aller nulle part pour leur échapper. Nulle part. Lille soupira et relâcha son étreinte. Cal, écoute-moi. Les centres vitaux d'Adam sont atteints. Tout ce que tu peux voir dans ses yeux n'est peut-être que le résultat de cette infiltration de sang dans son cerveau. Ne te rappelles-tu pas Il ne pouvait plus lire. Ce n'était pas ses yeux, c'était sa tension. Tu ne sais pas s'il t'a accusé. Tu ne peux pas l'affirmer. Il m'a accusé, je le sais. Il a dit que j'étais un meurtrier. Il te pardonnera, je te le promets. L'infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que tu promets, Ching Chong Tu m'avais bien promis une tasse de café je vais vous la faire. Comment va t-il? Il dort comme un enfant. Y a t-il de quoi lire dans cette maison? Que désirez vous? Quelque chose qui me fasse oublier mon corps aux pieds. Avec votre café, je vous apporterai des histoires sales, écrites par une reine de France. Peut-être seront elles trop. Apporte-les, avec le café, dit-elle. Tu devrais roupiller un peu, fiston. Xingchong et moi, nous ferons la garde. N'oublie pas mon bouquin, Xingchong. Li posa le percolateur sur le fourneau, puis il dit. Cal, que veux-tu Va voir Ebra. Cal, debout sur le perron, garda le doigt sur la sonnette jusqu'à ce qu'une ampoule s'allumât au-dessus de lui, et que le verrou de sûreté fût tiré de l'intérieur. Mrs. Bacon jeta un regard. Je voudrais voir Ebra, dit Cal. Ébahie, elle ouvrit la bouche. Que voulez-vous Voir Ebra. Impossible. Elle est dans sa chambre. Sortez. Cal lança plus fort. Je vous dis que je veux voir Ebra. Partez ou j'appelle la police. Qu'est-ce que c'est Qui est-ce demanda la voix de Mr. Bacon. Ne t'occupe pas de ça. Va te coucher, tu es malade. Je m'occupe de tout. Elle se retourna vers Cal. Descendez de mon perron. Si vous sonnez à nouveau, je téléphone à la police. La porte claqua, le verrou crissa, la lumière s'éteignit. Cal resta immobile, souriant à la pensée que la police serait représentée par Tom Mick. Il le voyait très bien, demandant Eh bien, Cal, qu'est-ce que tu fabriques Mrs. Bacon cria de l'intérieur. « Je vous vois Voulez-vous partir ?» Il retraversa lentement le jardin et reprit le chemin de chez lui. Il n'avait pas fait vingt pas qu'Ebra le rattrapait, essoufflé. « Je suis sorti par la cuisine, » dit-elle. « Ils vont s'en apercevoir. »« Je m'en fiche. »« Vraiment ?»« Oui. »« Ebra, j'ai tué mon frère et mon père est paralysé par ma faute. » Elle lui prit le bras à deux mains. demanda. « M'as-tu entendu ?» Je t'ai entendu. Hébra. Ma mère était une prostituée. Je sais, tu me l'as dit. Mon père est un voleur. Le sang de ma mère coule dans mes veines, Ebra. Le sang de mon père coule dans les miennes. Ils marchèrent en silence, et Cal essayait de retrouver son équilibre. Le vent était froid, et ils accélérèrent leur marche pour se réchauffer. Ils passèrent devant le dernier réverbère de Salinas. L'obscurité était devant eux. Sous leurs pieds, le sol était glissant. Ils avaient atteint la fin de la rue. La fin de la lumière. L'argile était collante et l'herbe humide de rosée. Hébra demanda Où allons-nous Je veux fuir le regard de mon père. Ses yeux sont devant moi. Lorsque je ferme les miens, ils sont toujours là. Je les verrai toujours. Mon père va mourir, mais ses yeux continueront de me regarder pour me dire que j'ai tué mon frère. Tu ne l'as pas tué Si, les yeux de mon père me l'ont dit. Ne parle pas ainsi. Où allons-nous Un peu plus loin. Il y a une fontaine et un saule à côté. Rappelles-tu le saule? Rappelles oui, je me le rappelle. Il dit Les branches tombent comme une tenture et couvrent le sol. Je sais. L'après-midi, quand il y avait du soleil, Aaron et toi écartiez les branches et vous entriez, et personne ne pouvait vous voir. Tu nous as épiés? Évidemment, je veux aller sous le saule avec toi. Voilà ce que je veux. Elle s'arrêta et le retint. Non, dit-elle, tu n'as pas le droit. Tu ne veux pas y aller avec moi? Si c'est pour te cacher, non. Alors que dois-je faire Dis-le-moi. M'écouteras-tu Je ne sais pas. Nous rentrons. Où Chez ton père. Ils étaient violemment éclairés par la lampe de la cuisine. Lee avait allumé le four pour réchauffer la pièce. Elle m'a fait revenir, dit Cal. Je l'espérais bien. Et Brady. Il serait revenu de lui-même. Nous ne le saurons jamais, dit Lee. Il sortit de la cuisine et revint bientôt. « Il dort toujours. » Il posa une gourde de pierre et trois petites tasses de porcelaine transparentes sur la table. « Je me souviens de cela, » dit Cal. « Tu as toutes les raisons. » Lee versa la liqueur noire. « Il faut en prendre une gorgée et la garder longtemps dans la bouche. » Abra posa les coudes sur la table. « Aidez-le, » demanda-t-elle. « Vous savez accepter les choses, Lee. Aidez-le. »« Je ne sais pas si je les accepte, » dit Lee. Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Je me suis toujours trouvé de moins en moins capable d'affronter l'incertitude. Et j'ai dû pleurer, seul. Pleurez-vous Lorsque Samuel Hamilton est mort, le monde s'est éteint comme une chandelle. Je l'ai rallumé pour voir ses merveilleuses créations. Mais je n'ai vu que ses enfants jetés les uns contre les autres, déchirés et détruits, comme si quelque vengeance était à l'ouvrage. Il faut garder le capi sur la langue. Il continua. J'ai dû découvrir moi-même mes propres erreurs. Je croyais que le bien était détruit, alors que le mal survivait et prospérait. Je croyais qu'un dieu furieux versait un feu liquide pour détruire ou pour purifier son petit tas de poussière. Je croyais avoir hérité les cicatrices laissées par le feu et les impuretés qui avaient rendu le feu nécessaire. Oui, je croyais les avoir héritées. Est-ce ce que vous ressentez? Je crois, dit Cal. Je ne sais pas, dit Abra. Lee secoua la tête. Ce n'est pas assez, cela ne va pas assez loin. Peut-être il resta silencieux. Cal sentait la chaleur de l'alcool dans son estomac. Peut-être quoi, Lee Peut-être arriveras-tu à comprendre que chaque homme de chaque génération subit l'épreuve du feu. Est-ce qu'un artisan, même à l'âge de la vieillesse, perd l'ambition de faire une tasse parfaite, fine, solide, translucide? Il présenta sa tasse devant la lumière. Toutes les impuretés sont brûlées. Et la tasse est prête à recevoir un liquide glorieux ou à retourner dans le brasier. Alors, où l'escorie annoncelle, où l'on obtient ce que chacun poursuit, la perfection. Il vida sa tasse et dit à haute voix. Écoute-moi, Cal, crois-tu que ce qui a présidé à notre naissance refuserait à tenter un nouvel essai Je ne peux pas le supporter, dit Cal. Pas maintenant. Les pas lourds de l'infirmière résonnèrent dans le salon. Elle s'arrêta à la porte et regarda Abra. Les coudes sur la table, les joues entre ses mains. L'infirmière demanda Vous avez une carafe Les malades ont toujours soif. Vous comprenez, il respire par la bouche. Est-il éveillé demanda Lee. Voici une carafe. Oh, oh Oui, il est réveillé. Et bien reposé. Je lui ai lavé le visage et je l'ai peigné. C'est un bon malade. Il a essayé de me sourire. Lee se leva Suis-moi, Cal. Vous aussi, Abraham. Il faut que vous veniez. L'infirmière remplit la carafe au robinet de l'évier et sortit la première. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Adam était assis, bien calé par ses oreillers. Ses mains blanches reposaient de chaque côté de son corps et ses veines sinuaient plus foncées des phalanges aux poignets. Il avait le teint cireux et ses os semblaient saillir davantage. Il respirait lentement. Ses yeux bleus réfléchissaient la lumière dirigée vers lui. Lee, Cal et Abra se placèrent au pied du lit. Et les yeux d'Adam allèrent d'un visage à l'autre, pendant que ses lèvres tremblaient un mot de bienvenue. L'infirmière dit. Regardez comme il est joli. C'est mon petit chéri. La ferme, dit Lee. Vous n'allez pas me fatiguer, mon malade. Sortez de cette pièce, dit Lee. Je préviendrai le docteur. Lee pirouetta vers elle. Sortez de cette pièce et fermez la porte. Et prévenez donc le docteur. Je n'ai pas l'habitude de prendre des ordres d'un chintok Cal dit. Sortez et fermez cette porte! Elle la claqua juste assez fort pour montrer sa désapprobation. Adam sursauta légèrement. Lee dit. Adam, les grands yeux bleus cherchèrent la voix et se posèrent finalement sur le visage de Lee. Adam, je ne sais pas ce que vous pouvez entendre ou comprendre. Lorsque votre main était engourdie et que vos yeux refusaient de lire, j'essayais de vous aider. Aujourd'hui, vous êtes seul, livré à vous-même. Peut-être derrière ces yeux clairs êtes-vous alerte et vif, peut-être vivez-vous dans un rêve gris et troublant, peut-être comme un nouveau-né ne percevez-vous que la lumière et le mouvement. Votre cerveau a été touché, et peut-être êtes-vous un nouvel homme, peut-être n'êtes-vous plus ni bon ni honnête, nul ne le sait, à part vous. Adam, m'entendez-vous Les yeux bleus se fermèrent, puis se rouvrirent. Lee dit Merci, Adam, je sais combien c'est difficile. Mais je vais vous demander un effort plus grand. Voici votre fils Caleb, votre seul fils. Regardez-le, Adam. Les yeux pâles cherchèrent puis trouvèrent Cale. La bouche de Cale forma un mot, mais nul son ne s'en échappa. La voix de Lee continua Je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre, Adam, des années ou une heure, mais votre fils vivra. Il se mariera et ses enfants seront tout ce qui restera de vous. Li s'essuya les yeux avec ses doigts. Il a agi sous l'empire de la colère, Adam, car il croyait que vous l'aviez rejeté, et sa colère a tué son frère, votre fils. Cal dit « Li, tu n'as pas le droit. »« Il le faut, dit Li. Je le dois. Même si cela le tue, j'ai le choix. » Il sourit tristement et répéta la phrase de Samuel « J'encourrai le blâme. » Puis il redressa la taille et dit avec vigueur « Votre fils ploie sous le poids d'une faute étrangère, étrangère une faute déjà trop lourde pour lui. Ne le repoussez pas. Adam, ne l'achevez pas. Dans la gorge sèche de Lee, l'air aspiré siffla. Adam, donnez lui votre bénédiction. Ne le laissez pas seul avec sa faute. Adam, m'entendez vous? Donnez lui votre bénédiction. Une lueur terrible s'alluma dans les yeux d'Adam. Puis il les ferma et les garda fermés. Une ride se forma entre ses sourcils. Lee dit Aidez-le, Adam, aidez-le, donnez-lui sa chance, qu'il soit libre. C'est ce qui élève l'homme au-dessus de la bête. Libérez-le, libérez-le, bénissez-le. Le lit tout entier sembla secoué. Épuisé par son effort, Adam respira plus vite, puis lentement. Sa main droite se leva, se leva à peine au-dessus du drap, et retomba. Le visage de lit était hagard. Il s'approcha du chevet du lit et essuya le visage ruisselant du malade avec le bord du drap. Il se pencha sur les yeux fermés. Merci, Adam. Merci, mon ami. Pouvez vous bouger vos lèvres? Formez son nom avec vos lèvres. Les paupières d'Adam s'ouvrirent sur des yeux las. Ses lèvres se séparèrent et gonflèrent, refusèrent, essayèrent à nouveau. Puis ses poumons se vidèrent et son souffle chaud bruissa entre ses dents. Le mot murmuré sembla suspendu en l'air. Timschel ses yeux se fermèrent et il dormit.